Dylan entraînement. Putain, j'ai fait quasiment aucune map, hein, moi. On va galérer, là. Qu'on blâme pas non plus. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois. En fait, tout dépend. C'est-à-dire qu'un mec qui a un discours de haine profonde, c'est difficile d'être tolérant quand tu sens qu'il n'y a aucun effort. Quand tu sens qu'il y a un effort qui est... Mais c'est très subjectif. Mais quand tu sens qu'un effort est fait de la personne pour comprendre, pour s'ouvrir, etc., même si tout n'est pas parfait, là, là, il doit y avoir de la tolérance parce qu'il y a de l'effort, tu vois. Mais bon, c'est... Oh putain, j'ai pas la map, moi. Oh, ça doit être là. En effet, c'était là. Ici, il faut cut. Ici, il faut cut, ok. Ici, il faut cut. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, on a un peu ces sujets... Ça pourrait être intéressant dans... Ah ouais, mais ça va être terrible, là, pour bien régusser, là. On va peut-être faire... Non, pas de cut, fais le 100. Le cut est trop dur. Vous allez me dire les cuts qui sont impossibles pour mon niveau, comme ça... Tous. Il est dur, le cut. Ok, t'es pas obligé. Mais déjà, faut qu'on soit un peu en mode qu'on fasse la map, quoi. Sans cut, ok. Même Sardo, je prends pas le cut. Ah oui. Oh, y'a Tac. Oh, Tac. Tac, on le rappelle, hein, 16 ans, il a le world record sur, tout, sur toutes les maps. Mais il est organisateur de tournois. C'est quoi cette merde? Pourquoi je suis en roue Oh putain, c'est le truc où t'as plus de... T'as plus de boost. Faut freiner pour prendre la descente, c'est ça? Oh, je suis pas dedans, là. Au moins, ça m'a calé. On découvre cette petite map, c'est sympa. Cool ces sujets avec toi. Oh, mais Jota. Non, mais j'en ferai un peu. J'aimerais bien de temps en temps faire. Là, je réfléchissais. Pour tout vous dire, j'ai bien envie. Parce que du coup, Popcorn. Oh lolo, oh lolo. Popcorn, on va faire. C'est fort la musique, non? C'est un peu fort. Non, parce que là, on est en. C'est plus là la musique? Son. Non, ça va. Ah, bah, c'est juste chez moi, là. Musique, non. Je vous mets ça là. Et du coup, non, pardon, dans ce que je disais, Popcorn, bah du coup, fin juin, ça sera terminé. Finis ta phrase, par pitié. On devait régler la musique, je m'entendais plus. Du coup, Popcorn, bah fin juin, on fait une pause. Vous savez, on le reprend en septembre, histoire de pouvoir prendre des vacances, de pas de partir un peu en vacances, etc. Quoi, de faire une pause. Et j'avais bien envie peut-être de faire un truc un peu podcast, alors rien d'innovant, mais un peu le délire table ovale, un peu le délire que bah, Ben Never fait aussi sur sa chaîne, tu vois, genre, où tourner 3-4 un peu table, où je ramène 4-5 personnes et on discute de quelques sujets. Je pense que ça, on fera peut-être ça durant l'été, tu vois, pour mettre aussi des petites vidéos sur YouTube, et c'est un truc que... C'est un truc que, ouais, que j'aime bien faire et que j'aimerais bien faire, donc PB, GG. Il est juste passé, en fait, ce PB-là. Mais carrément, ouais, ça, je pense que ça peut être sympa de faire ça. Des personnes un peu différentes, d'amener bah, les sujets un peu qu'on discute aussi, tu vois, le... Comment est tout un chacun avec les sujets de société actuellement, quoi. Ouch. Le skin est Gucci de fou. Ah, c'est Team Pax, mon frère. Ah, c'est Team Pax. Mais du coup, on fera sûrement ça, ouais. On est en train de réfléchir à comment on organise et tout. Surtout que maintenant, c'est vrai que Popcorn... Attends, donc du coup, là, faut que je... Ah merde, faut que je freine pour prendre la descente. Ah non? Je l'ai eu, quoi qu'il arrive. Trois à droite, hein. Oh là, c'est pire que tout, ça. Oh, c'est pas si mal. Ah, 16 secondes, je finis pas, non? Atterri à plat, tout va bien. Ah, il suffit juste de ça, en fait. Faut atterrir sur les 4 roues. Oh là là. Ah ouais, c'était, on n'en aura pas. Mais doucement. Ok. On a bien traîné cette map, hein. C'était bien. Faut pas taper le plafond. Ok. Popcorn en vacances. Ouais, un peu, tu vois. Je pense qu'on fera ça, ouais, du coup. Si ça vous parle, c'est bien. Comme tu fais dans ta cuisine, mais autour d'une table. Non, mais j'ai envie aussi. Mais Non, mais là, je vais... Là, c'est tous les... C'est tous les concepts, là, que je vous sors. Non, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais j'aimerais bien plus tard faire un... Ouais, voilà, on est parti. J'aimerais bien plus... Mais je sais pas quand, mais dans un peu longtemps, tu vois. Mais un peu dans ce même truc qu'en cuisine, que j'aime bien. Mais le faire, mais en mode, tu fais une bouffe, en fait. Tu fais une bouffe avec 5-6 personnes, des gens d'ambiance différente.
Et t'as peut-être un cuisinier qui cuisine, tu vois. Pas vraiment c'est à vous, parce que pas en mode talk show, tu vois. Plus en mode discussion avec des gens d'horizons différents. Ardisson faisait un truc comme ça, mais alors version Ardisson, hein, que t'as pas envie de faire, ni de vivre, ni rien. Parce que c'était vraiment Ardisson, quoi. Mais je trouve que ça amène des discussions intéressantes et des formats un peu autres. Et je trouve que... Domingo la nuit. Non, c'est différent parce que Ponce, tu vois, il va dans un bar, il fait un... Enfin, c'est un peu haute. Ponce la nuit en multi. Un dîner presque pourri. Qui s'appellera Maïs soufflé. Non, c'est ce que je kifferais le plus, tu vois. Mais du coup, ramener... tu vois, aussi bien un YouTuber qu'un streamer, qu'un mec qui fait du son, qu'un David Godu, tu vois, genre... Ça qui est cool, je trouve, c'est le côté ambiance différente des différentes personnes, quoi. C'est parfois ce qui est un peu difficile sur Twitch ou autre, c'est qu'on est souvent dans les mêmes... pas dans le même délire, mais tu vois, on a beaucoup les mêmes parcours, quoi. Donc, c'était pas Baffy qui faisait ça. Baffy a fait un truc un peu similaire après. Baffy a fait un truc un peu, ouais, pas pareil exactement, mais... Oh, Ardisson, il faisait un truc, si je dis pas de bêtises, ça s'appelait 76 Faubourg Saint-Honoré, je crois. Et en fait, c'était... merde. Ah bah toi aussi. En fait, c'était chez lui, mais genre j'ai regardé celle avec... Parce que en fait, j'avais jamais vu. Et j'étais curieux de savoir, tiens, ça donne quoi? Quand je réfléchissais à faire peut-être... Ah, c'est bon. Médaille hauteur pour ça? Eh bien, pourquoi pas. Ah bah, je suis à 30 secondes des mecs qui sont premiers, quoi. Ardisson, ça met toujours mal à l'aise. C'est horrible. L'intro, le générique, c'est lui. C'est lui qui est concrètement... attendez, faut que je vous montre ça. Faut que je vous montre ça à 2 secondes. Ça va pas prendre longtemps. Le mec est au téléphone, il est en mode « J'ai des rendez-vous demain !» Il parle à sa secrétaire. 76, Faubourg... merde. Ils vont trouver quand même. Tu vois, c'est ambiance dîner mondain de Ardisson, chelou, bizarre, en mode « Regardez-nous !» Ah, c'était 93. Donc ça, c'est chez lui, tu vois. Très particulier, hein, quand même, l'ambiance, hein, je trouve. Après, c'était quoi? C'était dans les années 2000, ça? 2005, ouais. Tu vois, c'est 5 ans avant les vidéos qu'on regardait de... Ouais, comment ça va? Bah écoute, ça va, j'attends Eric Ramsey, là. Dis-moi, ça... Ouais, ça va pas se finir de bonne heure, là. Qu'est-ce que j'ai demain? C'est terrible. Ouais. Regardez-moi. Je suis tranquille jusqu'à 11h. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ouais. Ah, c'est... Et à 11h, j'ai la gym. Non, je vais être frais à la gym. Et ouais. Je balade dans son appart avec différents plans d'appart. C'est où, alors, le déjeuner? C'est horrible. Au Relais Plaza, très bien. Ah, c'est notre télé, hein. Ça, après... C'est notre époque et tout, quoi. Ça va, alors, j'ai une journée... T'as vraiment l'impression que tu vas participer à une soirée cul. Ouais, c'est l'ambiance un peu libertin, tu vois. On dirait OSS qui Jean Dujardin qui troll dans OSS 117. Ouais, c'est très très particulier. Hein, particulier. J'avoue qu'Ardisson. Après, c'était la télé des années 2000, quoi. C'était ça, hein. Il paraît vraiment détestable comme mec, Ardisson. Bah, je connais pas du tout. Mais dans ce qu'il dégage, etc., oui, clairement, tu te dis pas, putain, le mec a l'air vraiment cool. On ferait bien juste une soirée avec lui, ça a l'air sympa. Ils vont tous à gauche, là. Ah, ils cut à gauche, les mecs. Ah, donc moi, je suis en gros clébard à faire tout le tour, que tout le monde cut. Ok, il y a un cut. Ça, déjà, c'est noté, en fait. Vieux jeu, mais pas détestable, je trouve. Non, mais c'est... Enfin, tu regardais avec même les interviews, etc., qu'il a, etc., c'est très... Mais... T'es en culotte, là? Ouais. Elle est de quelle couleur, là, ta culotte? Hein? C'est de la soie? Ouais, c'est sympa, ça. T'aimes bien, toi, les culottes roses, non? Ouais. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Attends. Tu veux pas nous la montrer un peu, ta culotte, peut-être? C'est terrible, tu vois, c'est... Tu regardes ta... Merde, mais du coup, jamais je vais réussir à cut, là, roue libre. Mais moi, je n'ai pas la vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver! C'est un peu ça, quoi. 17ème sous ascenseur. Je connais pas. Non, non, mais ouais, c'est vrai que... Mais je vais vraiment juste taper la rambarde, là. Et non. J'ai fait pire. Faut full speed.
Ok, faut pas... Faut juste y aller pleine balle, en fait, quoi. C'est juste pleine balle, là. Boum, ça stab. Mais oui, on est full speed, en plus. Ah, la vie est belle. Faisable large, le cut, ouais, je pense. Parenthèse. Mais j'aime bien, moi, les... genre, rendez-vous en terrain inconnu. J'aime vraiment... Après, là, il y a un nouveau gars, je crois. Mais j'aimais bien quand c'était Frédéric Lopez. Ça semble... Alors, pareil, je connais très peu et j'ai trop peu regardé, mais ça semblait être un gars vraiment très humain. Mais je suis trop con, je vais dans le mur. Forcément que je tape. Faut que je prenne extérieur pour retaper. Et rendez-vous en terrain inconnu. Moi, je surkiffe Edouard Baird. Du coup, ils étaient allés, je crois, dans une tribu en Afrique, si je dis pas de bêtises. Du coup, Edouard Baird là-dedans, c'est du régal. Mais merde, mais Frédéric Lopez il est vraiment sympa dedans du coup. Faut que je m'embête. Hier Insane avec Vianney, rendez-vous en terrain inconnu. Et il continue du coup, mais il y a un nouveau, c'est ça? Particulier Lopez au boulot, c'est connu dans leur petit milieu de prod télé. Ah ouais? Ah. Non, non, puis oh! Attends, on a quand même joué un peu à Trackmania normalement. Je passe pas le poteau en fait. Celui d'hier avec Vianney m'a fumé, mais vous matez un peu la télé quand même. Hein. Le nouveau est très très bien. Faut s'habituer. Hein. J'ai... Ça passe. J'ai failli refaire la même quand même. On n'était pas loin de retaper juste comme un gros clébard. Là, faut passer à gauche du coup sur la glace. Ah, un peu haut là, un peu haut là. Ah ouais, un peu haut, un peu haut, un peu haut. Un peu haut, on s'est un peu ambiancé là. On s'est un peu trop ambiancé là. Faut que je teste peut-être les gens, non? Après, bon, à la télé, c'est pas hyper dur d'avoir l'air sympa, mais ce qu'on entend, c'est full connard. Ah ouais, c'est ça, c'est que c'est tellement cut et tout que... Après, je sais pas, ouais, c'est... Oui, mais pourquoi je tourne la caisse, en fait? Putain, c'était pas simple de réussir à quand même poser la caisse au milieu. Wingo qui raid. Oh, Wingo! Putain, le crack de Trackmania, quoi, le boss. Mais Trackmania, en plus, c'est terrible pour lui cette année, non? Parce que c'est... Je sais pas si après les poules, c'est un format différent ou pas. Est-ce que c'est un format différent qui fait qu'il y a quand même un moment où, justement, c'est les meilleurs qui gagnent ou c'est juste le moins bon qui compte dans la team? Mais merci beaucoup, Wingo, en tout cas. Bienvenue. Alors, vous allez pas être déçus du niveau ici. Hein. Je peux vous dire que là... Tu fais juste du coaching. Tout pareil, je sers à rien du début à la fin. Propre, tu dois kiffer. Ça met bien, ça. C'est lourd, ouais, du coup... Bah, c'est vrai que Trackmania, c'est pas le jeu qui te donne envie de train de ouf, parce que, bah, faut juste pas être à chier, quoi. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout mon cas, donc du coup, j'ai pas trop de pression. Mais, de meilleure mémoire, sur la glace, faut lâcher la pédale. Raphaël de Casabianca qui remplace Lopez. Ok. Mais ouais, non, c'est propre, ça. Comme vous pouvez voir, moi, je suis assez à l'aise, hein, donc vraiment... Ah ouais, frère, aussi, il y a des rétroviseurs au sol. Il y a des cactus. Non, mais aussi, on a pas fait encore, là, vraiment, la map. Ça fait 15 minutes, là? Il reste qu'une minute 30? Oh non. Oh, quelle vie de merde. Oh, c'est pas possible. Bon, allez, vas-y, j'en fais une bière. Bon, la Zilan approche, hein, c'est la semaine prochaine. Ça devrait le faire. À partir des quarts, ça sera peut-être un peu plus technique. Tout dépendra sur le pattern des maps à jouer, quoi. Ouais, c'est bon, par contre... Oh, mais je suis un gros con, j'ai même pas tourné. Je fais combien? Je fais 1 minute 30, c'est fini, là. Les mecs font 1 minute. Ah, c'est fini. Mais c'est quoi, c'est 10 minutes, les maps? En même temps, quand t'as jamais joué la map, déjà, il faut se mettre dedans. Hein. Faut un peu se... En fait, faut juste prendre un petit coup de stick. Voilà. Parfait, ça. Ça met bien. Team Pax Finland, c'est quel jour exactement la Zilan? C'est vendredi, samedi. Quoi qu'il arrive, on joue le samedi. Mais Non mais je vais... Moi je suis curieux des viewers, etc. quoi. Grosse pensée à Jijou et Exav qui vont jouer dessus. Mais ils sont déjà dessus, hein, je crois. Hein. Je crois que Jijou... Hop, on chauffe les pneus. On prépare. Boum. J'en fais juste une petite dernière. Une petite dernière histoire en touche-housse. Après, il y a des bons kartings à Lyon. Oh, l'asphalte, là. Pourquoi déjà, je tourne un peu.
Mais Wingo, je sens qu'il va... Shank Wingo va venir en coaching. Shank Wingo va venir en coaching, là. On a besoin d'aide, là. Tu coupes plus, merci pour le sub tier 3. 74 mois. Le boss. Le boss. T'as pas une déformation professionnelle en dehors des streams à commenter tout ce que tu fais? Non, on est normaux. Hein. C'est-à-dire que quand tu streams, tu sais, tu... Oui, et là, ma copine qui est en train de couper l'aubergine avec un bon premier coup. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Oui, c'est du carré, ça part en coupant carré assez original. Ça va être du 35 minutes au four. Est-ce qu'elle va pouvoir préchauffer? Oui, le préchauffe. Tu sais, on reste normaux, quoi. On est... Allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est au bar, une commande, une nougarden blanche étonnante en 50 centilitres. Est-ce que le choix du 25 était pas... T'es pas un petit peu mieux? Tu vas l'adorer cette course. Ça, c'est horrible, ça. Je crois que Ah, c'est le poteau. J'ai essayé une fois. Alors là, faut taper en haut à droite pour déjà taper comme ça, là. Voilà. Donc moi, je fais un cut. Il est pas passé cette fois. Les tuyaux. Mais les tuyaux, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien les tuyaux, normalement. Ils sont horribles, ceux-là. Super. Je le fais bien, en tout cas. Demande à Lulu de t'aider, sinon. Mais Lulu, il est joueur pro. C'est énorme. Je suis un commentateur dans ma vie comme ça, en quotidien. Bah frère, ils passent où les autres là? Ah, ils passent relativement bas. Ils passent ici en fait. Bah c'est là hein. On sort... Ah non, on n'a pas le droit au fun. On va avoir besoin d'un coach là. Oh, elle est parfaite. Ah non, parce que je l'ai envoyée trop forte la caisse. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Le mail challenger pour Popcorn est... Ouais, c'est challenger@domingo.tv. Et tu peux envoyer, n'hésite pas. Si vous avez des amis, des proches aussi qui ont des passions un peu incongrues ou... Alors attends, parce que j'aimais bien les... Mais là, c'est un nouveau format de tuyau, en fait, c'est ça? Ah, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu... Attends, je suis curieux. Parce que c'est un peu cylindrique. Ah, mais du coup, je suis pas bien arrivé de base. Ah, du coup, ça te nique maintenant, parce que tu reprends le contrôle quand? Ah, en fait, le truc tourne un peu. C'est pas comme les tuyaux de l'ancien jeu. Ah oui, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est moins clair à comprendre, quand même. Ah ouais, là, du coup, ça tape ici, ok. D'accord. Mais le contact... Ouais. Comment la cam s'est retrouvée mal cadrée? Elle est bien cadrée, la cam, là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, celui-là? Oh, parfait, ça! Oh! Incroyable celui-là! C'était exactement ça! Bon, après ça a tapé, mais c'était ça. Ok, faut que je prenne un peu plus bas sur la droite. Faut pas avoir peur de couper. Putain, mais déjà faut arriver droit en fait. Déjà faut arriver droit, ça c'est la première question. C'est vrai qu'on est assez à l'aise en voiture, hein. Non, là, faut faire quoi? Faut faire du full inté, là, non? Oh là là. Oh, y a des... Ah oui, là, je sais, je crois qu'il faut cut, là, ça. Mais j'aurais jamais la vitesse, là. Ah, on se disait bien qu'on avait jamais la vitesse, hein. Pour le faire. Ok, donc là, ensuite, faut cut. J'imagine que c'est du full speed, après, c'est ça? Ok. Ok. Un peu bas. Non mais attention hein, watch me là hein, parce que moi je veux bien déconner, je veux bien commenter ma copine qui fait des salades de fruits, mais là il y a un joueur qui vient chercher la coupe hein. Oh, présomptueux sur la poutre. Ah oui, mais du coup j'ai pas tourné. J'ai oublié de tourner. Attends, mais je suis à l'aise. Ok, tout va bien. Full speed, release, virage, poteau et cut. Ok. Plus de mots-clés pour... un coaching avec un peu plus de mots-clés. Poutre, virage, speed, frein. Boum. On attaque. Le pipe, clac, on prend court. En fait, là, le truc, c'est qu'il faut viser juste. Il vise juste. Oh, j'y suis allé en barbare. J'y suis allé comme si j'étais professionnel. Genre je me suis dit je freine pas. C'est bien, c'était intelligent. Ça valait le coup.
sais pas là s'il faut freiner. Je sais pas trop. Là, je déclenche. Ah ouais, d'accord, tu peux déclencher. Ah ouais, mais là, je me suis un peu mis dans la merde. Tu peux déclencher et mettre tes roues. Tu peux mettre tes roues, en gros, avant. Excusez-moi, les gars, j'ai pas votre temps. Excusez-moi, ceux qui sont encore sur la poutre. Il y en a qui donnent du PB, là. On vient pas tous pour faire figuration à la Zilane, hein. Merde. Allez. On vient pour participer quand même. Là, par contre, ça, je vais pas... Ah oui, et du coup, il y a forcément cette barrière à l'entrée terrible. Je vais pas réussir ça. Je sens que... Faut que je prenne extérieur, du coup. C'était ça, la réponse avec les mots-clés, là. Mais Bokarma. Ah, c'est loupé, ça. Ça, c'est loupé. Faut release pour ça. Tu dois release un moment, c'est ça? Ah, c'est un cut en trois étapes. En fait, faut release, mais release un peu. Mais faut pas que je freine. J'imagine que la vitesse va être... C'est surtout le premier virage que tu dois bien gérer. J'ai pas trop bien géré en l'occurrence. Oh ouais, là. Ah, c'est bordel, hein. C'est bordel quand même, parce qu'en fait, il y a la roue... La roue est pas simple. Merde. Tu relis juste légèrement, pas raté. Putain, mais tac. Y'a pas de tac sur le serveur, là? T'es pas sur mon stream, c'est un peu prétentieux de... Parce que je... Ok. Oh, je suis naze, là. Je suis là. T'es là, tac. Tu veux me coacher ou pas, frérot? Merci, Tolef, pour le prime. Prends un tac. Viens faire de moi un monstre. Bah, si tu veux. Vas-y, discord.gg/domingo, je suis chaud, frérot. Tac, c'est un petit crack. Il a que des WR. Je crois qu'il coach shard ou... Il doit coacher un peu tout le monde. Enlève les ghosts, ça sera plus simple. Attends, j'ai juste enlevé leur blaze, là. C'est vrai que ça va être plus simple. C'est vrai que ça va jouer, en vrai. Là, avec un coach, attention, hein. Là, il va pouvoir me dire, là, ce que j'ai mal fait, là. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pas du tout une prise d'otage. C'est la meilleure technique en live, hein. Vraiment, c'est... ne laisser aucun choix. Mais je les vois encore. Tu vois, là, c'est trop tard, en fait. Trop tard avec trop de vitesse. En fait, je pense qu'il faut rentrer comme ça. Le truc, c'est que tu peux vite bloquer ta roue, quand même, hein. Tu peux quand même vite bloquer ta roue, hein. Ce qui fait que t'es pas... Après, ce passage-là, il est facile. Le passage de fin, il est facile. C'est juste le premier virage où je galère. Et là, du coup, comment on fait? Parce que là, ça va être des trucs où il faut... Ah, il y avait un peu de glace déjà qui m'a niqué. Je release. Je réaccélère. J'ai pas le cut. Du coup, je prends large. Ok. Faut légèrement anticiper sur les poteaux, ouais, j'imagine. Alors... Where is my discount? Oh, it's Tac! Salut! Ça va ou quoi? Bah, ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Quoi de beau? Bah, honnêtement, je suis juste venu sur le serve et bah voilà. Et prise d'otage! Ouais, c'est un peu ça. Prise d'otage direct. Bon, Tac, comment? Non, en vrai. Ouais. Non, en vrai, depuis tout à l'heure, je viens sur le serveur pour aider les nouveaux joueurs, donc t'inquiète pas, tu ne m'enlèves de rien. Putain, mais il a le cœur sur la main, ce mec. Bah on est un peu là pour ça, quoi. Putain, mais c'est beau, hein, parce que c'est vrai que toi, tu disais, parce que là, t'as encore tous les world records ou pas, là, sur les... Non. Je suis top 5 sur toutes les maps, mais j'ai plus de world records, là. Ok, bah c'est pas mal, top 5, déjà. Oui, j'en avais un, mais on me l'a repris, mais je vais le reprendre. Voilà, ce qu'on veut voir, ça. Mais du coup, parce que toi, ce qui est marrant, c'est que du coup, t'es bouillant à Trackmania, mais la compète ou autre t'intéresse pas trop? Alors, en fait, moi je fais que de l'orga d'événement, quasiment, sur TM. Donc j'ai pas joué de cave depuis genre un an, mais voilà, bon, je me suis dit que c'était bah, le bon moment pour retrain des maps parce que j'avais pas fait ça depuis longtemps, donc c'est marrant, donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais, en même temps, Tac, retraite à 15 ans, bien mérité, j'ai envie de dire, voilà. Ah, avec... Ouais, c'est un peu ça. T'as quel âge? J'ai bien travaillé, quoi. T'as 16 ans, là? J'ai 16 ans, ouais. T'as 16 ans, ok.
Bon bah c'est cool en tout cas dans ce que tu fais déjà. Mais merci. Tu vas pouvoir je suis à chier tac hein. Vraiment c'est terrible. Et je vais faire de toi une machine mec. Tu vas faire de moi une machine. Putain mais ça j'aime entendre ça. Là c'est juste parti c'est en fait. Ça c'est énorme. 16 ans avec cette voix. Ouais ouais on dirait pas hein. Surtout que je vais pouvoir te donner de vrais tips. Parce que t'es pas un concurrent direct au FC Futulu. Du coup ah bah ouais, je peux t'aider. Toi c'est l'équipe que tu coaches l'équipe de Sard. C'est qui c'est Sard, Nico ouais. Et bah Tita ouais. Ouais. Ah ouais. Bon là cette map on l'oublie. Prochaine map, parce qu'après non, je découvre les maps donc ouais. C'est pas facile aussi parce que vraiment j'ai jamais joué. Okay. Donc, ouais non cette map c'est un peu bourbier on va dire. Ouais de fou. Oh là là, Lulu. Et sinon tu fais quoi pour la TM Cup toi? Ça va tous? Moi la TM Cup honnêtement je pense que je vais la jouer. Ouais. Mais j'aimerais que ce soit en duo, ça serait marrant. C'est vrai que ce serait bon. Pour la faire ensemble, ce serait lourd. Ça, déjà, ça va me soudoyer. Ça serait sympa. Ouais. En vrai, why not? En vrai, peu importe avec qui je fais, je suis pas vraiment là pour la tryhard de la TM Cup. Donc si je peux la faire avec quelqu'un avec qui c'est marrant, go. Ouais, après, je ne te mettrai pas d'épines dans le pied. Non, si tu n'es pas une épine, t'es un bon supporter, on va dire. Ah bah ouais, j'encourage. Hein. T'aimes le bleu. Ah bah cette map, tu vas me montrer ton niveau. Ah putain, ouais, j'ai déjà joué. Alors la glace, à la fin, parfois, j'ai un peu de mal. Je sais pourquoi t'as du mal, je pense que c'est parce que t'as une mauvaise entrée, mais vas-y, tu vas me montrer. Vas-y, parfait. Oh putain, merci hein, pour le temps, c'est trop cool. Tu penses quoi du couleur bleue de la vie? Vas-y, bah, je suis en première, donc c'est un peu comme si j'étais au chômage en soi. Ah ouais, là, t'es quoi? C'est cours à distance, là, non? C'est quoi? Bah, en gros, avec mon système, c'est genre cours le matin une semaine et la semaine d'après, j'aurai cours que l'après-midi. Donc là, je suis tranquille. Ok. Vas-y, let's wake. Donne tout. Bon, boum, j'envoie la caisse. Ah, j'ai un peu trop envoyé déjà. Va jusqu'à la glace. Tranquille. Normalement, là, j'arrive à 9, tu vois, pour être honnête. 8, okay. 8, 5 quand vraiment. Quand tu te donnes à fond, quoi. Voilà. Là, ça se voit, tu fais le showman, là, tu fais exprès de rater pour. Mec, mais pour qu'on voit qu'il y a une évolution de niveau, là. Mais tu tac, je suis juste là pour te saucer, tac, hein, voilà, c'est. Ah, let's go. C'est mon métier. Alors, comment tu rentres? Oh, ça va, tu rentres bien. T'as bien compris qu'il fallait rentrer dans les trucs rouges, donc ça, c'est ok. Là, après, je ressors un peu mal. Ouais, vas-y, montre-moi ça. Bah voilà, mais comment ça, mal? C'est juste le boss. Non, mais écoute, je sais pas, je peux peut-être encore un peu améliorer le brush de la glace, je sais pas. Ouais, c'est possible. Je peux peut-être encore un peu travailler une courbe, quoi, histoire de, je sais pas, la brosser, quoi, mais je suis sous les 50. Mais en vrai, on voit plus, c'est... Ah, c'est mon PB. Ah bah, du coup, j'ai... Non, ça doit pas être ton PB, ça doit être ton PB sur la session, mais clique sur le chronomètre à gauche de ton écran. Et là, tu vois ton PB. Ah, 44, ah ouais, on est loin, attends. Ah oui, non, on est quand même sur un bon joueur, 44, ça va. 44, c'est bien? C'était pas mal. Pour ton niveau, en vrai, c'est bien. Mais je te le dis, le but, c'est que avant qu'on parte de cette map, t'es 43. Putain, mais en 8 minutes, là? Mec, 8 minutes. En fait, je t'explique comment ça se passait. Là, tu finis ta run. Ouais. Tu me spec une run pour que je te montre les 2-3 trucs qui vont pas super bien. Ok. Tu fais une run, ça va être un 43. Putain, mais c'est fou, mais c'est... Ça part comme ça. Elle est efficace ta méthode, hein. Bah, ma méthode va faire que le Futulu va gagner, hein. Oh, aïe aïe. Mais tu les coaches sur d'autres jeux aussi, parce que Trackmania, ça non, a pas l'air non, d'être non, super non, important. Non. Bah, en fait, c'était important pour eux parce qu'il y a Tita. Et vu que Tita commence un peu le jeu, au vu du système, il est obligé vraiment de tryhard. Ah ouais. Donc, en gros, de base, moi, je suis juste là pour aider Tita. Mais okay. Quand il y a des strats et tout, je les donne à Nico et Sard, du coup. Putain, mais quelle dédication. J'aime ce okay, mec. Ok, vas-y. Vas-y. Je suis 55ème si tu veux me spec. Vas-y, mais je te spec tout de suite, mec, en fait. Vas-y, tu me dis quand t'es sur moi. Je te cherche. Boum, 54, spec. Ok, je suis sur Let's toi. Go. Je suis sur toi. Ok. Comment on fait? Alors, bon, le GS, je pense que je peux rien t'apprendre. C'est vraiment. T'as les inputs, après, faut bien le faire. C'est quoi un voilà. Bon temps? Ah, t'arrives à 8 toi? Ah, oui, il y a un peu de lag sur le. Alors. Mec. Moi, en régul, je fais entre 7, 8 et 8, 1. Ok. Mais pour toi, je pense que faire entre 8, 5 et 9, c'est bien. Dedication. Oh, bah, super. Non, mais ça, vraiment, c'est très grave. Mec, mais... Alors ça, je te le dis, il y a pas mal d'RNG ici. En fait, faut arriver un peu de côté, c'est ça, non? Oh, putain, ça fout là, ouais, le mode spec. Oui, c'est rien, c'est les serveurs. Et en plus, là, ils ont dit... Enfin, il y a eu un tweet de Trackmania qui explique qu'ils vont ce soir faire des tests de nouveaux serveurs. Ah, clean. Donc, c'est normal. Donc, la glace, faut que tu rentres comme ça, sur le deuxième, je sais pas si t'as vu. Ah, ok, tu restes...
En fait, sur ce, en fait, il y a des box eggs où la ligne rouge c'est ultra important. Et là, ici, ça l'est. Donc, okay. Là, vraiment, tu rentres genre au début comme ça. Ah, en fait, c'est la transi des deux qui est difficile. J'ai un peu de mal. Et là, tu fais quoi? Tu freines là? Tu freines d'un coup et tu repars? Ouais, en fait, je freine en étant le plus droit possible. Et je release aussi. Ok, frein, release. Là, tu lâches tout. Ouais. T'as vu? Je t'avoue qu'il y a des rollbacks de bâtards là, donc. Ouais. Bah, c'est normal, c'est aussi parce que je respawn. Ok, ok. Et du coup, bah, à la fin, tu prends comme ça en terre et ensuite tu finis quoi. Là, je vais gagner 5 secondes là-dessus. Non, par contre, il y a un truc qu'il faut vraiment que tu fasses, je vais te le remontrer. Vas-y, remonte. C'est. Ou pire, j'ai SAUW, mais ça, c'est pas grave. En gros, c'est ici. Regarde. Ici, faut que tu lâches un mini coup de release et que tu te mettes vraiment bien parallèle et que tu stab. Et. Sauf que... Ah, moi, je me mets de côté, moi. C'est de la merde de se mettre oui, de côté. C'est... Non, justement. Là, je t'ai montré juste le coup du release. Et du coup, au final, ça donne un truc comme ça. Ok, d'accord. Pour vraiment repartir. Toi, ah, je suis trop loin, moi, c'est ça? J'atterris trop loin? Non, en fait, toi, ce que tu fais, c'est ça, rien. C'est que soit tu stabs trop tôt, ce qui fait que du coup, t'as un petit bump comme ça, tu vois. Ah, oui. Soit tu stabs pas du tout. Et du coup, genre, ta voiture va faire un truc. Genre. Comme ça. Donc, pareil, là, tu vois, j'ai 232 speed. Donc c'est pas insane. Alors que quand tu vas faire genre. Alors que quand tu poses les 4 roues, tu bombardes quoi. Ouais, exactement. Genre là, regarde. Là, je suis à 270. Donc c'est. Et ça monte. Tu gagnes beaucoup. Et ça, monte. Ça monte. Et là, ça passe skin sur une run de merde. J'ai envie de mourir les veines, genre, mais tranquille. Et là, du coup, la deuxième glace, tu vas la passer comme ça, tu vois. Froid, j'ai envie de la passer comme ça. Ok. Mais tu vas la passer comme ça. Bah, mec, vas-y, c'est parti. Oh, je vais la passer comme ça là. Alors attends, où es-tu? Tu es 22ème. Paf, Domingo TV. Train 8.7, je peux faire mieux, je peux. 8.7, let's go. C'est bien, c'est... non, en vrai, c'est bien 8.7. J'ai paniqué. J'ai paniqué, tac. Fini. Mais 270 km/h quand même, hein. Bah, c'est. En vrai, tu peux le faire facile, vraiment. J'ai un peu paniqué. Bien. Là, je te le dis, je veux pas te stresser, tu vois, mais tu peux avoir un bon temps si tu finis. Ah non, là faut vraiment y aller avec de la vitesse quand même. Mais ouais. Ça reste correct. Là si tu finis, tu peux être quand même content de toi. Ça va être un petit 45 je pense. Putain, je suis content de moi. Ah non, là faut vraiment le prendre dans l'inter genre. Parce que là du coup ça va être un 46 malheureusement. 45 quand même. 45.5, ok my bad. Non mais c'est ok. Genre, si... bon ta glace tu l'as fail. Ouais. Mais si t'avais pris... En fait c'est la transi entre les deux morceaux de glace tu vois. En fait, apparemment que t'ailles au bout de la première, au bout des trucs rouges de la première. Et dès que t'es au bout, là tu peux tourner à la droite pour aller te mettre pour la deuxième. Ok, attends, déjà je refais parce que il y avait pas mal de trucs qui étaient pas si ouf. J'ai arrêté d'accélérer, putain mec, je panique. C'est tranquille. Je peux comprendre que le fait d'être avec moi ça te panique, t'es un peu mec, stressé. Mais t'es... Et tranquille. T'es quelqu'un putain, Oh par contre ça c'est parfait ça. Ouais ça c'est pas mal. Ah ça non, en vrai, c'est surtout moi là qui suis un peu shaky. Ah dommage que t'aies fait ça parce que du coup tu perds la gear. Ce que t'aurais dû faire c'est rester le plus droit possible genre. Je sais pas ce que je fais. Ouais, non, là t'as du mal. Mais tranquille. En fait, ouais, parce que je me. Genre, quand j'ai trop de trucs. Quand j'ai trop de trucs à penser, ça, je pense plus à rien. Et bah, ok, je vais te donner un tips pour que tu y arrives mieux. L'endroit, du coup, je te dis, c'est de bien stable, de te mettre perpendiculaire, etc. Ouais. Va vers le. Tu vois, à droite de la route, t'as un petit truc vert. Genre, une petite bordure verte. Mets tes roues à droite, collées à la bordure verte. Pour avoir un meilleur angle. Genre voilà un truc comme ça. Et là, comme ça, tu pourras tourner et avoir un meilleur angle. Ce qui permettra, genre de. Parce que attends, je te remonte ce que je faisais moi de base pour. Montre-moi. Parce que je mettais. Je me complaisais dans ma médiocrité. Quelque chose au final d'assez. Ah frère, j'ai jamais pu réaccélérer. C'était fou là. Tranquille, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais en plus, je comprends le truc. Ah voilà, je l'aurais pas ça. J'ai touché. Les cymbales dans la tête de PA, c'est vraiment ça parfois. Non, parce que comme c'est genre, tu dois juste synchro les roues et. Ouais. Bon, là, 8.5, c'est pas mal. Vas-y, donne tout. Oh, c'est parfait. Bah, c'est exactement ça que tu dois faire. Bon, avec. Ah, et là, je l'ai bien fait, putain, j'ai voulu faire comme je faisais avant. Ouais. Non, bah, en fait, t'as stab quand tes roues étaient bien parallèles, donc c'est bien. Ok, d'accord. Non, mais en fait, c'est juste que je pense que c'est. Enfin, pas naturel, mais. Du coup, je devais le faire. Moi, je le faisais un peu trop tôt, c'est ça? Ou un peu trop tard, tu m'as dit? Oui, voilà, c'est ça. C'est, tu faisais un des deux, en fait. Ok. Là, on est d'accord qu'il faut appuyer le frein, t'appuies juste dès que tu peux, quoi. Mais c'est, sinon, faut mettre la bagnole en perpendiculaire, quoi. Voilà, tu mets 90.
et tu fais stab plus enfin freine plus ta direction plus accélérer en même temps. Et tu cancel ton truc, tu sais, quand t'es bien droit. Bah, de toute façon, tu sais le faire, vu que t'es un joueur pro. Et ensuite, tu lâches, mais du coup, ouais, je... Ouais, voilà. Genre là, tu vois, c'était pas trop mal. 8.9. Faut toujours que tu fasses moins de 9, donc en soi... Ah, par contre, je me demande, vu que ça lag beaucoup, est-ce que ça serait pas mieux qu'on aille sur un serveur privé? Oh, je suis archi chaud, gros! C'est pour ça que j'arrivais pas à passer les trucs aussi, là. Je sens que ma caisse, elle est ralentie, là. Je peux comprendre. Non, mais c'est... Hop, je vais au bout, je suis pas allé au bout. Ouais, non, là, c'est... Ouais. Vas-y, finis ta run et... Ouais, pas si mal, hein. En régul, hein, en régul. Non, on va même pas aller sur un serveur privé, juste un autre serveur avec moins de monde, c'est plus simple. On va faire ça, en fait. On va juste aller là-dessus. Putain. Et là, ici, comment tu prends la fin? Comment alors, tu prends gros, les boudins, là? Genre, tu vois le truc blanc au milieu du boudin? Ouais. Dire respawn. Faut que, pour le premier boudin, là, tu sois à gauche du truc blanc. Genre, sur la ligne de gauche. Et qu'ensuite, là, d'un coup, tu fasses gauche pour passer genre, sur la bordure rouge. Ici? Intérieur. Ouais, respawn. Non, mais sur le boudin d'avant. Genre, dans le turn. Genre, là, faut que tu arrives sur le truc rouge. Un truc, voilà, un truc du genre. Mais faut vraiment que tu sois encore plus hanté. Là, tu freines, du coup? Ouais, c'est ça. Alors, tu fais un drift. C'est... Mec, tu l'as très bien pris, là, je trouve. Ok, d'accord. Et vu que ça... Enfin, comment dire. Quand ça, tu le prends bien, t'as pas besoin d'aller aussi haut que t'as fait. Du coup, ça te permet de déjà moins release en l'air, parce que quand tu release en l'air, tu perds énormément de speed. Oui, et d'être plus direct, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, juste un truc à la con comme ça, ça peut te faire gagner 0.5 sur ton PB, tu vois. Putain, mais mec, mais... On va le chercher, hein. On va le chercher. Je dois changer de serve? Ouais, alors du coup, vas-y, go live. Ah merde, bah du coup, j'ai eu le bug où quand je live, ça me fait rejoin. Super, le jeu. Ah, il y a des embrouilles, là, sur Trackmania, en ce moment. Il y a quoi? Il y a eu un truc de cheat, là? Je sais pas quoi. Ouais, c'est con. Alors, en gros, il y a un mec qui s'appelle Riolu. Ah ouais. C'est un streamer assez connu quand même. Alors du coup pour il est allemand, autrichien, non, un truc comme ça. Ouais, il est allemand. Du coup juste tu vas dans live, tu tapes Zilan et il s'appelle. On cherche où dans live les. Attends, j'ai peut-être une meilleure idée encore. Est-ce que si je fais ça, ça serait pas plus simple pour le trouver? Non. Ok, bon. Alors tu vas dans live, t'as la petite loupe. Et du coup, ça s'appelle Zilan Training by Wingo. Donc, c'est le deuxième sur ton écran. Très bien. Je suis parti. Et du coup, il a fait quoi, Riolu, là? Bah, en gros, il a. Alors, on n'est pas sûr à 2000%. Mais il y a des grosses preuves comme quoi il aurait un cheat qui permet de ralentir son jeu en offline. Ce qui fait que du coup, bah, c'est plus simple, c'est de faire des inputs et des choses comme ça. Ah, ouais, déjà, en gros, il est en slow-mo. Du coup, tu peux tout contrôler, voilà, plus facilement, quoi. C'est ça. Et y a, bah, si tu veux comprendre l'histoire, il y a le youtubeur Trackman le plus connu du jeu, c'est Virtual. Ok. Le mec, en gros, il fait du storytelling sur des WR des maps de la campagne. Souvent. Ok, stylé. Et souvent des histoires un peu stylées sur Trackmania. Et ses vidéos, elles font entre 1 million et 4 millions de vues, tu vois. C'est quand même assez bien. Ouais, c'est quelqu'un, quoi. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un. Et là, il a fait du coup une vidéo pour expliquer toute l'histoire. Ah ouais. Et du coup, mais le gars, ça lui sert à quoi pour juste pour des WR de ouf, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais le mec reste, je tiens à le dire quand même, pour les gens qui connaissent pas très bien TM, Riolu reste quand même un excellent joueur. Hein. Le mec est TMGL, c'est quand même un mec assez chaud. Ouais, voilà, en TMGL, il cheat pas, quoi, c'est juste WR ouais, voilà. Ou... C'est ça. Et enfin, il a jamais cheat sur le nouveau jeu, ou alors en tout cas, on n'a pas de preuves. Ok. Mais en gros, je pense, alors ça c'est mon opinion, je pense qu'il cheatait pour juste... Il avait le niveau sur les WR, mais c'est juste pour les faire plus rapidement. Il a pas envie de passer 1000 heures dessus, et je pense qu'à partir du moment où il l'a fait une fois, c'est une boucle, tu vois. Il peut pas s'arrêter. Il se dit, ah bah c'est plus simple de le faire comme ça, pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Ça m'a cramé. Parce que genre ça fait depuis. Genre les replays ils datent de 2013 jusqu'à 2019, tu vois, ça fait longtemps. Tu vois, je te montre une run ici. Ouais, je veux. Comment je mets juste le. Je peux pas voir mes PB et tout là? Alors tu vas dans. Tu fais échappe. Ouais. Ah non, même pas. Tu vas juste mettre ta souris vers le haut. Tu vas dans les paramètres. Tu fais interface. Et t'as un petit truc avec écrit toujours afficher les records et tu le coches. Let's go mon pote, parfait, merci. Parce qu'en gros normalement quand tu fais pas ça t'es obligé d'avoir la médaille hauteur. Putain, pour un top 3 quoi, 48.3. Alors cette map j'ai eu des problèmes avec elle. Ah ouais. En gros genre sur toute ma run je suis devant le WR. Mais la fin je sais pas, j'ai été shaky et ah oh, c'est ça oh, mal. Le mode spec par contre il fait pas plaisir. Ah oh, mais ça je vais jamais ouais, le passer c'est ça pour le début. Oui, non, ça tu vas jamais passer. Mais c'est juste pour te montrer une run. Ah, tu peux le passer pour un PB. Alors là, ici, c'est très important. Faut que ton nez arrive avant.
pour pas le trigger le truc. Ah d'accord, faut que le devant touche, les deux roues de devant touchent avant celle derrière. Voilà, faut que les deux roues touchent en même temps, les deux roues devant, pour pas trigger le fragile. Oh, c'est beau comment t'as atterri là. Merci, merci. Je te le dis. C'est des années d'entraînement. Oh là là, là y'a un cut. Ouais, bon, celui-là tu le feras jamais aussi. Ah. Et du coup, la fin c'est comme ça. Voilà. Ah ouais, c'est clean. 49.4. Moi j'aime juste de faire l'Oxys en fait, c'est de rien pour ça. Putain, mais GG en fait quoi, hein, c'est... Okay. Maintenant je te montre une run que tu pourrais faire. Vas-y, montre-moi la balade. Vas-y. Effort, hein. Non, arrêtez. Non, en vrai... Ouais, il va se mettre un peu à la compète, hein. Hein, TM Cup, hein. Non, je suis pas si chaud que ça. Je veux dire, il y a plein de mecs bien meilleurs que moi sur Trackmania. Ah. Allez les chercher, hein. On peut faire des trucs, mais vas-y, on n'est pas non plus incroyable. Donc là, ici, il faut vraiment que ça tu le bosses parce que tu peux le régler facile. Alors vraiment juste les deux roues en avant, même si tu sais. Et tu fais quoi? Tu fais un petit gauche-droite, c'est ça? Ouais, en gros, genre, t'arrives, tu te mets le plus à gauche, tu freines, tu vas vers la droite, et voilà, comme ça. Ok, d'accord, tu mets un petit coup, quoi. Ouais, voilà. Donc là, évidemment, j'ai respawn pour te montrer, mais on va dire que j'étais à 5 secondes derrière le temps que j'ai fait juste avant. Ok. Donc, en gros, je pense que toi, pour ta régu, si tu fais entre 55 et 1 minute 5, c'est très bien. Là, faut rester au milieu, du coup, ok. Ouais, là, faut bien rester au milieu et faut que tu touches pas à tes touches. Enfin, sauf si tu vois que t'es pas bien au milieu, quoi. Et la fin, il y a deux strats. Soit tu joues safe et tu fais un truc comme ça. Mais ça, je sais pas si ça passera tout le temps parce que même moi, je sais pas le faire. Mais je sais qu'il y a des mecs qui savent le faire, genre Kalen, par exemple. Ok. Ou alors, tu fais le truc que je fais, c'est-à-dire que ici tu full freine et tu vas sur la grosse plateforme à gauche, ici. Parce que comme ça, tu vas avoir un angle, genre en mode un truc comme ça, tu vois. Genre en full safe, vraiment un truc comme ça, tu vas bien haut juste pour safe, tu vois. Ok. Ça a parce l'air que, safe, en gros, hein. Moi, oui, bon, allez, c'est d'accord. Non, mais j'ai pas l'habitude, moi je risque tout le temps, voilà, un truc comme ça, tu vois. Ok. Genre, si Tita arrive à le faire, tu vas réussir à le faire. Ok. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je pense qu'avec ça, tu peux faire entre 1 minute et 1 minute 5, quoi. Non, mais je vois tout le monde qui se moque de moi, mais moi j'ai l'habitude d'aller dans le triangle. Mais non, personne se moque de toi, les gens. Si, ils se moquent de moi. Ah, ils se moquent de moi. Non, personne se moque de toi. T'es trop fort pour qu'on se moque de toi. Non, je suis pas très fort, arrêtez. Arrêtez, je vais rougir. C'était à droite, là, ouais. Hein. Ouais, c'était à droite. Et faut pas cut. Pourquoi faut on prend tout à gauche? On peut pas passer au milieu Non, bah justement, moi, j'ai pris la bonne way. Non. Genre faut que tu prennes la grâce qui est plus claire que l'autre. Mais tu vois pourquoi on passe pas par là? Ah oui, je suis con. Ah ouais, on est d'accord. Non mais vas-y. Oh ouais, d'accord, non mais c'était juste pour savoir. Oui, non, c'est en fait t'es juste meilleur que moi, Maiban. Mec, y'a juste aucun souci en fait, on est complémentaires. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais les safeways, je fais les trucs de kéké. Hop, boum. Ah mais par contre, je stab mal maintenant. Ouais, ouais. Je sais pas ce qui se passe avec mon stab. Allez, vas-y. Ça tu réussis premier coup. Wow, putain, c'est juste insane là. Je regarde un joueur pro là, les gars. Là, mec, on est en train de faire un temps là, qui est juste. Non, mais là, c'est. Ah, non, par contre, t'allais pas drift, du coup, tu passes pas. Ah. Faut vraiment que tu. Regarde, respawn. Et là, faut vraiment que tu full speed en restant au middle de la route. Parce que moi, j'ai pris inter parce que j'avais une très bonne speed. Mais toi, du coup, tu restes vers le middle de la route. Et là, tu peux jump et c'est free. Bon, dommage, ah, mais parce qu'en fait, souvent, ça te donne envie de freiner ce jeu quand même. Bah ouais, mais là tu vois, le turn est très grand, t'as de la vitesse, tu peux te permettre ouais, de... Faut... Après viser c'est autre chose. Ah ouais, faut viser hein. En fait faut rester au centre. Ah j'ai lâché. Tu vois au milieu de la route, il y a un trait gris. Ouais. Suis le trait gris. Genre comme sur Need for Speed ou Forza, tu suis le trait gris tout le temps. Et là regarde, tu vas être dans en un... En fait ça me donne envie d'envoyer trop à droite, tu vois. Bah ouais, je peux comprendre, mais... En fait faut si pas quoi. Si tu suis le truc gris, bah non. Mais si tu suis le truc gris, tu vas avoir un angle correct. Parce que genre le truc gris t'amène pile au milieu du saut en fait. Ok. Apparemment t'as plus que 5 secondes là, le dernier essai. Est-ce que tu passais? Tu passais bien, tu vois. Je passais, ok. Apparemment que tu suives le truc gris. Ok mec, ok. Cette Mais map, par contre, elle est bossée maintenant. Par contre, il y a une variante. Ah. C'est que si tu rates le truc du fragile et que du coup tu le triggers, donc ta voiture elle shake et tout. Ouais. Tu dois prendre le turn full extérieur. Genre faut que tu colles la bordure verte extérieure. Ok, parce que ça. La vitesse. Ah, ça te permet d'accord, ok. Voilà, si c'est la merde. Ça. Ok. Voilà. Très bien.
T'as tout compris, en fait, t'es juste meilleur. C'est vrai que train hein, 10 minutes à chaque fois, c'est pas simple quand même. Hein. Ouais, bah vas-y, go faire une rotan map, et après je vais créer un serveur, comme ça tu pourras jouer à l'infini. Putain, mais let's go, mais faisons ça. On va juste partir là-dessus, en fait. Alors. Ça me fulme, il y a un peu de sard et un peu d'étoile en toi, je sais pas comment expliquer. Il y a un peu des deux, c'est un peu, voilà, c'est... Et boum. Sauf que je suis meilleur que les deux réunis, donc bon. Oh... Je parle pas sur Trackmania, hein, je parle... Non, tu les baises, hein, c'est vrai, c'est juste ça, quoi. Ah, mais je parle en multigaming, je parle pas que sur Trackmania. Hein. Putain. Hop là, le cut est clean. Et... Insane. Dommage que tu trigger pas le réinitialisé. Ah. Ah ouais. Non mais je rigole, hein, je les aime. Hein. Mais arrêtez. Tu les baises, c'est bien ce que tu nous disais, non, quoi. Non, je disais, genre, je les baise, genre, en amour, pas... Genre, je les adore. Boum. Ah, parce que... ici, limite, ce que tu peux faire, c'est ne pas stab. Ah ouais, ah, ouais. Je comprends jamais quand ça se stab ou pas. Et je passe alors, à gauche gros... À gauche des ouais, poteaux après. Le but c'est que t'arrives dans la descente en fait. Ah ok d'accord. Genre là tu stabs pas. Mais par contre tu lâches un petit coup de... En fait comment expliquer. D'accord, faut arriver juste avant d'accord du... Voilà, au moment où tu pars du saut tu... Vraiment ta touche d'accélère. Genre pour accélérer. Tu la lâches une milliseconde. Et pour atterrir bien dans la descente. Genre là tu lâches un tout petit peu. Voilà. Ouais, non, là, un peu trop là quand même. Non, vraiment, quand je te dis mec... tu veux, c'est vraiment genre. Bon. Attends, t'as eu de la chance. C'est insane. Non, arrête. Non, t'as eu de la chance. Ah, j'ai pas la vitesse. Et surtout, t'as pas le speed de faire ça du coup, oui. Ah. Il faut vraiment, genre, tu veux vraiment un mini. Ok. Ok, mon pote, celle-là, elle va juste rentrer. Après, je sais pas où cut exactement parce que j'ai regardé le truc juste avant, mais. Je te ferai un exemple. Ah, mais c'est vraiment un mini de ouf, hein. Ah, oui, ah, mais quand je te dis un mini, c'est. C'est tu lâches, tu réaccélères, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Putain. Oh, imagine je le passe. Non, j'y crois pas. Mais si, mec. Voilà, c'est bon, là, juste tu l'as, là. Parfait. Et là, mec, t'as vu la vitesse, là. Speedy Gonzalez. C'est très difficile de savoir où faut envoyer la caisse. Et du coup, maintenant, tu vas prendre mes specs, parce que maintenant que t'as compris ça, je vais te montrer comment faire le cut avec ta vitesse. Putain, mais montre-moi le cut, là. Putain, parfait. Juste après le cut, comme ça, on va pouvoir changer de map, ça sera parfait en termes de timing. C'est super. Donc, en gros... Donc là, je vais faire ce que t'as fait, mais évidemment, je le ferai moins bien que toi parce que t'es un peu meilleur. Oui. Et donc là, en gros, ce que tu fais, c'est que tu lâches un mini-drift, comme ça. Comment on fait ça ? On appuie un peu... Ouais, bah, tu fais un drift. Un petit coup de frein, quoi. Donc là, ici, par contre, tu te mets... Regarde ce que je vais faire, là. C'est très important. Ouais. Pour bien avoir une bonne entrée de glace, tu te mets vraiment bien à droite. Pour pouvoir entrer. Et là, le but, c'est de ne pas rester dans les trucs rouges, justement. C'est de monter un peu au-dessus. D'accord, parce que si être tu légèrement au-dessus. Rouge, parce que regarde, je vais te faire un exemple où je fais comme la map 2 où je reste dans les trucs rouges. Ouais. Genre là, si je reste dans les trucs rouges, en fait, je vais être stuck et je vais pas pouvoir bouger comme je veux dans le pour bien ici reprendre ça. Ah, mais du coup, j'ai pris le CP, je suis un bouffon. Attends, ouais, refais et montre-nous. Et je te montre du coup, qu'est-ce que ça fait quand tu vas pas exactement dans les trucs rouges. Parce que du coup, t'as plus le contrôle de ta voiture, vu que t'es pas bloqué entre deux interstices, quoi. Ouais, je veux le contrôle, moi. Mais toi, tu veux contrôler ta bagnole, ça se voit. Et du coup, genre, ouh, ça c'est risqué ça, mais ça passe. Petit truc à gauche, petit frein à gauche. Ok, petit frein à gauche. Donc là, hop, et là, regarde, je vais prendre légèrement au-dessus. Ouais, ok, donc tu pars à... Ah, t'es quand même dedans, bah, là, non raté. Bah, regarde, mes roues gauche étaient au-dessus. Ah, ok, d'accord, c'est les roues, ouais, ok. Oh oui, c'est millimétré quand même, quoi. Oui, oui. Et là ensuite, t'es pas mal dedans, non? Ou toujours au-dessus? Là, je suis... C'est-à-dire... Bah, faut viser au-dessus tout le temps ou après t'essayes de remettre Honnêtement, moi je reste au-dessus tout le temps. Bah, okay. Ce que je peux faire, c'est que j'ai fait des clips avec mes inputs, je pourrais t'en envoyer un. Oh. Vas-y. Parfait. Du coup, je te spec. Bah, je vais t'envoyer ça. Vas-y, bah, tu m'ajouteras en ami sur Discord, je t'enverrai ça. Oula. Vas-y, bien compris. Ah non, non mais t'es chaud. Oh ça passe. Je suis un monstre. Mais je suis en train de créer un monstre là en fait. Je m'en rends pas compte. Vas-y montre-moi. Ah j'étais au-dessus un peu trop. Ouais c'est... en fait t'es surtout à rentrer un peu tard dans la glace. Mais c'est l'idée. Ah, je veux me battre. Je veux aller au bout. Ouais là c'est compliqué là. J'irai pas au bout là. C'est... Non vas-y va où.
Surtout que là t'as pas de speed, donc ça tu passes 100%. Voilà, nickel. Donc là évidemment le but c'est que tu sois le plus à gauche, respawn. Genre là, bon là t'y arriveras pas du coup vu que t'as un très mauvais angle. Mais le but c'est vraiment que tu ressortes le plus à gauche. Ok, d'accord, ouais, pour direct être dans l'angle, ok. Ouais, voilà, exactement. Ah mais au moins ça te permet de faire un peu les fins de map, tu vois. Même si c'est pas parfait, ça te... Parce que là y'a un cactus là, ouais, voilà ça. Ouais, un là, cactus lui, et un rétro. Lui, il est vicieux. Ah ouais, là lui aussi lui. Hein. Ouais. Vas-y, montre-moi ton meilleur néo là. Pas loin. Pas mal, hein. Ah, c'était ça. Ah, mais comme ça, on améliore, on pouvait plus être 6000ème, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Bon, allez, là, vas-y, je te le fais bien. On part. Demi-gâchette appuyée. Je renfonce. Hop. C'est loupé. Je prends le mur. Ok, on a rien vu. On a rien vu. Beaucoup de pression. C'était close. Beaucoup d'attente. On veut pas décevoir. Non. Hop. Ah, d'ailleurs, que penses-tu de la situation de Lyon en Ligue 1 actuellement? Oh là là, il parle mal, lui, direct. C'est de la merde, non, ton mais... cut. Voilà. C'est même pas un cut. T'es pas loin d'un cut, quand même. Bah non. Attends, c'est juste une manière de bien le prendre. J'avais fait clic-clic et maintenant, ça marche plus. Le... Regarde, hop. Clic-clic. Ah bah tu vois. C'est vraiment clic-clic. Hein. C'est... Ouais, mais c'était pas c'est ouf, vraiment là. Clic-clic. Mais ça passe mieux que ce que tu faisais avant. J'ai oublié de tourner, putain. Ça pas... Oh non. Mais c'est... Oh là, dommage. En fait, ouais, c'est faut juste que je me souvienne où le faire et où. En fait, j'ai pas de visuel de repère. Y a pas un petit truc, hein, un petit dunlop, bah, un petit. Vrai, C'est ce que Sand me disait, c'est que lui, il voulait se repérer avec les gros panneaux, etc. Parce que vu qu'on sait pas ce que ça va être le jour de la Zian, bah y a pas vraiment de repère à avoir, honnêtement. C'est ça le problème. À la limite, attends, est-ce que je peux peut-être te trouver un repère avec la roue libre, mais. Mais ça gros, va pas changer là... les panneaux pour le jour J ici. Bah si. Parce que ça se trouve, ils vont faire des panneaux exprès pour la Zian qu'on connaît pas encore. Ah ouais. En gros, la roue libre, tu vois, y a 4 petits. Vas-y, mets-toi, tu sais te mettre en. Est-ce que tu sais te mettre en cam 7 En spec? Non, en cam 7. Genre, sur ton clavier, ton pavé numérique, t'appuies sur la touche 7 de ton pavé numérique. Ouais, non, ça marche pas, moi. Ça marche pas. En gros, tu. Alors, attends, bah, goal bind. Commande. Tu descends et ça s'appelle. Emplacement action 7, je crois. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Commande, c'est tout en bas et c'est caméra libre. C'est vraiment tout en bas. Et bah, c'est déjà bind, pavé numérique 7. Ok, c'est bon. Donc, vas-y, mets-toi avec ça. Et donc là, en gros, va au niveau de la roue libre, juste avant le saut. Voilà, là, tu y es. Ouais. Et là, tu vois, t'as quatre petits symboles. Ouais. Tu te mets au niveau des deux symboles de droite. Ouais. Genre. Et ensuite, tu feras ton drift dans la montée et c'est bon. C'est-à-dire, donc là, je fais droite, je tourne. Mais ensuite, moi, la question, c'est aussi où est-ce que je saute. Merde. Bah. Où est-ce que je saute là, quoi. Tu vois. C'est quoi, je vais te faire encore mieux, mec. C'est là, en fait. Je pense qu'on peut se repérer au petit. Non, c'est pas une bonne idée d'aller là parce qu'en fait, selon ta speed, tu peux taper le bord. Attends, je vais sur paint. Paf. Parce que moi je suis nul, c'est vrai que t'as l'habitude aussi de coacher des mecs très forts, moi je suis nul quoi. Ah non, bah non, je coach Tita qui vient de commencer le jeu. C'est vrai. Ah merde, je suis en cam. Oh merde, comment je reviens, comment je vois ma caisse Bah t'appuies sur ta touche 1 du pavé numérique. Ok, on est de retour. Okay. On est de retour. Est-ce que tu m'as ajouté un ami sur Discord pour que je t'envoie ça? Putain. Ah, Domingo n'accepte pas les demandes d'amis, bah super. Ouais, non, c'est un peu l'enfer. Non mais le melon, le type quoi. C'est un peu l'enfer. Attends, je peux te le mettre. T'as pas un channel Trackmania sur ton Discord? Trackmania. Mets juste au-dessus. Radio Mingo, au pire. Envoie Radio Mingo comme Radio, ça. Hein. Radio Mingo. C'est où ça, Radio Mingo? Juste au-dessus, tu l'as pas? Au-dessus de Honor? Non, je l'ai pas. J'ai Auditeur Popcorn, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ouais, vas-y, envoie Auditeur Popcorn, c'est bien. Bah, on peut pas envoyer de photos. Parfait. Trackmania, envoie Trackmania, c'est bien. Bah, on peut pas non plus envoyer de photos. Ok, nice. Bah, écoute. Bah, nickel en fait. Après, on va le faire au feeling aussi, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup ça, Trackmania, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup de feeling, ouais. C'est beaucoup de feeling, beaucoup de. Voilà, c'est des sensations, c'est du signe d'un lop. Là, déjà, j'arrive plus à faire le truc alors que j'avais compris. Et ouais. Bah, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est très bien ça. Dommage. Mais c'est presque ça. Envoie en DM. J'ai fermé, putain, j'ai fermé. C'est quoi son pseudo? C'est quoi ton pseudo Discord Popcorn 68? Oh là là, il est bon lui. Là, je pense que c'est bon. On m'a ping quelque part. Ici. Oui, ah. Parfait. Bah non, on peut pas.
On me pique sur des channels, mais on ne peut pas. Oh, mais mec, là j'avais réussi, putain. Oh non, ça dégoûte. Ah, dommage. Non, mais j'avais compris à peu près. Ouais. Là pour le coup, je commence à avoir compris. Mais c'est vrai que c'est bâtard un peu le format 10 minutes parce que là, du coup, ça y est, on est déjà sur quelque chose alors que je l'ai pas fait, quoi. La map. Vas-y, tu sais quoi, je joue la map. Et moi, du coup, je vais créer mon serveur privé. Vas-y. Hop. Vas-y, je joue la prochaine et, et on y va. Vas-y, le temps que je crée ça, tout ça peut pas être très long. Hop, salon, sélectionné. Hop. Local, download, toutes les maps. Pif, paf, 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 boum. Nom du salon. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Doming Train. Contre la montre, paf. Réduit à 4 personnes. Europe de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest. Hop, mot de passe. Attends, parce que j'écris un truc. Hop, vas-y, fais-toi plaisir. Faut que tu freines un peu, ouais, ouais, non, de fou. Ah, celle-là, je l'aime bien aussi. Moi, j'aime bien les... j'aime bien comment ça s'appelle. En vrai, les poteaux, j'aime bien, mais la nouvelle mécanique des poteaux est dure. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai créé le salon, du coup. Ok. Je te rejoins. Alors, ouais, 2 secondes. Je vais juste... Attends, tranquille, hein, tu vois. J'allais dire, je t'envoie le mot de passe en DM. Haha. Non, du coup. Comment est-ce que je peux te l'envoyer, le mot de passe? Attends, je vais te suivre sur Twitter. Bah, vas-y. Bah, du coup, c'est TAC sur Twitter. T-A-A-K. Exactement, mec. Ah, mais t'es pas trouvable. T-A-A-K tout court? Ouais, ouais. Tout court, tout court. Avec une photo d'un truc de Gartikphone. Mais T-A-A-K. Non, t'es pas TAC, hein. Au pire, c'est arrobas T-A-A-K-U-N-Z. Ah bah oui, tu es TAC-TACANDU du coup. Bah, ah, mais tu voulais mon arrobas, j'avais pas compris, my bad. Parce que TAC. La bite là, je suis le troisième là, j'étais le troisième, j'étais le. Bah, c'est bon, tu m'as trouvé. Vas-y, envoie-moi ça. A, DM, hop, la petite. Hop, envoie-moi déjà, ça et on va pouvoir train là. Hop, la photo déjà, plus le mot de passe du coup. Merde. Ah ouais, tu m'as fait un petit paint sympa là. Ouais, bah je suis un peu un professionnel de paint. Petit paint efficace. Hop. Et du coup, le code, paf. Et comment on rentre dans les salons privés, pardon? Alors en gros, tu vas dans club. Ouais. Tu tapes Elity, E-L-I-T-Y. Et t'auras du coup un salon qui s'appelle Doming Train. Et tu rentres le mot de passe là-dedans et voilà. Mot de passe, parfait. Parfait, monsieur. F-A-1. Boum. Et exprès. Et bam. Rejoindre. J'ai le bon mot de passe, tout est bon. Ok, tu vas aller sur quelle map? Donc là, t'as l'embarras du choix. Mec, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Un truc. Dis-moi un chiffre entre 1 et 6. 5. 5, oh bah. Parfait, la map sur laquelle on s'est rencontrés. On te rend compte, c'est vrai que c'était. Bah, c'était il y a quoi? C'était il y a une semaine, non? Vas-y, je te laisse faire F1 du coup. Ah putain, avec le petit. Le truc dirt là. Ah ouais, au tout début là. Ah, ça c'est pas mal parce que je l'avais fait 2-3 fois et ensuite j'avais plus joué. Parce que ça, c'est les maps qui vont être sûres d'être faites, non? Bah, en fait, Zera, il a dit un truc qui m'a un peu tilt. C'est que de base, il a dit oui, je prenais peut-être 3 ou 4 maps. Et là, il s'est dit, bon, je les aime toutes, on va mettre les 6, je pense. Donc bon. Ah, du coup, ok, donc tout y sera quoi. Bah, je. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, c'est Zera, on peut s'attendre à tout. Ok. Ok, vas-y, je te spec une run, après je te montrerai. Vas-y. Mais je sais plus faire le début. C'est pas grave. Fais comme si, voilà, là tu jouais, tranquille. Tranquille. Tranquille, yeah. Ne stresse pas, tranquille. Il y a que 13 000 personnes. C'est bon. Boum. Clac. Hop, magnifique. Oh là là, mais quel truc. Oh, petit S, je perds un peu de temps ici. C'est pas grave. Putain. Et là, tu peux respawn. À partir du moment où tu touches ici, t'auras pas la speed. Ah ouais, parce qu'il faut 270. Non, 270, c'est vraiment le max. Faut au moins 260-259, le minimum. 270, c'est vraiment un max. Ah, j'ai là ? Ah, oui, là, t'as. Ah, ouais, tout juste. Hein. Oui, tu l'as. Tout juste, non, tout juste. Hein. Tranquille. Et confiance dans ta voiture.
Ah bah mec. Et on est à la moitié de la map, j'ai déjà noté 6 problèmes. Non, je rigole. Non mais en vrai, j'avoue, comme j'ai rien joué... Ouais, je me doute. Trackmania, mais c'est... Vous êtes-vous contre... Enfin, ouais, des bêtes. À part Trackmania, par contre, on est... Ouais. Stratosphérique. Juste, on veut lisser le niveau moyen vers le bas, où on sera à peu près tous médiocres. Ouais. Mais normalement, ça nous coûtera pas trop de points. Et après, je vais pas te mytho, c'est du Warcraft. Hein. Warcraft, c'est du BO. Elfe de la nuit, tu te réveilles, boum. Ah bah oui. De la myriade, clac, petit switch. Enfin voilà, du BO quoi. Vas-y. Gaming, en soi. Comment je... Vas-y. Pourquoi je démarre de dos là? Pourquoi ils m'ont fait démarrer là? C'est un bug de caméra, tranquille. J'ai tenté une nouvelle approche là. Pas ouf la nouvelle approche. Remets-moi la... La strat. Ouais. Vas-y, bah spec moi. Parce que c'est vrai que sinon je la fais un peu random, ou au moins t'es juste dès le début, la mieux, t'es fait la mieux pour moi, tu vois ce que je veux dire, là celle que la je vais... La mieux pour toi, ok, la mieux pour toi, c'est la strat méga safe, c'est vraiment un truc comme ça, hop, là tu stab. Donc là, là t'as ouais, fait... Attends. Non t'inquiète, y'a pas de soucis. Genre vraiment un truc... Là t'as stab. À la con comme ça genre, non là j'ai pas stab justement, parce que j'ai vu que ça allait bien te faire. Ah, vraiment un truc à la con comme ça. Et là tu fais quoi, c'est-à-dire que t'appuies tout le temps, t'accélères tout le temps? Non, en gros, attends, je vais juste flex un petit coup. Ah, c'est stylé ça. Voilà, c'est bon. En gros, ici, je lâche un coup de release. Coup de release vraiment, juste avant la boss. Ouais, genre vraiment, quand je pars du saut, genre release, je réaccélère. Et là, et ensuite, ça part tout seul quoi. Ok, donc juste release et ensuite, c'est full speed. Là, release. En fait, genre, le plus important, c'est vraiment que ta voiture, genre le nez, il fasse ce petit move là. Tu vois, pour qu'il reparte dans la deuxième boss bien smooth. Ah, ok, d'accord, ouais, un peu vers le bas. Ouais. Release. C'est pour ça qu'il faut pas... Release, faut pas stab. Et ensuite t'arrives sur la deuxième boss et ensuite... Tu stab une fois que c'est né vers le bas. Vas-y, j'essaye. Non. Quand je vois que je suis bien, non. Mais par contre, quand tu sens que ça peut partir en couille, ouais. Oh, je sais pas, j'ai fait... Vas-y, Del, s'il te plaît, parce que du coup j'ai pas vu ton... Je sais pas, j'ai fait autre chose. Avec le bug spec. Avec le bug spec, j'ai pas vu ton start. Non, là tu vois, t'as trop release. Faut vraiment pas que tu gardes l'adhérence en fait. C'est vraiment quand t'es en l'air en fait. Genre tu parles de la boss, mais ensuite c'est quand t'es en l'air. Mais je fais rien. Comment ça? Bah je sais pas justement. Parce que attends, je te dis ce que je fais, ok? J'accélère. Allez. Release, accélère. Accélère, hein, là depuis c'est, je fais... Alors c'est ça, mais tu releases légèrement plus tard. Mais c'est ça, ouais. C'est limite mieux là, non? Bah c'est pas mal ce que t'as fait, mais t'es un peu long. 9.5 en vrai pour toi, je pense que c'est pas mal. 2 secondes, je flex rapido. Ok, parfait. Ah, en vrai, c'est... Il y avait un truc à vous, ça pouvait là. Je me suis dit. En vrai, c'était compliqué, mais il y avait un monde, ouais. Putain. Dommage. Non, mais je veux pas te vexer, mais. Ah, mec, moi, je suis vraiment très difficilement vexable. C'est faux. Ah, bah, nickel. Mais c'est vrai que t'as l'air sympa, IRL. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu ressors. T'es gentil, dis donc. Et toi, tu viens d'où, l'enfer? Moi, je suis à Paris, en plus on est pas loin. Putain, c'est fou ça. Ah, moi, je peux t'inviter. J'ai fait n'importe quoi là. Ok. Vas-y, montre-moi un peu au start là. Ah, oh, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais du coup, j'ai rien changé. Mais en fait, c'est vraiment une question de. Tu vois, genre, là vraiment, entre les deux, j'ai rien changé, gros. En plus, je suis très très lent. Je te jure que t'as changé un truc parce que c'est vraiment une question de timing de release, genre. Alors là, tu vois, c'est ok. Genre, en vrai, je pense que ça, c'est mieux pour toi. Ah mais c'est moins régul ça, non? Si, c'est juste que tu l'as pas encore bossé. Genre voilà, je veux vraiment juste ça. Bon là par contre... Ah mais tu vois, ça me fait partir en couille à chaque fois. Ouais, c'est... Tu vois, à chaque fois là que je fais ça, C'est parce que t'arrives pas dans la descente. Et attends, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux te donner de save. Je teste des trucs. Attends, je vais... Parce que c'est vrai qu'après, si je le passe une fois, mais plus jamais. Merci Arconis pour le prêt. Je joue, je vais essayer de faire des trucs là. Je laisse pas assez tomber, mais je fais rien. En fait, comme je stab pas, je peux pas la laisser plus tomber la caisse. Je suis d'accord que par rapport à TAC, ce que ça donnait, c'est que là. Là, je viens de voir la review de ton stream, c'était bien ce que t'as fait là. Ouais, mais je passe pas quoi. Ouais, je sais pas. Je vais réfléchir, attends. Fais des runs tranquilles, je réfléchis à ce que tu peux faire. Vas-y. Essaye d'être parallèle à la descente. Ouais, mais du coup, en fait, comme je stab pas ni. Juste, je release au tout début, ensuite j'accélère un peu et.
Merde. Merde. Je vais vraiment bugger. Hein. Le deuxième stab. Que... Oh mon dieu. Bah, le mode spec est terrible quoi. Dès que je del, je suis stuck 5 minutes sur ta cam avant de pouvoir rejouer. Ouais, ouais, non, moi aussi ça m'a fait ça tout à l'heure, c'était pas très. Ou 261. En fait, je tape pas la première. Ouais. Même quand tu la rates, comme tu fais bah, depuis tout à l'heure, t'arrives à te rattraper en faisant un grasslide, mais c'est vrai que si tu fais pas le grasslide, c'est pas. Oui, non, on va pas apprendre cette strat quoi. Ouais. Pourquoi je peux pas accélérer? Mais what the fuck, c'est quoi ce jeu? Ta manette là, je pense. J'ai limite envie de faire une connerie quoi, c'est vraiment pas ouf, t'es vraiment très lent quand même quoi là-dessus. Hein. J'arrive à 10.3, ça fait pas rêver. Hein. C'est peut-être la barre espace. J'ai peut-être un truc pour toi, vas-y Spike. Je comprends pas pourquoi toi t'arrivais et ça te faisait... Attends deux secondes. 10.0, c'est pas ouf. Hein. Insane. Ouais. Après ça va être un bon run je pense, tu vois. Bon, mais pas en vrai. Bah, je m'entends pas bien là. Attends, je t'entends de si loin. Oui, allô. Ouais, ouais, non. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon, j'ai un micro nul, faut que j'en rachète un. Hein. Ah ouais, en fait, là, le truc, c'est que dès que je del, je suis stuck et du coup, je pars 5 secondes en retard. C'est vraiment infâme. Ah ouais, mais les serveurs sont dead là, non? Ah bah oui. Bah, je pense, bon, ça, je pense que là, ils sont en train de les remplacer vu qu'ils ont dit que ce soir, ils faisaient un nouveau test de nouveau serveur. Ah, c'est peut-être le mieux, mais c'est flingué quoi comme début. Je fais 10.3. Après, je te le dis, hein, si tu penses que pour toi c'est le mieux que t'es pour ta régule, garde ton truc. Parce ouais, que, ouais, ouais, tu perds genre une seconde. Mais. Oui, si ça passe tout le temps, au moins ça passe quoi. Ouais. Prends là, je bombarde là. On dirait qu'il se tape pour le deuxième. Bah, de temps en temps, ouais, quand. Ah, quand tu vois que ta voiture va partir en couille, ouais. Ouais, voilà, mais même si je se tape pas, ça change rien quoi. C'est... Et puis d'une map du fini jusqu'à l'arrivée, jusqu'au début, genre c'est... Ça c'est PB ça hein. C'est PB ça tu penses? Ouais c'est PB, tout va dépendre de ça. Attends. Là. Alors ouais du coup, ok ici je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc, tu vas te refaire tête. À l'aise. Ah ouais? Ouais. Ah je suis chaud. Parce que, on est d'accord que le saut ralenti t'as un peu de mal. Ouais bah je sais pas, je fais rien quoi. Et bah je vais t'apprendre un truc. Je suis dans le saut et quoi. Et tu vas réussir le saut, à 100% tu vas faire. Putain, mais mec... Ouais. T'inquiète, j'ai un truc. C'est juste insane en fait. C'est juste insane. Ouais, là en plus ça fait une 17. C'est bébé. Je suis 3500ème okay. Mondial là. Pff, prends des places, on prend des places. Vas-y, je suis sur toi, je suis sur toi. Ok, ok. Pour le star du coup je vais faire ce que je fais mais... Si c'était pas pour toi, prends pas exemple. Moi c'est vraiment ça que je fais pour bébé genre. Et c'est aussi Mario. Ah ouais mais là c'est le grass slide où c'est pas possible quoi. Mais du coup c'est 8.6 ouais, voilà. Quoi, donc moi si je fais 9.5 c'est pas mal hein. Et encore 8.6 c'est vraiment genre un pas très bon. Ouais bon, voilà, par contre. Mais pourquoi j'étais. Mais ça, comment tu fais pour. Pour. Ouais, c'est caisse à 90 degrés et. Et 90 degrés, je freine et là, pour le coup, vu qu'il est assez long, je mets des à-coups sur ma touche gauche. Mais en vrai, elle le fait pas. Ouais, c'est pas. Ouais. Honnêtement, il y a que deux mecs à la Zidane, enfin, actuellement que je le sais, enfin, même trois. Il y a Stardosh, Bren et Ozil qui vont le faire. Ah ouais. Ça je le sais parce que c'est Sardo, hein. Il a les strats, le frérot. Sardo, il se donne, hein. Dorian, merci pour le prime. Sardo, hier, il m'a parlé, il m'a envoyé un truc à 2h30 du mat. Ah bah. Il disait qu'il battait Brent sur le GS, il était refait et tout. J'étais content pour lui. En vrai, ça il donne vraiment sur TM, ça. Ah. Mais après, le truc, c'est que TM, ça donne pas envie de se donner parce qu'il faut pas être dernier. Le format donne pas envie. Du coup, c'est terrible pour les mecs un peu bons parce que ça te. Après, il le fait pas au final. Ok. Donc, en gros, ici, ouais. Ce que tu dois faire. Bon là, je néo, mais du coup, t'es pas obligé. Voilà. Imaginons que je fais comme toi. En gros, ici, il faut que tu prennes l'adhérence en faisant vraiment un truc comme ça. Tu vois. Un gauche-droite en mode je chauffe les pneus, quoi. Ouais, un droite-gauche. Ouais, exactement. Et en gros, faut que tu fasses enchaînement de donc ça. Et ensuite, ici, il faut que tu te mettes tout à gauche. Tu releases et là, tu réaccélères. Et là, regarde la speed avec laquelle je vais arriver. Je peux même prendre le jump vers le middle et je passerai 100%. T'es à 450 là ? Ah ouais, t'es. Ouais. Juste en ayant fait un release et en tournant. Genre, c'est vraiment débile. Genre. Même le plus débutant des débutants peut y arriver. T'es à l'aise. Zerator dit ne fais pas de grasslide de Mingo Osef. Oui, non, mais aucun intérêt à faire le grasslide, non. Oh là, j'ai ma régule là. Oh, j'ai ma régule. C'est juste. Je la touche à combien ma régule? Je la touche à 9.4. Pouah, aïe aïe. En vrai, si tu fais ça, c'est pas mal, hein. Oh non. Ah si. Oh, ça passe. C'est
tellement chiant. Ah non. C'est tellement horrible. C'est pas grave, c'est pas grave, on est là pour Aigu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, tout ce que j'ai train... à chaque fois que j'ai train Trackmania, j'ai choke, donc... Trackmania, moi, c'est un jeu qui me fait choke. C'est un jeu que je kiffe, mais... Ah, mais là, j'ai touché, j'ai tout fait, là. Je passe pas, là. Je suis à 257. À 250, ouais. Moi, et si passes, ça passe, compliqué, quoi. Et si ça passe, en fait. Non, mais je... Et là, je fais taire les mauvaises langues, là. C'est ça. Les rageux, là. Alors, donc là, vas-y, fais-le bien. Ça allait, mais bon, c'est pas trop... Non, là, faut vraiment que tu sois plus à gauche. Faut pas que tu ailles sur la bosse. Ok. Faut vraiment, on va tout à gauche. Ah non, t'aurais dû respawn, du coup. Bon, c'est pas grave. Parce que... Bon, parce que là, du coup, t'es à 410. En fait, il faut apprendre la technique... Eh, là, c'est parfait, ça. Ouais, c'est... Ah, c'est clean. C'est pas rigueux, mais c'est bien. Pour le coup, c'est bien. Mais c'est pas rigueux. Et là, il fallait moins d'airtime ou pas? Non, là, c'est... Là, ton souris était très bien, là. Parce que... Ça reste un bébé. Pam. Oula. Médaille hauteur, mon pote. Non, non, mais... Non, non, j'ai bien compris, mais en fait, j'ai peur, entre guillemets, de pas pouvoir bien apprendre... Ah merde, dommage là, j'avais trop le nez en avant. En fait, j'ai peur de pas pouvoir bien apprendre ce que tu m'as dit justement sur, entre guillemets, sur le run parfait, tu vois. Qui pour moi, je vais peut-être pas le mettre le run parfait, je vais juste mettre le run, quoi. Tu vois, donc faut que... Mais en fait, le truc, c'est que le... Comment dire? Le saut ralenti, c'est un peu le moment clutch de la map pour les joueurs Zilan, quoi. Et du coup, je me dis que si t'arrives à faire ce petit truc, c'est vraiment un truc tout bête, hein. C'est tu lâches un coup de release et tu repars vers la droite aussitôt. C'est vraiment tout bête. Et il faut l'adhérence avant, quoi. Oui, voilà. Mais si t'arrives à clutch ça, tu vas tellement battre 90% des joueurs. Même si tu fais la pire run au monde, tu vas rattraper tout le monde, en fait. Et genre, parce que la ralentie, je pense qu'il y a au moins la moitié des joueurs dans tes pools qui vont le rater, tu vois. Ok, ça me parle. Donc je pense que ça peut être vraiment un truc. Bon, t'as une run très correcte. Ah, j'ai perdu. Un peu trop, mais c'est ça. Là, va bien à gauche. Vraiment, t'ailles plus à gauche que ça. J'ai lâché l'accélérateur et j'ai rappuyé. Ah, c'est trop tard. Putain, en fait, j'ai pas compris, c'est un micro timing quand même. Hein. Non, non, non. Je te jure que le timing est méga large. Putain, parce que quand tu l'as montré, on avait vraiment l'impression que. Bah, attends, je finis juste histoire de. Vas-y, vas-y. Voilà, histoire de. Ah, c'est histoire de rater, quoi. Ouais. Vas-y, remonte. Vas-y. Ah, propre. Donc. Bon, là, je l'ai un peu fail, mais bon, on va dire que ça passe, quoi. La diapo. Ok. Ça, évidemment. En fait, ouais, j'ai dû. Parce que du coup, tu m'as expliqué, tu freines, tu réaccélères. Enfin, tu réalises, tu réaccélères, mais. Mais la réalité. Est tout autre. Et tout autre. Pour un lambda. Pour un plus gauche. Je vais vraiment te le faire au ralenti, attends. Vas-y. Parce que déjà, le droit de gauche pour avoir l'adhérence, j'avais pas. Parce que j'ai pas assez fait la map, mais j'avais pas compris qu'il y avait une petite boss. Imaginons que ça, tu le fais pas. Donc là, tu vas tout droit. Ok. Il faut vraiment que t'arrives, genre. Vers ici, dans cette zone, pour pas te prendre la bosse. Ok. Parce qu'en fait, si tu te prends la bosse, c'est fini, tu pourras pas le faire. Ok. Parce que limite, je vais pas faire l'adhérence. L'adhérence, parce qu'en fait, si je fais droite gauche, ensuite je serai pas stable. Ok, donc là, je vais bien à gauche. Tu vas vers ici. Je saute là. Genre, quand t'arrives à la fin de la bosse, tu vois, quand la bosse elle redescend. Ouais. Et si tu releases, tu lâcheras un coup de release. Mais genre. Et genre, est-ce que tu fais vraiment clac clac? Non. Clac clac. Pas clac clac. Voilà. Voilà, clac. Je fais clac. Là par exemple, je te le fais comme ça, tac, clac. Clac. Ouais, et là, je reviens bien vers la droite. Là, oui. Et du coup, là, vu que j'ai pas fait le truc de l'adhérence, j'arrive à 430, 440, un truc comme ça. Donc t'es plus loin. Au lieu de 450, mais ça reste quand même bien, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vas-y, j'essaye. Vas-y. Si, franchement, si tu arrives, je serai refait. Dis-toi que Étoile a mis 1h30 à le comprendre. Ah bah, trop bien. Mais bah, après, Étoile, il était pas concentré. Mais toi, vu que t'es un bon élève. On se doute que moi c'est deux essais, quoi. Là on y croit tous. Ah non, non, moi je pense que c'est le premier. Ah, mais j'arrive pas à passer la première boss. Non, mais ça c'est rien, ça. Oh là, t'as une bonne trage là. Oh, mais quel joueur sérieux! C'est vrai que c'était une bonne trage, ça. C'est vrai que c'était une bonne trage, ça. T'as pris. Bah, t'as juste gagné une seconde 4 sur ton PV, quoi. Mais... J'ai freiné. Quel joueur? Non, c'est pas grave. C'est là si tu prends XT, tu passes. Est-ce que tu vas l'avoir là? 259, ça va être close. Ça passe. Ça passe! T'avais tout calculé, évidemment. J'ai prévu de freiner un peu, justement. Là, je reste bien à droite, vas-y, tu là. Vois. Là, un peu trop même. Un peu trop à gauche. Oh, là, c'est bien, vas-y. Clac! Clac! Pourquoi t'as mis à quoi à droite? C'est parce que c'était pas.
Parce que je perdais le fil. Ok, ok, c'est pas grave. Vas-y, autre essai. Parce que une fois que t'arrives à 300 km/h, c'est quelque chose quand même, on se rend pas compte, hein. Ah bah, c'est... Ouais, ouais. C'est facile de faire un clac-clac comme ça, l'air de rien. Ensuite, quand t'es au volant du bolide... Faire clac-clac, c'est facile, mais faire clac... Ouais, c'est... Plus moi, j'ai du mal avec ça, le rythme et tout, c'est ouais. Une lutte, hein. Ah ouais, non, j'allais dire qu'elle était pas mal ma trash, mais... Non, t'as bump avec le bord, l'entrée du bloc. Oh, ça c'est bien, ça. Tu vois, t'es même pas obligé de GS, hein. Tu peux juste le faire en safe comme ça, et ça passe, hein. Ah, je tourne un peu, là, le volant. Ouais, c'est un peu l'idée. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, il y a de la casse. Putain, je me mets à droite. Oh, non, je me mets à gauche. Et clac, clac. Légèrement plus rapide, genre. Vas-y, refais-le un tout petit peu plus rapide. Clac. Clac. Oh là okay, là, ouais. Le c'est teubé, un peu quoi. Plus ça. Ouais, mais là, on peut même aller chercher un peu. Oh bah, ça, j'ai arrêté d'accélérer. Vas-y, donne tout. Là, je suis là. Ouais, un peu, voilà, un peu à gauche. Clac, clac. Ouais, ok, c'est ça. Mais tu étais trop à droite. Mais c'est exactement ça. Ok. Je te dis là, tu l'as très bien fait, mais plus à gauche et tu l'avais. Quand même. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu bump avec la boss, tu perds de la speed et tu perds de l'angle. Donc c'est fini. Ah ouais. En fait, j'ai eu peur de toucher comme le truc d'avant, j'ai touché. Ouais, je peux comprendre. Tu vois, est-ce que tu vois sur le bloc, la bordure, elle est rouge. Ouais. Faut que t'arrives à cet endroit-là à peu près. Ok. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que dès que je vais... en voc avec un streamer, il y a toujours des mecs dans le chat qui me disent qu'ils sont amoureux de moi. Tac, tout va bien. C'est un peu perturbant, quoi. Tac, tout va bien se passer. Bah j'ai 16 ans, quoi. Enfin. Oh. Attention, les gars. Quoi. Oh. C'est bon, balance sur YouTubeur, c'est passé. Oh. La presse. Mais si t'as des noms hein, de gens que t'as vu un peu bizarres, n'hésite pas. Hein, parce que... Non, je balance pas les okay, blagues, okay. Mais. Bah, on est là, en mais tout cas. Sont... Avec tout le staff, on est là. Ouais, je. Ah oui, oh parfait, allez. Clac, clac. Oh non, c'est pas, Mec, tu l'as tellement bien fait. Pourquoi t'as release? Je sais pas, j'allais trop vite. Mais mec, tu réalisais pas, tu l'as fait. J'allais trop vite. Mec, tu l'as tellement bien fait. C'est vrai que c'était bien. Oh, franchement, là tu vois, tu m'as tellement déçu. Oh non, Se calme mec, le coach. Mec, t'es passé de meilleur élève à déception totale. Bah oui, j'allais dans le mur. T'allais pas du tout dans le mur. Tu lags en plus, tac, voilà, je te le dis, je sais pas te le dire, mais puisque tu prends la confiance, tu lags. Nous ne t'entendons okay. plus, tac. Et bah attends. J'allais dans le mur. C'est pour ça que j'étais... Ouais. Est-ce que je lag? Non, ça va, mais on t'entend de plus en plus loin, putain, on a l'impression oui. de te perdre. Ah, j'ai le pire micro du monde, mais là c'est bon, j'ai mis un coup dedans, ça devrait aller mieux. Ok, parfait, j'ai monté un peu ton son. Ah, nickel. Hop, boum. Hop, stab, clac, stab. Ah, je suis mauvaise recette là. Mauvaise recette. Il y a des complications, on va dire. Je touche en 10.3. J'en vois bien la caisse quand même. Oh, j'en vois du grass. Oh putain, ça donne envie de faire votre truc là, mais on sait pas faire. Bah, c'est pas en même temps, t'as envie de flex quoi. Ouais, c'est parce que c'est assez stylé ça pour le coup. Je crois que c'est le truc le plus stylé quand la caisse elle tourne et que. Ah, il y a un autre truc plus stylé que je pourrais te montrer. Putain, tu vas pas faire ça quand même. Ah, je vais te le montrer. Ah, il va le faire, bordel. Pas au bout de nos surprises. Hein. Ah non, j'étais à 260. Ouais, c'est bien. Vas-y. Allez, c'est la bonne. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Ah oui. Clac, clac. Trop rapide. Non, alors t'as légèrement bump, mais dans l'idée, c'est ça. Tu vois, t'arrives à 430 alors que tu l'as raté. Hein. Imagine si tu l'avais très bien fait, là, t'aurais fait 440, là, c'était... Ah, ouais. C'était Noël. Je suis un peu déçu là du coup. Ouais, je peux comprendre. Ah bah nickel, en plus il y a un mec qui t'a envoyé dans le chat le clac-clac régu pour que tu vois un peu comment tu l'avais fait. Ah bah parfait. On va pouvoir comparer un peu nos perfs. Exactement. Oh mais c'est bien ça quand je fais ça. Ouais, c'est très bien. Eh, 9 gros. Bah, j'ai jamais fait bien. Ça. Non, encore. Non, c'est très 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 bien. Attends, mais c'est fou. En fait, moi j'ai l'impression que Trackmania c'est instinctif quoi et. Quand j'essaye d'apprendre trop un truc, ça marche pas, et de temps en temps, ça marche. Mais c'est impossible à régler. 1 seconde 3 là.
23.9, c'est un CP très correct. C'est pas un PB, ouais. Ça, quand même. Ah, si, c'est un PB, ça. Bah, ton PB actuellement, c'est une 15, donc c'est un gros PB, alors. Là, tu réussis le clac-clac, mais tu fais, je te le dis, tu fais une 11. Hein. Pas de pression, pas de pression. Trop de pression, trop de pression. Une pression, pression. Ouais. Pardon, pardon, ok, tu sais quoi, j'arrête de parler. Là, c'est fini, je suis plus dedans, je suis plus dedans. Non, j'avoue, c'est ma faute. C'est pas grave, on t'en veut pas. C'est un peu de ma faute aussi. Non, je prends pas une grosse part de responsabilité là-dedans, mais une petite. Ouais, non, mais c'est surtout de ma faute. En fait, je t'ai mis trop la pression. Hop. Là. En même temps, j'ai l'habitude d'être avec Sard. Pour le motiver, je suis obligé de lui dire il y a 10 sommes en jeu si tu fais pas tel temps. C'est normal que je mets la pression à tout le monde, moi. Putain, Sardo, il fait combien là-dessus? Mais Sardo, il doit être Stratos. Sardo, il fait entre une 8 et une 10 ici. Putain. Mais... Ah ouais, non, j'allais reposer la même question que j'ai posée sur le fait que... Ouais, j'avoue que pour les gros joueurs, c'est... Parce que Tita, il fait combien du coup, lui? Tita, je ne dévoile pas les temps de notre Joker. Ah ouais, pardon. Mais... Allez, je vais te donner une grosse planchette, il est entre une 9 et une 15. J'ai peur que ça les mette mal. Hein. Je sais pas si. Parce qu'il y a des. Attends, tu es en train de dire que Tita va int? Non, du tout, mais t'as quand même révélé. Bah, t'as révélé une grosse info quand même. Enfin, je. Bah, ça va 6 comptes de fourchette. Enfin, par rapport à la NDA que t'as signé. C'est vrai. Tu vois, là, pourquoi tu vas sur la boss? Pourquoi tu t'obstines? T'es amoureux de cette boss? C'est quoi le problème? Je me sens bien. Cette boss, tu dois l'éviter. Merde. Dommage. Tu dois vraiment l'éviter, tu dois vraiment être à gauche. Bon allez, on fait un petit PB et ensuite on change de map. Vas-y. En plus, je t'ai vu sur une des maps, faut qu'on discute dessus. Ah vas-y, parfait. Parlons. On parlera dessus. Est-ce que si, je peux vous le dire que le Tita, il a le clac-clac. Hein. Il l'a, mais il l'a. Ah, il est chaud, hein, Tita. Après, Tita, ça doit être un bon élève. Hein. Tita, il veut... Bah, il veut apprendre, quoi. Ouais. Tita, je me fais pas trop de soucis sur le genre d'élève que c'est. Ouais, non, mais... En vrai, je suis content, c'est cool d'essayer de les aider. Bah ouais, je suis vraiment pas le meilleur joueur, hein, mais bah, le fait d'aider des gens, moi, ça me... Ouais, c'est ton kiff, mais c'est marrant, c'est ce que je disais, c'est marrant que t'aies ça si jeune. Parce que quand t'as quand même le niveau, justement, pour pouvoir être pas loin de perf, ou essayer de perf ou autre, souvent, les joueurs, bah, essayent de perf, quoi. Toi, tout de suite, t'as essayé d'organiser des trucs, de... C'est ce qui me fait kiffer, honnêtement. Marrant, ton profil, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est un profil atypique, quoi. Ouais, t'es vraiment dans le don de toi, quoi. C'est... Oh là là, ouais. Je vais toucher là. Moi je suis dans le don de moi-même. Allez, là c'est la bonne. Oublie pas le clac. T'apprends pas de tes erreurs. Mise de là, pression. Là t'es bien. Clac. Oh, dommage. Je l'ai fait. C'était ça. Ouais, mais c'était ça. Mais ton coup à droite était légèrement trop tard. Mais c'est ça. Ok. Donc on est un peu déçu, mais pas trop non plus, quoi. On sent qu'il y a quand même un truc derrière, tu vois. On est déçu, mais on se dit que ça peut bien se passer. On est déçu, mais habitué, quoi, on dirait presque. Non. Justement, on est déçu, mais on se dit que la fois où tu vas réussir, ce sera encore mieux. Ah ouais. C'est comme Lyon. Ça fait 10 ans, ils n'ont pas gagné la Ligue 1, mais quand ils ont gagné. T'es pour ta gueule. T'es pour qui? Je suis pour Paris, mais. Oh là là. Je suis né parisien, je resterai parisien. T'as vu, putain. J'allais tailler. Vas-y, non, 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 mais en plus, c'est même pas tailler, c'est juste. Neymar, là, j'ai vu, c'est un pote parisien qui m'a montré, mais. Neymar, il fait vraiment genre 2 OP Fortnite par semaine en ce moment, quoi. Ah oui, mais il est trop chiant. C'est sympa, tu vois, le lien avec le jeu vidéo et tout, mais c'est vrai qu'il y a un moment où genre c'est vraiment... il voit plus Ninja, Gotha que Mbappé, quoi, de temps en temps, quoi. Bah, j'ai un peu l'impression que si on va voir son profil Steam, il a plus d'heures sur CS que sur le foot cette année, quoi. Après c'est la vie. Chacun sa priorité, quoi. Nous, ça sera l'Europa League pour nous, hein. Bon, attends, je me concentre parce que là sinon je vais plus y arriver là. Vas-y. C'est vrai qu'on discute, mais on est là juste pour. Putain, c'est vrai que j'aille à gauche. Vas-y, on fait encore une fois le clac-clac et après on switch. Vas-y, ouais, parce que là. Moi j'ai un taux de concentration. Ouais, je suis pas le tryharder né, quoi. Bah, on sent que t'allais passer tes 20 minutes de concentration, quoi. Mais dis que je suis con, hein. Enfin, vas-y. Non, mais en vrai, le cerveau humain peut pas être concentré plus de 50 minutes à 100%. J'ai du mal à être. Non, mais c'est normal, c'est. Putain, je suis à chier, ce truc on l'a réglé quand même. C'est bon.
Là, j'ai l'impression que la caméra est plus près que tout à l'heure. T'as trop release. Ah ouais? Ouais, parce qu'en gros, quand tu gardes l'adhérence avec la bosse, tu vas forcément avoir trop de vitesse. Non, je prenais le panneau, je pétais tout. Ouais, non, je peux comprendre. Non, mais t'as eu peur. Oui. C'est bien ça. Merci. T'as l'intelligence de jeu de garder l'adhérence, hein. Bravo. Merci. En plus, je te l'ai même pas dit. Instinctif. Hein. Instinct bestial. C'est parce que t'as joué avec Karl, ça. Ah. Oh, j'ai 263 là. Non, t'étais. J'étais à 263. Oui, oui. Non, mais ma théorie, c'est que t'étais trop en diagonale. Genre, tu tournais un peu. Ah, ok, ça oui, d'accord. Je veux bien. Ouais. J'accepte. Très beau skin d'ailleurs, la Team Pax. Merci. Bon, nous, le principe de la Team Pax, c'est pas non plus un club e-sport, tu vois. C'est plus un. C'est un club d'épicuriens qui, de temps en temps, se prend d'amour pour des pépites, des joueurs qui en veulent, qui sont capables de nous faire rêver en demi-finale, en finale. C'est voilà, ça. Et quoi. Ils sont volés par Solari. C'est dingue, t'as une partie de l'ADN déjà. C'est fou, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à train là? Ça n'arrivera pas. Eh ben. Peut-être, un jour. En vrai, si tu veux me prendre en tant qu'organisateur d'événements, je suis chaud. Bah non, mais... J'organise des dingueries. Ok, je vais faire plus. Mais... Non mais on gratte un job, mais... Mais sinon... sinon tu games un peu ou... Ouais, bah en gros, moi mon objectif c'est de gagner la Zilan, ce qui va être assez simple. Le premier c'est de s'inscrire. Puis TM Cup direct, t'enchaînes ouais, le voilà, 2 en 1, boum. C'est ça, c'est là où t'es fort, hein, c'est là où... Pour l'instant moi, tu le dis pas, c'est fort. Mais je quête mon niveau en fait. Boum. Hop, là par contre, attention. Ouais. Vas-y. Là je prends large 259 ouais, 260 et ouais, j'ai fait exprès de pas aller en diagonale, tu vois, parce que je me suis dit c'est très bien, t'as compris qu'il fallait être tout droit. J'ai les mains moites. Allez un peu à gauche, voilà, nickel. Allez, tac. Non, la bosse. Pardon. Vas-y, là tu dois le prendre, en fait là tu dois le prendre bien haut vu que t'as raté. Là le middle c'est vraiment quand tu le réussis. Bah c'est parfait. Bah non, du coup c'est pas parfait. Voilà, je suis en sérieux. C'est parfait, enfin il y a un moment oui, où... Allez. Oui, d'accord. Faut connaître ses joueurs, coach, hein. Oui, d'accord. Oh là là, pourtant là, le virage de fin. Mais ouais, je sais pas, full speed. Ouais, de toute façon, c'était fait exprès. Bon, il nous faut un PB, là. Bah c'est pour le show, en soi. Vas-y, JS. Ah, dommage. JS, c'est quoi? Grass Slide. Ouais, mais attends, comment tu fais là pour ça là? Parce que. Bah, en gros, là, tu t'allais vers la gauche et tu faisais full frein. Bon, là, du coup, t'es pas à 90, tu vois, mais. Parce que c'est ce truc. C'est le Grass Slide pas à 90 qui me fait bizarre, moi. Eh, c'est un bon début de run là. Que je viens bien de niquer là. Ouais, c'est. Le carva là. Bon, 3, ok. On est quand même bien. Bien droit. 259. Ça passe. 259, bien droit. Ça passe. Putain, mais gros! J'ai compris qu'il fallait être bien droit. J'ai appuyé, genre j'ai freiné et j'ai fait mon joystick qui a vraiment Allez, fait focus, des. Focus, tac-tac, pense tac-tac. J'ai pas voulu aller à droite pour la boss, c'est pour ça que je vais à droite, c'est pas pour la boss, parce que sinon je tape. Oui. C'est vrai, mais t'étais trop à gauche. C'est pour ça, gros. C'est ma faute? Du tout. D'accord. Non, c'est assez rarement de ta faute, hein, pour remettre les choses dans... quand même, hein, pour pas... Ça a été peut-être j'avoue, je t'en demande peut-être beaucoup. Ça a été peut-être une fois de ta faute, rapidement, mais vraiment, comme ça, quoi. Voilà, pas plus. C'est vraiment la faute du coach. Oh. Changement de map. J'ai compris que c'était trop... Roro Bogosito, merci. Alors, pour le prime. On doit discuter sur cette vie. Vas-y, on a besoin de nouveautés là. On a besoin de nouveautés parce que là. Mais déjà, j'ai appris des choses. Hein. J'ai appris des choses. Des choses qu'on n'est pas prêt d'oublier. C'est F1 pour Switch. Vas-y. Map 9, nouvelle map. On change les pneus là, la dra, la dirt, tout ça là. J'ai vraiment pas envie d'appuyer sur F1. Hop. Ok, c'est bon. Merci. C'est bon. On part pas sans PB. Si, on part un peu sans PB là. Comme ça, on va. Non, parce que ça, je commence à comprendre déjà. Je savais pas exactement, mais. En fait, on a juste besoin d'avoir les bonnes bases de ce qu'il faut faire, voilà. Tu vois. Ici, on n'est pas là pour les WR, on est là pour la régu et les bases. C'est vrai, ça.
Cette Pepsi, qu'est-ce que tu en penses? Putain, dis-moi déjà un peu qu'est-ce que t'en penses. J'imagine juste Gigi sur Trackmania là. C'est... Ça doit être compliqué là. Putain. Insane, ou... De quoi? Insane, Gigi? Ouais, ouais, un peu. Il est pas très confiant, ton ouais, là. Un petit peu, en fait, j'ai freiné avec... ça, je l'ai fait une ou deux fois. Vas-y, fais une run, tranquille. Le truc, c'est que je sais pas le cut, en fait, comment le faire. Donc à bah, chaque fois, j'en... C'est pour ça que je t'ai mis là-dessus. J'envoie la caisse... Oh, putain, faut que j'envoie... Parce que là, j'ai un truc pour te... Attends, mec. Pour t'aider. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que mon joystick allait vers la droite, mais c'est bon. C'est bon, tout va bien. Pas de bug de joystick. Oh, ça m'avait fait chier pendant 3 semaines, Tita, son joystick était cassé, du coup, on pouvait pas tout train. C'était trop chiant. Ouais, parfois, tu te rends pas compte, tu penses que t'es nul, boum, bug joystick, hein. Bah oui. Honnêtement, si t'avais un meilleur pad, tu serais Carl Junior. Non, mais... Parfois, ça joue, hein. Ah oui, ça joue. Là, tu fais quoi? Tu fais un coup de frein et tu te repositionnes, là, ça? Quand t'es pas ouf. Moi, je néo. Ouais, ah, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que le moi, je néo, c'est... C'est un peu compliqué, ouais, je peux comprendre. Et bah là, j'envoie juste, je dirais là, un peu en tournant un peu à gauche. Ok, ouais. Eh, ok. Voilà, bah, comme ça. En première intense, hein, tu vois. Nous, la Team Pack, c'est première intense. C'est beaucoup de... En 9 dixième intense, on n'est pas ouf. En première, voilà. Ça dépend, quoi. Ouais. Première intense. J'ai un truc à te montrer qui va t'intéresser. Vas-y. Vas-y, tu me dis quand t'es sur moi. Ah pardon, attends, du coup, je suis juste reparti dans une oreille. Ah vas-y, bah, je te spec. Juste pour voir si je le fais deux fois de suite. Mais je pense pas. Hein. Je dirais là, en envoyant, à gauche. Je suis une bête. C'est 2 sur 2, là. Et là, par contre, comment faut envoyer là-bas, là? Bah là, du coup, t'es obligé d'aller au premier, donc là, fallait plus haut. Ah, faut aller tout en haut, d'accord. Bon, attends, ouais, respawn. Ah merde, j'aurais pu, vas-y, montre mon compte. Donc, en gros, tu vois ce que tu fais au cut, je vais pas te mentir, c'est pas si mal. Ok. Mais en fait, je sais même pas, hein, pour être, enfin, je... Mais. Vas-y. Je vais te montrer. Tu vois ce que tu fais... C'est beau quand ça va vite. C'est un truc, genre toi, tu fais ça, tu vas là, tu balances ta voiture, et voilà. C'est ça. Donc en gros là, t'as une chance de te retourner comme ça et que ça passe. Ouais. C'est bien. Sauf que nous ce qu'on veut c'est l'avoir tout le temps. Donc tu fais exactement pareil sauf que tu stab. Et là regarde. Et là ça passe tout le temps en fait. Est-ce que tu tournes un peu les roues à gauche ou pas? Alors en gros moi ce que je fais c'est que je stab en partant. Et en fait là en gros selon comment ma voiture est, je vais tourner pour Et tu vises un point? Honnêtement, je vise, tu vois la flèche blanche là ici? Je vise la droite de la flèche blanche et ah je vais okay, la gauche. j'ai vu. Donc là hop, et en gros ça passera tout le temps. C'est propre? Voilà. Oh, j'ai envie d'essayer. Voilà. Oh, c'est allez, stylé. Parce que déjà si t'as ça, c'est pas mal hein. Ah bah oui. Ouais, le but c'est pas que tu le passes pour pouvoir faire le deuxième gros saut, tu vois. Le but c'est juste de le passer tout court. Ah ouais, de fou. C'est propre. Tu seras quasiment sûr de le passer tout le temps. C'est trop bien. Tu vas facile le 85-90%. C'est le feu. Ça parfait, très bien. On est invincible maintenant. Bah là, tu vas juste prendre la map à Bren. Hein. Non mais no joke, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien. Vas-y, la fin, montre-moi comment tu fais. Je me souviens pas, attends. Ah si, y a ça, je me souviens plus. Ok. Je vais te montrer. Ah, y a un ah, CP. Ah, ouais, du coup, t'as un CP. J'ai arrêté un CP, ouais. Ah, mais je crois qu'attends, je faisais. Je crois que je faisais un truc à droite, moi. Ouais, c'est ça. C'est ça? Un truc à droite. Alors, non, ça fait full luck, ça. Mais okay. Oui, tu dois faire un truc à droite. Vas-y, allez, montre. Alors, à la fin, tu vas avoir plusieurs stratégies, mais je vais te donner la version safe, rigue, etc. Des belles courbes. Vous allez pouvoir regarder. Oh, ça c'est un fail ça par contre. J'ai trop de speed. Aïe. Ah j'avais trop de vitesse, je suis obligé de prendre plus à gauche. Ok. J'ai voulu grid. Là du coup tu prends tout en haut là?
Ouais, bah, du coup, moi je vais au fond quoi. Mais ça, regarde, pour te montrer, toi si tu veux le prendre, tu fais vraiment genre un truc comme ça. Oh là, attends, non, ça c'était très greedy. Je le passais, mais c'était trop greedy pour toi. Tu prends vraiment genre. Voilà, un truc comme ça. Ouais, en mode giga haut et tu t'en fous quoi. Ouais, voilà. Bon, du coup, moi je vais passer au deuxième, attends. Comme ça c'est plus rapide. Ah, y'a ça, putain, j'avais même pas capté. Ouais, mais bon, ça c'est très dur. Ouais, ouais, donc j'imagine. Et donc, en gros, la fin, ce que tu dois faire, c'est un truc comme ça. Là, tu fais full frein. Hop, voilà. Vraiment tout bête, hein. Juste, tu full frein. Ah oui, tu freines, mais comme un idiot. C'est moins excitant, genre, mais ça a l'air pas mal. Alors, vraiment, tu freines, et hop, là, voilà. Ok. Et ensuite, tu passes dans le triangle comme ça. Tu prends la grâce noire, et ensuite, tu reviens comme ça, et voilà, tu finis. Voilà, tout bête. Ok. Ah, vas-y, je suis curieux. Mais c'est bien, faut être curieux dans la vie. Tac, 32 ans. A déjà pas mal bourlingué. C'est vrai qu'il y a de l'expérience dans la vie. Oula. Une question, t'as quel âge, Pierre ? Je vais avoir 27 là. Ok, ok. Oh non ! T'as pas de vitesse là. Ah, c'est vraiment juste une question de vitesse. Ah, ok, c'est une question de vitesse, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu me demandais mon âge? Bah j'étais curieux parce que la dernière fois que j'ai streamé avec Kenny, il m'a dit qu'il avait 26 et du coup quand j'ai dit que j'avais 16, il s'est moqué de moi parce qu'apparemment je suis tout petit, voilà. Oh Kenny. C'est énorme mais... Ah mais Kenny, t'es trop un minus. Ah mais attends, mais tu rigoles, il a vraiment fait ça. Ouais mais c'est... Bah après c'est marrant. C'est Ken. Ah mais Kenny il est très marrant. Putain, ah, ouais, de 16 ans quand t'as genre quelqu'un qui a 26 ans. On est quoi? On est des darons? On est des... C'est âgé, très âgé, c'est quoi, tu vois, le... C'est quoi la vision? Moi, je vais dire un truc assez spécial, mais vas-y. Pour moi, peu importe l'âge, tant que la personne, c'est agréable de parler avec elle, t'apprends des choses et tout, moi, je vois pas de problème avec l'âge. Hein. Je peux parler avec des darons de 50 ans, mais s'ils parlent de trucs intéressants et tout, que j'apprends des choses avec eux, moi, l'âge, mais je m'en fous que tu avec sois un bon whisky ou quoi, rien à foutre de... Oh, c'était stylé, ça, pardon. Rien à foutre de ton âge, tant que t'es quelqu'un d'intéressant, qui a de l'expérience et tout. C'est pas parce que t'es pas à la mode, que tu t'habilles pas full drip et tout, que je vais pas te respecter, tu vois. Ponce direct, tu es très éveillé. Non mais c'est vrai que c'est bien, en vrai c'est cool d'avoir cette mentalité. Hein. Ouais. À ton âge et tout. Les gens plus jeunes, là, c'est plus compliqué. De quoi? Les gens plus jeunes, genre les générations en dessous des 2004, c'est vraiment des débiles, non? 2005, 2006 et tout, je suis désolé. Non, non, faut le dire. Mais pourquoi? Mais on disait pareil de vous, les 2000. C'est toujours ça, c'est le principe. C'est que toujours tu vas dire que la génération en dessous est plus débile. Mais oui. Mais en gros, de 2000 à 2004, c'était du mieux jusqu'au pire. Les 2004, on est genre 50% de débile, 50% de ok. Ouais. Mais en dessous, ça se détériore encore plus. Mais parce que. Ils vont grandir, non? Tu penses pas? Si. Mais quand nous on était à l'autre, en gros, comment t'expliquer? Il y a un an quoi, il y a un an, t'étais comment il y a un an? Dis-nous, il y a un an, parce que... Il y a un an, j'étais pareil. J'ai pas changé depuis un an. Mais en gros, genre les 2000 à notre âge, ils étaient un peu plus matures que nous. Mais des exemples, à quel niveau genre par exemple? Parce que c'est vrai que c'était... Par exemple, ce que je viens de te dire, tu vois, juste avant. Genre, je pense que ça peut être compté dans la maturité, je pense que eux ils étaient encore plus dans ces trucs là, tu vois. Sur quoi? Sur l'âge, pardon? Sur la maturité en général selon l'âge. Okay. Sauf que les mecs en dessous nous, donc 2005, 6, 7, ils ont vraiment 50% de maturité en moins. Mais genre, c'est très grave, je te jure que c'est vrai. J'ai observé ça, c'est très grave. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est un principe un peu de la vie de... Franchement, moi je suis de 94, les générations avant, c'est normal, tu sais, genre la génération d'avant, t'as toujours cette impression où ils sont débiles parce que toi tu viens de grandir et tu viens de comprendre des trucs qu'il y a 2 ans t'avais pas compris. Mais du coup forcément, dès que tu regardes derrière toi, t'es en mode putain, mais eux ils ont pas encore ça. Parce que toi tu l'as compris, tu l'as pris. Mais c'est un peu normal, tu vois, de... je me suis connecté sur le live de Pont ce matin où justement il parlait de... je sais pas pourquoi il parlait d'âge, justement, de gens, etc. Et nous, on n'était pas beaucoup plus intelligents quand sur Facebook, nos premiers statuts c'était en mode ah, putain, trop cool le parc avec Anthony et machin. Ensuite, on allait au ciné. Tu vois, c'est juste que du coup, c'est pas mieux parce qu'ils ont accès à tout et TikTok et tout et ils s'échangent maintenant tout en public et tout. Mais ils ont plus accès avec la diffusion
la facilité d'accès des réseaux sociaux. Ils ont plus accès à des contenus entre grosses guillemets débiles. Genre des trucs qui sont pas très intelligents. Non mais non attends. En fait non, je comprends, c'est juste que ça, c'est... d'un point de vue un tout petit peu plus âgé, tu vois. Oui. C'est exactement, genre quelqu'un va pas faire la différence entre, là t'as dit 2004, entre un 2003 et un 2004, tu vois ce que je veux dire, c'est same shit quoi, tu vois, c'est vraiment, je me dis pas, ah ouais putain, non 2002 ça va, 2003 c'est déjà terrible et 2004 ça revient un peu, enfin tu vois, c'est juste que c'est loin et vous êtes encore jeune, tu vois, c'est normal. Mais c'est sûr. Mais du coup, c'est un peu tout dans le même lot, dans le sens pour moi, tu vois, là, ceux qui sont en... Toi t'es en quoi, t'es en première du coup? C'est ça, ouais. Tu vois, c'est à peu près similaire, mais je sais pas, après, je suis pas au collège ou autre, tu vois, donc moi, j'avais ce truc où j'ai eu le bac en 2010, parce que moi, j'avais c'était deux classes, du coup, et genre, donc j'étais avec des 92. Ah oui, t'es cool. Et en gros, moi, les meufs de ma classe, etc., elles mettaient toutes des ISPAC et tout, et on voyait, par exemple, celles qui étaient peut-être en quatrième, en troisième et tout, elles avaient des sacs, tu vois. Elles avaient des sacs en mode petite meuf, etc., tu vois, même niveau maquillage et tout, ça a été ça, les premiers changements, tu vois. Donc au début, on se disait, putain, mais en fait, il fume. Mais genre, en fait, il commence à niquer à 14 ans, 15 ans et tout. Enfin, tu vois, donc, je sais pas. T'es encore descendu, ça. Hein. Tu sais ce que tu dis, maintenant, ça c'est nique en 6ème. Ça nique en 6ème, là, putain. Non, 6ème, j'abuse. Mais genre, 5ème, 4ème, facile, oui. Ah ouais. Genre, moi, quand j'étais en 4ème, il y avait peut-être la moitié du groupe de mecs qui avaient déjà eu des expériences, tu vois. Et là, je j'ai pas l'info, j'ai pas la stats. Ah, après, à peu près ça, c'est pas non plus si différent que ça. À 4ème, il commençait à y avoir des mecs qui commencent. Ouais, à 4ème, c'est un peu tôt. 4ème, c'est un peu tôt. Mais... Bah, 14 ans, c'est là où tu commences à avoir ta première copine. Après, ça dépend, hein, tu vois. Genre, je suis curieux de. Faisons un sondage. Allez, sondage qui? C'est quoi le nom du sondage? Sondage dans le chat. Votre première fois, vous l'avez fait à quel âge? Très intéressant. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une honte, hein. C'est normal. Mais ouais, c'est bien. Alors. Est-ce que vous avez déjà fait du stop? C'est un sondage, justement. Ça va, tes popcorn. On va mettre un premier truc 10-13, tu vois. 10-13, je pense qu'il n'y aura personne. Sauf des grands malades. Genre. 13, je pense que si, t'as. Ensuite, je mets mais quoi? Je mets 14-16? Non, je pense que, non, justement, faut que tu fasses des trucs genre plus 10-14 et ensuite tu mets 15-16. Non, justement, tu dois faire parce qu'on a que 5 possibilités. Hein. Tu dois faire 11-13, ouais. 13-15, 15-17 et 17 plus. Alors, je mets 13 moins, 13-15. Parce qu'un mec qui a ouais, presque le mec qui a mis 15 ans, 17 plus, pas fait. 13 moins, 13-15. Donc, c'est si t'as moins de 15 ans, faut étendre plus. 13-15, c'est pas ouf. 13-15, ça. Mais après, ça va être le. Je pense que les gens vont être majoritairement là, quoi. Mais le 15 se met où? À 15 ans révolu, c'est 17 et. Ça va être en haut du chat. Moi, je prédis que je pense que ça va être du 15-17. Ouais, c'est possible. 17 plus après. Hein. C'est le training Zilan pour quelle épreuve? L'épreuve secrète, Zéra. L'épreuve sondage, en fait. Je pense que c'est 17 plus. Hein. Ah ouais, ok. Mais bah, je pensais que 15-17 allait être dominé. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont pas qui sont encore vierges ou... Après, il faut aussi dire qu'en ce moment, il y a le Covid, donc je pense que... Ça a mis un an et demi de rien du tout. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, c'est 17 plus. Ouais, moi, ma première fois, j'ai fait... Je pensais vraiment que ça allait être 15-17. Moi, j'ai fait 18, je crois. Donc... Pas fait en ayant 25 ans et je le vis bien. Mais vous avez raison. Hein. Ouais. Honnêtement, c'est un truc qui pendant longtemps, après, dans toutes les périodes de lycée et tout, tu peux être vite moqué ou autre, tu vois. Après, c'est chacun le vit. Ouais, c'est sûr. Après. T'as des malades à moins de 13. Oh, moi, j'ai des potes. J'ai des potes qui étaient avancés sur le sujet. Hein. Moi, j'ai des potes, ils ont vécu en fast life. Hein. À 16 ans, le mec s'était déjà tapé. Enfin, à 15 ans. J'ai un pote, il t'a pas des mamans. J'étais en mode, oh, putain, propre. T'as fait ton DM de maths, sinon ça se passe comment? Mais ok, d'accord. Fallait prendre pour les 18, 23, 23, 30 et tout. Ah ouais, mais c'est différent. Ouais. Bah, 17 plus, ça regroupe ça ensemble. Mais. Ok, bon, moi, je suis étonné du résultat. Je m'attendais vraiment à 15.
À 15-17. Ouais, après, t'avais les mythos et tout aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ça oui, dépend, après. C'est une partie infime, je pense, les mythos, quand même. Vraiment, les 34 votes, 13 moins, bon. Tu juges? Ah oui. Ah ouais? Ah ouais, ah, pour le coup, oui. Pourquoi? À 13 mois, mais tu te rends pas compte, tu te rends compte à quoi ressemblait ton corps à 13 ans? Ah ouais, non, de fou, mais t'en as qui étaient... Mais 13 qui... Ah, mais c'est hyper jeune. C'est genre, c'est un truc qui est vraiment genre... Encore heureux, on juge. Mais non, en fait, juge pas. Si tu juges pas quelqu'un qui est plutôt à 25 ans, juge pas quelqu'un qui, à 13 ans, se sentait peut-être prêt avec sa meuf ou qui avait 2 ans de couple. Jugement. Parce que sinon, c'est pas du jugement. Pour moi, c'est plus de... Comment dire? C'est plus vraiment, je me fais la réflexion de comment est-ce que ça peut arriver aussitôt, parce que... Ah ouais, non, mais après, c'est atypique, c'est très très jeune. Pour moi, c'est aussi trop jeune, etc. Mais t'as des gens, ils sont ensemble en primaire et tout, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est vrai que je suis assez étonné quand même. Après, c'est très, très minime, mais c'est bien, on est content que ça soit pas une majorité de gens, quoi. Mais, oui, oui. Marié depuis 3 ans. On n'est même pas programmé pour le faire aussitôt, quoi. Biologiquement, je parle. Ouais. Donc, ouais, ok. Bah, ouais, c'est les parents qu'il faut juger. Ouais, non, mais c'est. Ouais, je sais pas. Moi, j'avais connu, je crois, un pote qui ouais, avait ça, je crois. Hein. Ah, c'était plus 13, c'est vrai que c'est 13, c'est tôt. Ça commence à 14 quand même. Les gens très précoces, ils commencent quand même à 14, ça, souvent. Ouais. Tu veux que je te montre une run pour se la remettre dans la tête? Ouais, je suis plus dedans là. Là, je suis plus dedans. Ouais. Là, vas-y, remonte-moi. On a eu une petite discussion là. Remonte. Quand tu gères une map, il y a des putains de cuts là. Et du coup, les 2005, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est peut-être pas ce que j'ai. Mais honnêtement, quand tu... Alors, je vous renvoie à la vidéo du Roi des Rats. Mais quand tu regardes qu'il y a des filles de 13-12 ans qui font des danses sexy sur TikTok, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Ouais, mais ouais. On est vraiment dans un changement. Genre, j'en vois des meufs dans la cour du lycée qui se mettent en débardeur pour faire des danses sur TikTok, tu vois, j'en vois. Et je me dis, c'est... Je sais pas. Ouais, non, mais c'est un truc d'éducation ou... Les réseaux sociaux, ouais, font vraiment... Je sais pas, honnêtement. Ouais, non, mais après t'es aussi t'es dans, voilà, le truc, et malgré tout, même si t'es très mature, etc., t'as 16 ans où tu vis le truc, quoi. Tu freines comme ça. Vraiment, tu coules le frein. Ok. Oula, bon, là j'ai raté. Ouais, ouais, non, ça gêne, mais c'était le début où je passais pas le cut, quoi. Mais. Ah oui, bah attends, le cut, je te le remonte, my man. Je vais te le refaire 3-4 fois. Non, mais j'avoue que je l'ai fait 4-5 fois sans. Ouais, sans vraiment réfléchir. Ouais, mais après, cette map est vraiment, vraiment pas simple. Je pense que la map où tu devrais le mieux t'ébrouiller, c'est peut-être la map 2. C'est laquelle? C'est celle où, avec le gratte-ciel au tout début. Ok. Alors, tu vois ce que j'ai fait ou pas? Ouais, là, vraiment, je stab instant, et ensuite ça part, quoi. Ah ouais, c'est le stab et t'envoies, quoi. Ouais, exactement. Je balance ma voiture. Très bien. Non, mais c'est un sujet qui demande plus de bah, profondeur, même de statistiques, etc. Parce que c'est... C'est un vrai sujet très vaste et vraiment, clairement. Où il y a beaucoup, tu vois, et ouais, c'est au fur et à mesure, mais pour moi c'est tellement c'est évolutif ou 2004-2005, pour moi ça change R, quoi, vraiment. Ah ouais, ouais, après ouais, je sais pas. Parce que mais c'est juste des prises, c'est juste des prises de conscience, et c'est juste que forcément plus les gens ont justement les téléphones tôt dans les mains, bah forcément Ah, ça valait le coup d'aller à gauche? Du coup, j'ai perdu de la speed. Ouais, c'était un peu bancal, mais c'était passé, donc honnêtement... Oh là, j'étais trop con, là. En fait, faut vraiment que je prenne tout là-haut, pas... Faut pas que je coupe. Très bien. De toute façon, tu saves, donc tu peux te permettre de le prendre haut, tu peux vraiment... Mais c'est vrai que toi, ça, les mecs qui se sont fait tailler, c'était les 2000. Les 2000, au début, genre, il y a vraiment eu 3 ans de vanne sur les 2000. En même temps, c'était le changement de siècle. Mais tous les ans, moi j'ai toujours trouvé. En fait, j'ai toujours trouvé ça. Oh merde, faut que je freine beaucoup plus. J'ai toujours trouvé ça hyper naze, les vannes. Faut que tu freines vers le milieu du boost. Alors vraiment là, voilà, tu freines, mais genre vraiment t'es. Ouais. T'es en full frein, quoi. Faut pas que tu lâches le frein jusqu'à ce que tu touches. Ok, d'accord. Jusqu'à ce que tu touches les deux. Là, par contre, tu peux cutter entre les arbres, t'es pas obligé de revenir sur la route. Ok, d'accord, ouais, tu repasses. Ouais, tu prends le triangle et tu repasses dedans et tout. Ça me va. J'ai pas eu assez de vitesse là. 3 ans, ouais. T'es gentil. Ah ouais, non, mais c'était un moment. Là, c'est un peu. Ouais, il y a un peu de temps en temps, mais ça s'adapte aussi avec les générations. Mais MDR, les 2000, putain. Ah, c'était vraiment le. C'était terrible, ça.
pense que c'est le changement de millénaire qui est tout. Oh non, mais après, il y a eu la même sur un... T'as dû prendre aussi, hein, en non, 2004, moi, toi. C'est au grand que j'ai jamais pris, hein. Ah ouais, c'est bien passé. Ah, jamais. Les autres trucs où je prends, c'est, bah, c'est quand je vais sur le stream de Kenny, quoi. Mais à part ça, moi, je prends jamais, hein, sur mon âge. Je sais pas pourquoi. Bah... Ouais, en même temps, Kenny. Kenny, tu harcèles des jeunes? Bah, tu sais que j'endors plus, hein. Oh là, le bâtard. Alors Kenny, ça va le mettre mal en plus. Kenny Bully? Non, mais... En fait, Kenny, il est trop gentil. Ouais, sauf quand il te harcèle, quoi. C'est vraiment le seul moment où... Mais tu vois, Kenny, c'est le mec populaire à la récré, il a l'air cool et tout, mais en secret, tu vois, c'est un harceleur, quoi. Non, Ken, c'est le plus gentil. Oui, c'est bon, j'arrête. Non, mais Kenny, je t'aime. J'en ai ras le cul, Trackmania, c'est trop dur comme jeu, putain. Ok, souffle un coup. C'est pour ça que moi, j'avais fait un serveur avec des maps pour nul, où tu peux poser ton cerveau et faire des... et être nul, et être heureux d'être nul. Voilà. On est en train de dire que les modes de Zeratan ne sont pas des maps pour nul. Bah ouais, c'est pas une surprise, hein. Ouais. C'est vrai que Zerin t'avais dit que tu ferais des maps pour débutants. J'ai pas. Par contre, t'as oublié de stab. Ouais, t'as oublié de stab en sortant du sort. Ok, donc là, ça a donné un coup random, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est quand tu fais ça, t'as beaucoup moins de chances de passer. Ouais, t'es en 50-50, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ah, ok. Ça, c'est bien pris, ça, par contre. C'est vrai qu'on passe un temps dans les airs qui. On va prendre régu, quoi. C'est vrai que si tu veux jouer safe, tu prends pas les cartes. Il a pas tort. Ce discours rodé. On sent qu'il l'a répété, ce discours. Oh, bien joué ça. Ah, j'ai full freiné. Tu vas dans le triangle. Oui, c'est ça. Tu vas dans le triangle et là tu passes à gauche. Voilà. Et là tu vas rejoindre l'herbe claire et voilà. Et tu finis. Voilà, nickel. T'as fait une minute en ayant fait une run vraiment pas terrible. Ok. Donc je pense que tu peux aller chercher ta petite régu à 56, 57. 4 secondes. Mais je vais améliorer sur quoi, 4 secondes? Sur le 4. Il suffit que t'aies un cut un peu, parce ouais, que là t'avais, tu l'avais balancé ta voiture, t'avais fait... Ouais, faut que je stab juste avant, quoi. Ouais, faut vraiment que tu stab. Voilà. Tu peux te permettre d'aller un peu plus à gauche. Respawn. Merde. Ah, ouais. Mais pardon. Un peu plus à gauche encore, ouais, sur la... Ok. Ouais, c'est vraiment au niveau de la flèche blanche. Ça me va. Tu fais les Cup of the Day, toi, un peu sur Trackmania ou pas du tout? Ah, moi, honnêtement, Trackmania. J'avais rejoué à Trackmania parce que je trouvais cool le mode Ranked. Parce qu'en fait, je kiffe le jeu, je suis flingué dessus, mais j'aime bien parce que je trouve ça sympa, ça peut te permettre de discuter ou quoi quand c'est des. Bah, tant mieux, tes jeux sont trop bien. Quand c'est de la tech, quoi. Non, c'est pas trop mal. Ouais, j'avoue. Oui, c'était un peu le problème des maps Cup of the Day, oui. Et du coup. Oh là, je suis trop haut là, non? Non, c'est bien. Ok, c'est le maxi régu, quoi. Ouais. Là t'as une bonne run. Vas-y. Et du coup, de temps en temps, je faisais le truc ranked. Aïe. Ah ouais, là tu vois, j'ai voulu prendre trop épingle, je devais faire large. Ou faire Là l'idéal c'est néo, quoi, mais bon. Ouais, mais t'es pas obligé. D'ailleurs t'as vu ou pas sur mode ranked, maintenant tu peux inviter tes amis pour faire une vraie squad. J'ai vu ça. Je voulais faire ça avec avec mes amis, mais en fait... Ah non, là par contre, ouais, fallait que tu continues à cut. Ouais bon, ah, ouais, j'étais en... raté ton PB, mais tant pis. J'étais loin. Honnêtement, tu peux vraiment faire une bonne run, non? Merde. Je te jure, tu vas aller me chercher sur 56. Ouais, 58 déjà, ce sera bien. Non, tu vas 56. Je te jure que tu peux le faire. Je mets une confiance aveugle en toi. Tu fais bien. Régus sub 1 minute. Oui, clairement. Ouais, c'est ça. Le Régus sub 1 minute, c'est vraiment l'objectif. En fait, je suis curieux de voir si... Les gens qui vont venir, enfin les viewers, tu vois, à savoir justement comment ils vont venir préparer et tout. Les années précédentes, à la Zilan, ils étaient pas impressionnants, honnêtement. Mais tu sais que je vais dire un truc, ça me tilte vraiment premier degré. De quoi? Mais le fait de pas être pris, bon ça c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Ah, c'est le hasard, etc. Ouais. C'est normal. Mais les gens qui ont la chance d'être pris, 1,4% de chance, ils donnent, j'ai pas l'impression qu'ils donnent vraiment les moyens. Ils y vont parce que... Bah moi je trouve ça bien. On a été pris. Moi je trouve ça bien parce que c'est le principe des LAN. Et c'est oui, quand même le principe des LAN. Et moi je me fais tailler de temps en temps et je suis en mode mais les gars vous êtes délusionnel parce que justement on met pas tous 800 heures sur la Zilan. Et c'est encore une fois trop bien qu'il y ait des gens qui se détruisent à la Zilan. Mais là, c'est parce que genre... Oui voilà, mais le plaisir aussi des LAN c'est quand même le délire de partager des moments entre potes. Et on a déjà eu genre un délire hyper e-sport etc. où...
Ou tout d'un coup, bah en fait, les LAN ça existe plus, soit t'es full challenger et tu vas pour compète. Tu vois, et genre, moi je trouve ça bien qu'il y ait encore ce côté où il y a des mecs qui vont, ils vont sûrement se faire éclater, mais ils vont peut-être kiffer aussi, tu vois. Et que ça soit pas juste, bon bah, qui a posé le plus de jours, tu vois. J'aime bien ce côté un peu casu, et je pense que c'est un truc que. Je pense que Zeref, qui lui fait ça aussi un peu, puisqu'il a été ce profil de joueur, tu vois. Mais c'est super bien que du coup, bon bah, il y a des mecs qui se butent la gueule. Qui soit là pour compete parce que ça fait du spectacle aussi quoi. Mais moi je suis pas fan du moment où le jeu vidéo c'est que une élite et rien d'autre et le côté fun de se déplacer. L'expérience de LAN en fait est trop bien pour la communauté en fait. Ouais, pour la vouloir que pour des gens qui justement passent 800 heures. Parce que toi t'as voulu le faire et t'as pas été pris, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. OK, ouais, mais ça je comprends que ça soit frustrant. Je comprends que ça soit frustrant de ouf aussi, tu vois. C'est clair que t'es en mode putain merde. C'est oui. En fait, je peux pas me dire autre chose que quand je vais sur un stream d'un viewer qui a été pris et que je vois qu'il rigole avec ses potes, il dit qu'ils vont pas lancer tel jeu, ça me tilte parce que je me dis que bah à sa place je me serais donné, j'aurais donné de mon temps pour l'event, tu vois ce que je veux dire? Ah c'est. T'es le coach mais de Sard quoi. On sent le. Non mais on sent non, le il y a un lien, vous êtes Mais non. Bah si, mais on sent que t'es un peu comme ça. Mais c'est pas un mal, faut juste le savoir. Je suis juste dans l'esprit tryhard, mais ouais, mais c'est pas forcément négatif. Quand t'es dedans et que t'as été touché entre guillemets. Oh là, j'ai pris trop. Oh, non, ça passe. Là si tu stab, ça peut le faire. Voilà, nickel. Difficile okay, mais ça passe quoi. Non mais t'as réussi à gérer ton atterrissage, c'était pas trop mal. Mais ouais, moi j'aime bien ce truc-là, tu vois. Moi ça me manque, bah, c'est comme ça qu'on faisait bah, avec Zera, les LAN, on allait à LAN de LOL où il y avait des tournois amateurs, etc. C'était le feu, tu vois. Et bon, là il y a eu Covid et tout, de toute façon, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins cette ambiance, tu vois, qui pourtant a fait un peu le truc, Hardcore Gamer, les grosses DreamHack. Les LAN en ce moment, c'est surtout des trucs, quand il y en a, c'est des trucs invitationnels. Ah ouais, bah non, mais là, de toute façon, après Covid et tout, ça a forcément. Bah oui, c'est sûr. Changé beaucoup de choses, mais. Pas mal. Oh, pas sous la minute. On avance petit à petit, mais on va le faire. En même temps, ton cut était vraiment nul là. Je te jure, là, t'avais un cut. Ouais, je sais, bah, j'ai mis du temps quoi à chaque fois. 48, tu fais un truc bien. Je te jure, tu peux faire vraiment des trucs sick sur cette map. Mais je voyais un message en mode je comprends le moment où les gens lancent pas les jeux. Après, c'est du temps. Hein. Enfin, tu vois, les streamers ils ont ce niveau aussi parce que les gars ils ont vraiment. Parce qu'ils ont le temps, ouais. Je sais pas, j'ai vraiment. Je suis curieux. Je suis vraiment trop curieux de savoir le nombre de trains, tu vois. Ouais. Zera, je sais pas si tu sais estimer ça, c'était encore là. Mais que vont avoir, tu vois, les très grosses teams pour justement la Zilan, tu vois, sur genre chaque joueur. Hein. Chaque joueur, tous les jeux confondus, combien il a, quoi, de trains. Déjà, sur Uplay, on peut voir les temps de Trackmania et de Trials. Ah, tu vois ça, putain, je voyais pas, moi. Ouais. Alors, en gros, ce que tu fais, c'est que quand t'es sur Uplay, t'as ta bibliothèque de jeux. Et t'as un petit onglet genre plus pour voir le jeu, et t'as mes informations de jeu, et là t'as toutes tes heures de jeu. Et tu. Un peu comme sur Steam quoi. Oh. Ça va être la zine avec le plus de niveau, c'est intrinsèque au jeu sélectionné cette année. Ouais, c'est ça, tu vois. Après les trials et tout, c'est des jeux aussi où t'es content que des mecs, tu vois, genre se tuent parce que c'est des jeux où il y a un tel skill cap. Hein. Parce que. Je suis déjà à plus de 200 heures perso. Mais largement, Kenz, non? Entre nous. Entre nous, là, on n'est pas beaucoup, là. Mais, on t'entend plus, tac. On t'entend de loin. Ah, allô. Oui. Ouais. Oui, donc, en gros, moi, je pense que la Zilan 2, avec, tu sais, tous les jeux, genre, Age of Empires, etc., c'est le vaisseau où les viewers devaient vraiment se dire, on y va pour le fun. Parce que t'as pas envie d'apprendre énormément de jeux quand tu vas pour le fun. Du coup, apprendre des jeux aussi techniques. C'est difficile, ton micro. Et même... Ah, pardon, attends, deux ans. Ça va. Remets un coup dedans. Je suis peut-être délu. Non, mais je pensais peut-être moi, je pensais plus. Hein. C'est peut-être Étoile quand il me dit les trucs, il est en mode. Il en rajoute. Ouais, allô? Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ok. Écoute, non, ça marche bien, mais pendant un petit moment, quoi. Ouais, c'est court terme, quoi. Ouais. Mais ouais, du coup. Genre, même les jeux comme Ghost Fit, etc., faut apprendre des maps, Trackmania, faut apprendre des maps, des trucs comme ça. Ça donne pas envie aux gens de train quand ils veulent y aller pour le fun. Alors que. Je vais dire un quel jeu par exemple pourrait être marrant pour des viewers. Worms par exemple, tu vois. Ah non, c'est marrant pour personne. Ah ouais. Il y a genre 4-5 mecs, genre Zera, peut-être 2-3 potes à Zera, tu vois. Mais non, c'est vraiment. Il y a personne qui se dit putain, genre trop cool. Va pas y avoir Trackmania, mais il y a Worms.
Genre personne se dit ça. J'avoue que vu comme ça, non, non. Je peux pas te contredire. Non, mais il y a plein d'autres jeux marrants, tu vois. Chien Zedin. Ouais, exactement. Tu peux perf. Non, après, oui, ça dépend, mais là, c'est vrai que c'est une édition. Mais moi, je kiffe bien les jeux, honnêtement. Moi, j'avoue que je kiffe bien. Cette année, ils ont l'air cool. Je suis en mode, je suis content, on va voir ce qu'on fait. On se cache pas que ça va être compliqué. Hein. D'ailleurs, après, test Valheim ou pas? Non, on va peut-être le faire vendredi, là. Je pense qu'on va faire okay. Quake et Valheim. Ok, ok. Ouais, ça passait, non, tu l'avais là. Ah, ça passait ça? Tu l'as... Oui, ça passait. Fallait juste que tu lâches un petit stab pour pas te prendre le rebord et ça passait tranquille. Boum. Boum. Et là, hop. C'est juste un cut qui va réussir là. Ah, j'ai pris 3 gauches. Ah, ok, je viens de comprendre un truc. Dis-moi. Respecte-moi. Dis-moi. En gros. Toi, ce que tu fais, c'est que tu au dernier moment, tu balances ta voiture un peu, j'ai l'impression. Ouais, j'en vois à gauche. Ouais, alors qu'en gros, faut vraiment que tu te positionnes avant. Genre, en mode... Genre, je vais faire à peu près ce que tu fais, toi. Tu fais genre, t'es là, et là, tu fais... Je bombarde à gauche et stab, et tu vois si ça passe, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ce que tu devrais faire, c'est plus te positionner direct comme ça, tu vois. En fait ? Genre... Ah, c'est plutôt de tout envoyer à gauche, je me positionne à gauche et je replace quoi. Et ensuite, ouais. Ouais, okay. Ouais. Parce qu'en fait, le fait de tout envoyer à gauche, tes roues gauches vont forcément atterrir avant et du coup, bah, tu vas 100% te retourner. Ouais. Après, souvent, comme tu le fais, tu te retournes mais t'arrives bien à continuer quand même. Mais ouais, c'est ça. Par contre, c'est une coïncidence ou pas qu'un modo s'appelle Popcorn ? Oui, oui. Ah merde, j'étais trois, je suis pas assez à gauche. En fait, ce que tu devrais faire, c'est aller le plus à droite du boost que tu peux avec ton angle. Ouais. Pour ensuite vraiment aller chercher la flèche blanche. Ouais, et avec ensuite, l'angle à gauche. Ouais. Oh là là, j'ai glissé. Bon, là, faut pas être... là, tu pouvais l'avoir full spin. Hein. En fait, vu que tu prends pas très bien le turn ici là. Ouais. T'as pas énormément de vitesse. Du coup, ça, tu peux, voilà, là, tu vois, là, tu peux, voilà, tu peux y aller. T'es pas obligé de drift. Ouais, ok, d'accord. Pas mal, ça, t'as déjà. Juste la peur de y aller, du coup tu lâches ton drift, mais t'es pas obligé. Voilà, là. Alors c'était peut-être un peu trop, mais. Ok, vas-y, c'était l'idée du truc quoi ? Non, vraiment, c'était vraiment un peu trop. Ouais, non, mais l'idée sinon c'était de faire droite-gauche. Oui, voilà, c'était vraiment d'aller vers la flèche blanche en partant de ta trage à droite. Ok. Je sais pas l'intérêt par exemple de qui, genre les viewers, du coup, si ça va. Ouais. Je suis curieux de savoir justement si ça va safe way et tout, parce que du coup, t'es quand même dans une poule. Si ça va safe way. Honnêtement, pense... pour connaître un peu les mecs qui jouent sur Trackmania, ouais. Il y a deux mecs qui ont déjà joué à Trackmania avant, sur les viewers. Ok. Et parce que tu connais les gens et tout, toi la... Bah, vu que je regarde des events, je connais un peu les noms. Ah, ouais, il y a eu les noms que t'as déjà vu sur Trackmania, quoi. Ouais, pas mal, ça, non. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, il y a deux mecs que j'ai déjà vus sur Trackmania, c'est Rosario et Justin Con. Ok. Et les autres, jamais vus, donc je pense que c'est de la découverte ou vraiment du dealer ouais, de du jeu, niveau. Solo, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça, je fais pas le donc, point. Bah oui, j'ai vraiment stalké tout le monde. En fait, j'ai fait un espèce de doc de repérage pour dire à. Et lui, il est prior qui va pas s'entraîner. Non, c'est pas ça. Et lui aussi. Non, mais je te jure, c'était pas ça. Alors que putain, y'a une Dylan. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. J'y allais pour dire à Tita qui avait déjà joué à TM, qui pouvait être problématique et tout. Putain, mais toi, t'es un coach full time là. Bah, je me suis donné, j'ai fait les petites playlists YouTube avec chaque tricks, avec mes inputs et tout. Non, je me suis donné. Putain, ouais, tu t'es buté pour eux, c'est trop cool. Ouais. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que j'aide, moi, ça me fait plaisir. Oh là là. Ah, dommage. Bon. Ah, c'est compliqué. Petite dernière map. Ok, laquelle on a pas fait, attends. Je sais pas. Bon, moi, j'ai compris un peu les différents trucs, quoi. Bah, Agu, une minute deux, quoi. Je pense qu'on peut repartir sur celle-ci. Honnêtement, parce que celle-là on l'a pas vraiment faite. Payer combien le coaching bah, l'amour. T'as pas un bac français l'amour. Si j'ai un bac français dans deux semaines. Putain, t'es à l'aise toi. Bah j'ai eu 15 au premier donc honnêtement celui-là j'ai eu un peu les mains dans les poches. Oh là là. Oh, cette phrase nous pousserait pas loin de te détester mais on le fait pas parce qu'on t'aime. Parce qu'on t'a imaginé vraiment avec un cocktail et des lunettes de soleil là en disant ça, du coup. du coup. on est ensemble.
On est en sport. Vas-y, montre-moi une urne. Vas-y. Avec ce que je t'ai appris sur le fragile, tu as montré ton niveau sur le bloc fragile. 6700 là. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, déjà là, je suis pas droit quand je fais ça. Oui, mais c'est pas grave. Okay. Tu perds pas beaucoup de temps, honnêtement. Voilà, ça c'est bien. Voilà le joueur, dommage. Un peu trop vite là, ouais. Boum. Aïe. Dommage. En vrai, ça aurait pu être pas mal si t'as. Mais celle-là, ouais. Là, tu me montres. T'as compris en vrai. Ça, non. Voilà, mais quel joueur sérieux. Là, tu l'as. On peut le faire plus. Donc là, tu prends vers le middle. Rappelle-toi, la ligne rouge. Ah, oui, c'est vrai. La ligne noire te donne l'angle pour faire le saut. T'as release là. Oui. Ouais, t'as release. Ouais, faut pas release. Ah, ouais, c'est punitif, hein. Vas-y, respawn. Non. Ah, attends, je vais refaire, comme ça je refais bien. Et... Ouais, ouais, j'avoue. Mais oui, c'est touche. Petite ligne grise. En fait, à chaque fois ici, je tape parce que c'est vrai que sur gazon, ça. Ouais, ouais, bah oui, le slide que tu fais, tu t'y attends pas. Alors. Nice. Ça tu l'as vraiment bien, ça je suis content. Putain, c'est le seul truc que j'ai appris là. Bah, c'est un truc assez important en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont bien le faire. T'as release ? Oh, tu déçois. Ouais, c'est pas grave, tu passes. Vas-y, tranquille. C'était une petite. Quand tu suis la ligne. Quand tu suis la ligne droite, noire, ouais. T'as vraiment ton. Ouais, ouais, non mais. Pour la suite. Moi, le full speed, ça me fait peur sur. Ici, là, tu peux lâcher un coup de release. Là. Voilà, pour bien avoir l'angle au milieu. Voilà, vas-y, continue, parfait. Ok, ouais. Voilà, le joueur français. Là, faut. Ce que j'allais dire, fais attention au mur. Vas-y, là, montre-moi ta fin. Comment tu fais ? Ah, comme tu dois ça. Vraiment full freiner. En fait, sur le boost rouge, tu dois full freiner. Tu t'arrêtes pas de freiner. Voilà, exactement. Oh, dommage. Et en gros, et après, il faut que tu ailles un peu haut pour viser la plateforme de gauche. Putain, pourtant, je freine. Ouais, vraiment pas que tu t'arrêtes de freiner. Ok, d'accord, un peu avant. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir réguler là du coup ? Honnêtement, ça c'est très bien. Putain, merde, là c'est trop, là je suis trop haut parce que du coup je tape. Ouais, bah oui, du coup, oui. Faut que non, en fait, genre là t'es trop monté. Tu dois vraiment faire le flip. Ouais, non, j'ai. Et vraiment freine comme un débile. Ouais, ok, on va faire autre chose. J'attends parce qu'en fait là, du coup, comme. J'allais dire faire le volit. Ça peut être ouais, c'est ça, toi. Et comme ça tu repars en. Ouais, en ouais. Grosse merde. Non, en joueur safe. Parce que là, même si je freine tout le long, tu vois, quoi qu'il arrive, je vais trop haut, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Bravo. Ouais, c'est ça en gros, non ? Ouais. Alors, en gros, je crois que t'as vu le repère pour le wheel it, c'est la dernière light sur le mur que tu dois taper. Vas-y, je te fais une run où je te montre la fin. Vas-y. Le simple, tu veux mais celle-là, je l'aime bien, tu vois. Déjà, on peut un peu plus rouler. Je la trouve c'est assez sûr. Sympa. Je fais le cut ou je fais comme toi ? Comme moi, je veux bien. Et tu freines ou pas sur gazon déjà ? Je sais plus où, faut non, juste non, release. Non, je release. Ouais, voilà, faut release, ok. Tu accélères en même temps. Ah oui, j'accélère en même temps, putain. Fallait ah juste. Bah oui, fallait... Ça... Ah oui, je suis con, c'est pour oui. Ça en fait. Ah, ici. Tous les joueurs wall it presque. Donc là vraiment, regarde, je suis la ligne noire qui va me donner un angle correct pour le saut. Je sais à peu près où sauter du coup. Putain. On aime. Là aussi je fais comme toi. Ouais. Ok. Montre les trucs de nul. Parce que les trucs de pro c'est impressionnant mais ensuite pour refaire. Ah ouais, hein. Ouais voilà c'est ça. Là vraiment. Et ensuite tu vas vraiment là-bas. Et là, hop, tu finis. Et tu fais, tu vois, tu peux faire un 1-4, c'est très correct, honnêtement. Et toi, pendant le training... Vous faites 15 secondes de moins, quand même. Genre, il y avait hier, bah du coup... Non, avant-hier. Ouais, non, hier, voilà, c'est hier. Il y avait plein de personnes sur le serveur round. Ouais. Et dont des joueurs, certains qui faisaient la Zilan, surtout des viewers. Ouais. Et les gens sur cette map faisaient entre une 5 et une 12. Genre, dis-toi que moi, quand je finis en 53-51, il y avait des gens qui arrivaient pas à finir. Ah ouais. Faut vraiment que tu arrives à régu ton truc, parce qu'il y a des mecs comme Wazil ou Gwen, par exemple. S'ils régu 50, vous allez avoir beaucoup de mal à terminer. Parce qu'il y a 30 secondes pour finir, donc...
Ouais, bah Gwen est en équipe avec Wuzil et Askens. Ah, je savais pas du tout. Après, Gwen traîne pas beaucoup, donc je sais pas ce qu'il va donner, mais ouais. Ah, je savais pas. Genre, s'il avait traîné TM, il serait WR sur toutes les maps, là, il a pas des lock 5, donc bon. Mais Gwen est trop fort, genre. Vas-y, là, la ligne noire, parfait. Nice. Non, c'est bien. C'est pas grave. Ça, c'est pas très grave, honnêtement. Ouais, en fait, vu que tu fais pas le cut ici. Ouais. Bah, tu t'en fous d'avoir une max speed de fou. Parce que là, voilà, toi, tu fais ça, tu safe. Parfait. Merde. Dommage. Ouais, non, l'idée dommage, était là. Ah, c'est mieux de prendre externe. Hein. Vas-y, donc là, tu tapes en gros la dernière light. Ah, c'était. Faut vraiment taper la light parce que là, du coup, t'auras pas la speed. Ah, mais. Voilà, du coup, ouais, vu que tu prends le mur avant, c'est compliqué de le faire. Oh là là, mais quel joueur! Je viens Carl me Junior, présenter! C'est toi, Carl Junior, le joueur professionnel? C'est 50-50. Parce que là. Ouais, parce que là, mec, ton niveau est incroyable. Moi, j'ai ma ragu, c'est bon. Alors, ça peut être une strat hein, de faire ça, de taper le mur exprès ici pour. Pour te faire une meilleure trage, si tu le sens. Ouais. À voir. Mais Theorycraft, toi, ça se voit. Hein. Ah, moi, c'est vraiment. Mais chaque data, chaque métrique, justement, qui va me permettre d'améliorer le run d'après, je prends. Mais t'es le frère de Skyar, comme ça? Il y a un lien de parenté. Petit cousin. Ah, ok. Ok, je me disais aussi. Petit cousin de Skyar, et moi, du coup, à Skip, je suis le frère de Sardoche, quoi. Ah, j'ai bien pris, là. Hein. Ouais, c'est pas. Oh, dommage, ouais, c'était ça. C'est très bien joué en vrai. Je sens que c'était pas mal. Oh, ça s'est bien pris ça. Attention, pas de mur. Voilà. Cette map, j'ai l'impression que tu l'as. Hein. Ouais, c'est ma meilleure, je crois. Mais j'aime bien la jouer aussi. Ok, vas-y, donne tout. Alors, du coup. Oh là là, mais. Mais qu'est-ce que j'ai à faire là? Qu'est-ce ah, que. C'est pas mal, non? Bah c'est vraiment très bien. Je sais pas, je suis en ambiance là-dessus. Bah là c'est juste top 1000 en fait. Ouais je sais pas, il y a un truc. Oh il y a Clara. Attends, on a Clara dans le chat, on a une petite craque. Elle a perdu tout à l'heure Clara. Clara c'est la championne de tennis junior mondial. Championne mondiale de tennis junior. Tennis manager là. C'est ça. Et, ah j'ai vu oui. Et du coup, et là elle faisait un tournoi à Strasbourg pour préparer Roland-Garros. Et elle a passé le premier tour, elle a 20 ans, en fait elle était blessée juste après qu'elle gagne le championnat mondial de tennis junior. Putain, je mets les mots dans le mauvais sens. Et en fait elle s'est fait un an de blessure, donc c'est chiant quand t'es pro quoi. Et elle est revenue en faisant troisième tour à Roland l'an dernier, donc c'est la boss tu vois, elle vient d'avoir 20 ans et tout. Et là elle se préparait donc à Strasbourg, elle est numéro 134 mondial je crois. Et boum, premier tour, elle fait quoi? Elle sort la 80e mondiale. Et là, elle joue à la 34e mondiale, tu vois. Donc, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Parce que ouais, je suis en train de parler, mais c'est pas grave, c'est passé. Ah, mais ça passe. Et on suivait. Vraiment, si tu passes, c'est déjà bien. On suivait tout à l'heure et elle a perdu finalement 6-3, 6-4. Mais bon, dommage. Ça reste bien là. Elle fait un petit tour, elle se met en confiance pour Roland. T'arrêtes la craque du tennis, quoi. Et du coup, j'ai l'impression maintenant, elle passe tous les jours sur le stream. Elle fait sa vie en après-match. On est ensemble. Non, mais j'avoue que. C'est là, montement du niveau. Là, je vais avoir du niveau. Mais mec, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es devenu trop fort? Ah dommage, là, par contre le turtle ça va être compliqué. Oh, mais non. Yeah. Oh là là. Yeah. Franchement, cette map, tu l'as. Ouais, cette map elle est bien, j'aime bien celle-là. Mais tu vois, j'aime bien les maps un peu où, bon. Je sais pas, y a pas trop de... Y a pas de cut. C'est un peu c'est de la tech, quoi. Bah, c'est pour ça que tes maps préférées, c'est celle-là et la map avec le gratte-ciel du tout début, quoi. Ouais, un peu, je crois. Bah après bon, c'est vrai que pour le coup j'ai quand même très peu joué donc ça. C'est pour ça, non, mais en fait c'est pour ça aussi que je suis pas non plus en full, t'es genre. En fait je sais que j'ai envie de la traîner un peu et d'y jouer parce que je kiffe Trackmania, mais encore une fois en fait, je pense que je vais être le meilleur du trio. Quoique Xari est bon à Trackmania, Xari est rapidement bon au jeu de base. Xari il a gagné le The Event. Hein. Après je sais pas ce que donne son niveau vraiment, mais. J'ai eu fragile. Ouais, mais. Tu dois prendre extérieur. Du coup là tu dois prendre extérieur. Extérieur? Ouais. Ah merde. Non, c'était intérieur. Ouais, je sais, mais en fait, j'ai voulu envoyer. On pense que l'extérieur. Là, du coup? Ouais, mais tu risques pas, hein. Et. T'as pas peur. J'ai eu là, peur. Là. Bon, ok.
En fait, j'ai trop de mal à avoir gardé des trajectoires. Genre Trackmania, tu vois, genre les trajectoires, tu sais, genre où faut juste. Tu sais, mettre des petits à-coups. J'ai trop de mal parce que. Boum, regarde, rebond. Dommage. Pas loin, t'as trop de sensi. C'est toi, t'es un joueur freestyle un peu. Non, mais du coup, c'est pour ça aussi, tu vois, c'est que j'ai envie de faire des bons trucs, mais je sais que ça va être entre guillemets de la perte de temps si je commence à être en mode ok, trop bien, bah je suis premier des poules, mais ça servait à rien puisque peut-être que Gigi va être un peu moins insane ou autre, quoi, tu vois. Oui, du coup, vous allez vraiment pour le fun et tout. Bah non, non, de base, nous on a toujours perf, on a toujours réussi à faire des trucs quand même. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a eu. En fait, il y a eu un petit quart de finale, quoi. Ouais, non, mais attends, on est sorti invaincu quand même. Hein. Mais non, Gigi, il va lancer. Il a lancé, je crois, un peu de Trackmania déjà. Mais c'est vrai que le format fait que. En fait, c'est un peu le pire qui doit train plus qu'autre chose. Et à côté, non, nous on aime bien savoir le moment où tu peux briller un peu, quoi. Là, les jeux, c'est pas simple, tu vois. On avait eu genre PUBG où t'en avais fait deuxième et tout. Et même en termes de sensations, c'est la folie, gros. Genre même machin, vous avez fait. Vous avez été. Ah, on avait gagné, on a fait deuxième. C'était ouais. Incroyable, gros. C'était les meilleures sensations. C'est ça que je te dis, tu vois, du côté LAN où vraiment tu peux te. Plus là, le format, il prêtait un peu le délire. Ah, là, j'ai touché, là. Non, justement, t'as pas touché, t'es très bien. Et en plus, vous aviez. J'avais l'impression que c'était. Pourquoi vous aviez en plus le truc de la surprise de faire premier aussi. Dans quoi? Ah, ouais, bah, c'est ça, ouais, donc c'est ça. Ah bah c'est encore parce qu'en mieux fait, quand... Il y avait des moments, des kinis, des trucs... Pardon ? Bah d'accord, excuse-moi. Ça va, t'aimes bien le skate, toi ? Ouais, non, j'étais repassé, mais... Battle Ride, il y a de quoi briller. Battle Ride, je pense que ça peut être pas mal. C'est pour ça qu'on a pas mal train Battle Ride, tu vois, juste pour comprendre un peu et tout. Après, en fait, quoi qu'il arrive, ça dépend grave de ta poule et des gens qu'il va y avoir dedans, tu vois, donc... Bah, votre problème, vous, c'est que je pense que Zera va pas très bien vous seeder. Bah, je pense qu'on va être seed 2 des streamers, quoi, ou seed... Ouais, il y a moyen. Deux ou trois, je pense. Et du coup, vous allez forcément tomber avec une équipe vraiment, vraiment forte. Ouais. Et du coup, la première place, bah, je pense que c'est un peu compliqué. Et il faut aller chercher la deuxième. Pas trois. Zera, si t'es encore là, nous mets pas trois. On a été invaincus, on a fait quart de finale. Il y a un historique. Hein. C'est vrai. On respecte. Non, trois, c'est pas bien. Si Zera est encore là, je soumets une idée pour les seedings. Bah, pas pour cette année, du coup, parce que je pense que c'est déjà scellé. Mais vu que les viewers, personne ne connaît leur niveau, je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire une ou deux semaines avant la LAN des matchs d'entraînement. Le calife, toi tu veux tes califs où il y a que des cracks qui participent, on a compris, tac. Je dis non à ce lobby du tryhard. Vive les casus qui vont venir se faire péter le cul, on en a besoin nous aussi. C'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit, il y a le tirage au sort, et les personnes tirées au sort, plus se rencontrent dans un BO13 qui aura lieu durant deux nuits, un marathon. Celui qui craque n'a pas le droit de participer à la Zilan parce qu'il ne mérite pas. Et c'est moi qui remplace le perdant. Voilà, bah c'est. Et du coup, tout le monde ferait des matchs et ça seederait les gens pour qu'ils décident équilibrés. Oui, parce non, que là, en soi, Zeral, il va se baser sur quoi sur les seeds. Ouais, non, c'est pas il mal. Il va se baser sur l'expérience des joueurs et du coup, les viewers vont avoir des seeds de merde. Voilà, oui, il peut y avoir des surprises. Quoi. Ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Je pense que. Je pense que s'il y a des matchs de seeding une semaine à l'avance, parce que ça laisse le temps à tout le monde de train, ça peut faire des trucs cool et des beaux matchs en poule. Parce que là, je pense que la plupart, ça va être des no-matchs, quoi. Ou alors des viewers déçus d'avoir train et de se faire éclater parce qu'ils sont juste mal seedés par le random, quoi. Donc bon. Ouais, c'était mon idée. Non, mais t'as... Mieux, ça reste le tirage au sort. En fait, tout dépend, parce que... En fait, c'est juste que c'est difficile, mais la Zilan, c'est un peu ça. C'est aussi une part d'aléatoire... Mais où... Regardez le système de tirage au sort, je trouve que c'est bien, ça donne des opportunités à des gens. Mais c'est juste, c'est vrai que bon bah pour les Kenny, Sky, etc., si tu tombes sur les deux teams de viewers qui ont full train, t'es là, t'es... T'es en mode, bah salut les gars, on est out premier tour alors qu'on a passé 800 heures sur les jeux. Stylé. Alors que vraiment, un système de seeding, ça pourrait équilibrer les poules, rendre des matchs plus intéressants. Ouais. Parce que les poules, honnêtement, on va regarder pour savoir qui va passer, mais il va pas y avoir de match très intéressant. Si, ça va être insane. Moi, je sais que du côté Team Pack, je pense que ça sera vraiment le cœur de la Zilan, quoi. Je pense qu'après les poules, déjà, on va proposer encore du très bon contenu, hein, mais vraiment, les poules, ça va quand même être pour nous l'élément clé, quoi. Hein, c'est... Bah, pour les poules, je pense que je vais regarder vous ou Ponce, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que vous allez faire en poules. C'est un peu ça aussi le but des poules, c'est de voir quelle équipe peut perdre, quelle équipe peut faire quoi. Parce qu'on sait que des équipes comme Étoile, Kenny et tout, ils vont passer. Ouais, mais il y a toujours, ouais, c'est vrai. Parce que je sais même pas combien il y a d'équipes de streamers. Il y en a bah 48, pas du tout.
Il y a moitié viewer, moitié... C'est 32, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah, je suis trop à gauche, là. Ah, droite, pardon. Ouais, mais il faut safe. Ah, dommage. J'aurais pu faire mieux. Honnêtement, je trouve que ta régu sur cette map est très correcte pour ton niveau. Ouais, c'est pas mal, hein, j'avoue, j'aime bien. Hein. Et on se fait une petite dernière map, là. Une petite dernière. Allez, tu veux passer sur laquelle? Alors, Max, merci pour le prime. On n'a pas encore joué, c'est-à-dire la toute dernière, qui est avec le poteau qui est un peu compliqué, ou celle avec toute la glace et tout. Ah, j'aimais bien le truc avec le poteau. Le truc avec le poteau. Celle dans le, ouais, le conduit là. Oui. Ça, j'aimais bien. Bah, vas-y, je te laisse appuyer sur la touche F1 de ton clavier. Let's go. Du coup, après, tu vas partir sur une petite session de trials? Je sais pas, peut-être pas. Non, parce que je voulais faire un peu des deux au final, mais là, Trackmania, je kiffe bien. Puis même avec toi, c'est sympa. On papote. Trackmania est le meilleur jeu du monde. Trackmania, j'aime beaucoup, moi. Je trouve que c'est un. D'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat qui veulent essayer le jeu, il y a une version totalement gratuite où vous pouvez jouer toute la campagne solo, plus faire des ranked. Donc, ça, c'est très cool. Et si vous voulez, du coup, jouer les maps de Serator, etc., c'est 10€ par an. Boum. Voilà. S'il y a des gens qui sont chauds de commencer le jeu. Vas-y, je te spec. Montre-moi ton niveau incroyable. Voilà. Ok, franchement... Il y a une base. Non, déjà, est-ce que t'as compris comment marchait la mécanique ici? Bah, je sais pas. En gros, quand le ventre de ta voiture est vers le haut, ouais. Tu mets ton joystick vers la gauche pour arrêter la rotation de tes roues et que tu prennes bien la descente du truc. Attends, tu m'en expliqueras parce que... Ouais, t'inquiète, je te laisse y aller. Truc. Ouais. C'est là où les poteaux TM2 ronds me manquent. Ouais, c'était mieux, je trouvais. Hein. Je les trouvais cool, les poteaux ronds. Il y avait un truc assez sympa où tu pouvais toujours te rattraper et tout. Oui, c'est... moi, je les trouvais vraiment agréable à jouer. Moi, j'aimais bien les poteaux, je me souviens. C'était pour la... Ah, là, faut pas release, là, c'est ça? Si. Honnêtement, ça dépend. Tu veux direct sauter dans la rive ou tu veux faire safe, là, comme ça? Je sais pas ce qui est le... Ok, je te montrerai. Tu vas me montrer, de toute façon, je pense. Ouais. Je prends une plus large, là, non? Mais bah non, honnêtement, si tu veux safe, tu fais ce que tu viens de faire. Ouais, mais bah pour voir... Vas-y, je te montre une. Vas-y, monte. Donc déjà, le début, en gros, ici, tu dois vraiment, quand t'es en l'air, tu appuies sur ta touche gauche. Voilà, tu vois, ma voiture, putain, ça a full bugué, ça a full bugué avec le mode spec. Ok, donc regarde. Donc en haut, regarde, ma voiture s'arrête de tourner quand je fais gauche en l'air. Je sais pas si tu vois. Ok, d'accord, ouais, très bien. Donc en gros, quand tu prends, tu le prends très tôt, toi, quand même. Oui, c'est parce que je gride. Regarde, si je prends ça, je ferais vraiment un truc comme ça. Ok, donc roue à gauche. Et je release dès que je sens que je suis bien. Ok. Donc là. Et t'accélères plus en l'air. Que quand je retouche le sol. Ok. Donc là, hop. Bon, là, ça, honnêtement, je sais pas quoi dire comment le save. Ouais, on est d'accord, faut juste bien se lancer avant, un peu la même mécanique qu'avant, ou tu te jettes, ouais. Quoi. Oh mince, c'était pas trop mal sinon. Et en gros, la fin. Alors, il y a deux fins que tu peux faire. Soit tu fais ce que tu fais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, t'arrives là, tu lâches un coup de release, tu réaccélères, là, tu lâches un coup de release, tu réaccélères, et tu finis là comme ça, et tu fais le tour. Comment tu perfectes? Et là, tu te fais un drift, et ensuite, tu peux aller finir. Refait. Oh, et si tu vas chercher le drift, redrift, et ensuite. Ah, c'est double drift du coup. Ouais. Okay. Mais vraiment très bien les faire. Donc ça, je pense que ça va être un peu compliqué pour toi. Vraiment un truc comme ça, et là ensuite tu pourras... Technique, ok. Mais je pense que le truc du double release où tu ensuite fais le tour de l'arrivée, ça sera le mieux. Vas-y, je te spec. Merde. Ah mais... Tu mets tes roues, attends, dans la gauche de la caisse ou dans ton joystick gauche? En fait, tu peux arrêter la rotation de ta voiture en faisant ça. Tu vois, là ta voiture elle a arrêté de rotationner. Mais faut attendre qu'elle soit bien placée. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors là tu vois, c'est pas trop mal. Tu vas toucher. Ah, dommage. Faut que je fasse un peu plus. Ok, d'accord. Merde, pas mal. C'est où, ça? Nice. Oh, bah. Mais en vrai, je pense que tu vas le comprendre.
quand t'es en l'air, tu vois, là, quand tu voyais que tu passais, tu peux full release, je pense. Ah, ok, donc, d'accord. Pas mal. Ouais, de toute façon, ça, c'est un truc, faut le bouffer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Cette map, honnêtement, il n'y a pas de secret, faut juste la jouer. Les autres maps, peut y avoir des petits tricks et tout, celle-là, c'est genre le poteau pour t'y habituer, c'est. Il n'y a pas de vrai tricks, faut le jouer. Genre, tu vois, ça, je pense que c'est. Non. Ah, ok. Respawn. Pourquoi ? Je vais te montrer un truc, je peux te refaire ta journée, là. Ah ouais, putain, j'étais pas mal, là. Vas-y. En gros, va sur le poteau et refais exactement ce que t'as fait. C'est-à-dire que Merde. Tu bloques tes roues gauche. Oh bah attends, j'arrive plus là, gros. Appuie deux fois sur ta touche de respawn. Ah ouais, parfait. Voilà. Ok. Donc tu vas refaire ce que t'as fait, c'est-à-dire que tu bloques tes roues gauche dans le vide. Les deux roues gauche. Les deux roues. Genre là sur la gauche ou après ? Non, sur la poutre d'après. Genre celle qui va à droite là. Et là, tes deux roues gauche, tu les mets dans le vide. Donc ça va t'arriver souvent. Et là, ouais. Ce que tu fais, c'est juste que tu avances tout droit parce que regarde, devant toi, t'as une poutre qui rentre dans l'autre et ça va te remonter tout seul. Ah putain, ok. Et donc, oh bah incroyable, je me faisais chier à chaque fois, moi. Bah oui, parce que t'essayais de remonter par toi-même et du coup, t'as une chance de tomber et de faire de la merde. Ah ouais, alors, ouais, t'es là, obligé de contrebalancer, c'est l'horreur. Ah, ok, là, d'accord. Alors que là, c'est beaucoup mieux quand tu fais ah, ça. Ah, le feu. Donc si tu failles le poteau, t'as toujours ça, genre si t'as les roues dans le vide. Donc c'est très. C'est pas mal ça. Ok. Et je pense que pour safe le poteau, faut carrément faire ça, quoi. Faut faire exprès. Ouais, roue dans le vide. Parce que tu vas perdre quoi? Tu vas perdre 2 secondes. Oh, très bien pris ça. Tu vas perdre 2 secondes sur un mec qui va très bien le faire. Mais honnêtement, t'auras safe et tu seras très content. Ouais. Oh, 1 seconde 2 là. Oh, il doit venir sur les poteaux. Oh, j'ai mis un coup de stick, mon frère. Il faisait pas plaisir, lui. Oh là. Oh là, t'es bien passé, bien joué. Honnêtement, à chaque turn de poteau, release. Oh, t'as eu la chance là. T'aurais pu tomber. Et bien joué. Non, mais je pense que les poteaux, j'ai moyen d'être fort. J'étais fort sur les cylindres ouais. Avant, mais. Là, si tu réussis du premier coup, tu fais un temps pas trop mal, je pense. Là, double release. Oh, c'est terrible. Ouais, non, là, tu passes. Ouais. Bien joué. Et là, je t'explique, mais tu viens juste de battre Ponce. Hein? Ponce, mais non, Ponce. 55. Mais Ponce, il finit direct à la fin. Ponce, il fait non. Le grand saut. Mais il est en 55, on dit dans le chat. Donc t'as battu Ponce. Mais non, Ponce, il fait le grand saut. Bah, ça se trouve, il a juste des poteaux nuls. Ah là, on me dit que si. Ah, peut-être 45. Bah, voilà aussi les infos de chat. Ah, bah, on ouais, me dit 55. Ouais, Ponce, je l'ai vu tryhard une après-midi. Je pense pas qu'il fait 55, quoi, tu vois. Donc. Attends, mais on me dit 55 aussi. Comment je peux pas y croire? Moi, je crois au chat. Ah, j'ai carrément. De toute façon, 45, tu vas faire 43. Hein. Carrément tu es bien meilleur. Freiné, là. Créer de la compétition avec Pompon. Bah, il faut un objectif. Là, les roues dans le vide, c'est pas grave parce que là, tu peux te remettre. Voilà, nickel. Ah, dommage que tu retombes dans le vide, mais ouais. À chaque fois. Non, mais bon, là, 3 fois même. Ça m'a créé un certain confort. Ah mais c'est vrai que mais Ponce il a vraiment step up, il se la donne hein, sur J'ai vu qu'il s'est buté sur Track ouais. Mais ça t'avait trop blessé parce que Ponce il fait quoi ah, non. Entre 10 000 et 15 000 viewers sur Trackmania. Ouais. Il y a tellement de personnes qui ont dû DL le jeu. ça met trop bien les fans du je jeu. Je te jure que ça met trop bien les gens qui DL Trackmania. Ouais, non, mais Trackmania, c'est un bon jeu en plus. Hein. Bon, ils ont tenté leur nouveau système un peu chelou, là, mais. Après, ils ont quand même merde. Donné l'accès à la campagne et aux ranked pour les joueurs gratuits. Ouais, non, mais c'est juste que mal. Ça complique un peu, tu sais, là. Oh là là, mais Domingo. Mais en vrai, t'es un joueur. Ça, c'était sympa, toi. Ça. Ah, c'était très sympa. Non, je ne suis pas du tout sponsor. Hein. C'est vraiment juste l'amour c'est, du c'est jeu. Le cœur de, c'est le jeu de son cœur. Ah bah clairement. Oh j'ai fait trop tard. J'ai voulu y aller en cowboy, tu vois, où en fait faut le faire plus tôt. Et ouais, si tu le fais plus tôt, ouais, tu peux envoyer ouais. La caisse. Tu peux, ouais. Alors envoie pas trop non plus, hein, parce qu'après ça peut partir en sucette, mais ouais. Merde. Mais ça, tu peux faire quand même pas mal, hein. Tu peux faire assez vite hein, quand t'as compris le système, hein, je pense. Ouais, mais là tu vas légèrement trop vite. Ouais, non mais oui, là je fais le cowboy, là, mais... Tu fais le fou. Mais par contre, faut le faire avant, ça c'est trop bizarre. Ouais, ouais. Là. Attends, vraiment que tes roues, elles clip, ouais, voilà, un truc du genre. De roue dans le vide, pas grave. Voilà, nickel. Là, en fait, à chaque fois que tu tournes sur les poteaux, lâche un coup de release. Ouais, ok. Peut-être t'es sûr.
Oui, je stream, mais pas là. Enfin, je stream rarement, ouais. Ça t'a jamais donné envie? Surtout... quand j'ai... Parce que du coup, t'organises des cups, mais personne les commente et tout? Si, mais en gros, il y a des commentaires, des commentateurs sur Trackmania. C'est genre, c'est leur truc, tu vois. Mais... Ça, ça aurait pu donner envie, quoi. Ouais, bah, j'aime bien stream quand je suis avec Sard ou Tita ou Nico, tu vois, mais... Mais pas plus, quoi. Déjà... Ouais, voilà. Bah, quand j'aurai un micro, pourquoi pas, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est... ça aide pas. Enfin, ça va, on t'entend, c'est juste que parfois, c'est bizarre, ça bug. Ouais, mais sur mon stream aussi, du coup, c'est pour ça que je pense que... Bah, dès que j'aurai mon anif, donc dans 3 mois, ça part sur juste un micro et... Demande à Sard un petit micro pour le coaching, là. Non, non, Sard, il m'a déjà donné un truc pour le coaching. Ah. Ouais, je peux pas dévoiler, mais... Qu'est-ce que je l'aime, sérieux. Oh. Belle. Putain, non, je... Oh. Je fais pas le truc à gauche. Si, tu fais. Tu fais sans le temps rendre compte. Ok. Mais du coup, peut-être que je release pas. Parce que honnêtement, si tu fais le barrel là comme ça, mais que tu ne touches pas à tes joysticks, ta voiture va juste tourner à l'infini en fait. Ok. Et du coup là, j'arrive plus quoi. Ouais. Honnêtement, attends, est-ce que je peux te donner un repère sur le mur? Parce que je le fais trop. Bah, attends, y a pas un repère sur le mur. Ah, du coup, j'ai tourné là. Je crois que je comprends déjà ton petit problème, c'est que tu vas mettre un coup à droite en restant au milieu de tout le temps. Regarde, vas-y, fais-le comme tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, ah, je vais à droite à la fin, mais souvent je mets des à-coups à la fin, moi. Bah oui, et en fait, si tu mets ton à-coups à droite à la fin, bah ta voiture va encore plus partir en n'importe quoi. Alors, tu vois, là c'est déjà un peu mieux, mais. Ah. Ouais, faut juste être serein de sa trage, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça que limite tu peux mettre un coup à droite dès le début, hein. Ouais, voilà, un truc comme ça. Tommy, on voit le voilà, micro. C'était un peu bas, mais c'est ça. Je serais chaud, moi. Non. Après, bande de bâtards, c'est pas le même coaching, hein, au passage, hein, mais. T'as senti l'appel du pied. Non, déjà, là, je leur ai fait une petite commande, là, pour envoyer un pote streamer le micro. Bande de forceurs. Là. Oui. Let's go. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'était vraiment sick. Vas-y, là, ça part juste sur un PB. Humble. Ouais, là faut être humble. Oh mec, t'es tellement humble, t'es tellement fort. Ok, let's go. Je parle plus, concentre-toi. C'est compliqué. Oh, je force, hein. Ouais, un peu. Ah, j'ai forcé de ouf là. Mais. Ah, j'ai forcé. T'es passé. De ouf. Non, mais tu vois, tu fais ça à la LAN. En vrai, t'es content de toi. Ouais. Ouais, du coup, je suis curieux de comprendre comment. Bah, juste là, j'ai un petit double release. Ah mais la trajectoire que j'ai est dégueulasse quoi. Et tu t'en fous? Le seul but c'est de passer honnêtement. Ouais. On est là pour la régu hein. C'est vrai qu'on est là pour la régu ouais. Mmh. Pas mal ça. Ouais ça passe. Honnêtement, pas insane mais... Honnêtement tant que tu passeras smooth, tu peux t'estimer heureux. Ouais. J'ai fait tellement tard. Ouais, t'as voulu green un peu, ça se voit. Ouais. Oh, mais ça, tu commences à l'avoir. Là, c'est la troisième fois d'affilée que tu l'as. Ah, mais à chaque fois, par contre, du coup, faut limite que je sois en caméra 1, quoi. Ouais, tu peux. Ok, ça donne envie de gerber. Ouais. Honnêtement, juste ce que tu fais, c'est que tu... D'ailleurs, est-ce que tu préfères cette caméra 3 là ou l'ancienne? J'aime préférer quand c'était un peu plus loin, moi. Donc, oui, donc, quand tu vois pas le nez de ta voiture. Ouais, je crois, je sais plus. Ouais, alors en gros, vas-y, finis ta run et je vais te donner un petit. Ouais, après, maintenant je suis habitué. Hein. Ah, t'es habitué à ça? Bah, laissons. Alors, ce que tu peux faire par contre, c'est que tu peux mettre le nez de ta voiture, mais en transparent. Pour que tu vois quand même la route. Ça peut être aussi pas mal. Allez, let's go. Let's go, PA. Là, c'est le sub 50 là. Oh non. Oh non. En fait, j'ai voulu juste faire le release parfait pour jump, mais c'était pas passé, c'était pas passé. C'est dommage. Non, mais les gens, ils ont pas de bon temps sur cette map, parce que si je suis top 500... La map est sortie il y a pas longtemps, quoi. Ah, c'est pour ça, ok, d'accord.
Ah, ok, donc je donc, connais pas l'ordre. Donc là, tu vas. Ouais, va dans tes options, du coup. Ouais. Tu vas dans interface. Ouais. Et t'as un truc qui s'appelle visibilité du joueur pour la vue du cockpit. Ouais. Et mets transparent. Et je pense que tu peux aimer. Je comprends pas. De quoi ? La diff. Mais parce que t'as pas accepté. Mais non, mais je parle de... C'est pour la caméra 3, ça. C'est pour, enfin, la vue première personne, quoi. Ok. Ah non, moi, je pensais... Okay. C'est là, du coup, c'est en transparent, ouais, comme ça, tu vois un peu mieux la route. Tout à fait. Moi, je pensais... Voilà, je te voyais faire des gauches, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Le nez de la voiture, moi. Je traînais de voiture, moi, voilà. C'est mon truc, ça. Mais non, mais j'avais l'impression qu'avant, sur la caméra loin, là, ouais, bah t'étais un peu plus loin. La caméra avant, elle est dans le nez de la voiture. Mais si tu veux, tu peux la mettre comme l'ancienne. Oh non. Ouais, j'avais l'impression qu'avant, t'étais un peu plus loin. Bah, en fait, là, la caméra, elle est vraiment dans la vue du pilote. Alors qu'avant, elle était limite vraiment sur le nez de la voiture. Enfin, t'avais l'impression d'être sur le nez de la voiture. Merde. Oh là là. Oh, ce run. L'angle exactement le même. Non, mais après, bon, j'ai pas non plus... J'ai un peu joué quand même à Trackmania, mais... Tu m'as pas mis en transparent. Mais en vrai, je me mets jamais en caméra 3, du coup, parce que je pensais que... En fait, je pensais que 1, c'était 3. Coup dur. Quand je dis caméra 3, c'est pour, première personne. Oh, ouais, non, bien sûr, non, mais t'inquiète, non, c'est moi qui ne connais c'est, pas. C'est nous deux. J'aurais dû mieux m'exprimer, j'aurais dû dire vue première personne. Mec, mais y'a aucun souci, en fait. Non, mais... Ouais, non, parce que toi, tu pensais que je parlais de la vue pilote, mais y'a... Mec, mais c'est bah juste... ouais, c'est... Non, mais tranquille. Mec, c'est NP, quoi, vraiment. Non, mais pas grave, mec. Mais c'est vrai qu'en fait, les poteaux, là, ça te donne quand même envie d'y aller en pleine balle, quoi. Ah ouais, t'as envie. Mais honnêtement... il faut pas, quoi. Comme tu le fais, honnêtement, c'est pas trop mal. Hop, dans le vide, pas un problème. Oh là, je... Un problème. Ah ouais, un problème, là. Ah là, il y avait eu un problème, quand même. Un problème, quand même. Ouh, le joueur ? Mais quelle vélocité ! C'est pas mal, ça, non ? Tu fais combien, toi ? Tu fais 6.2, truc comme ça ? Ouais, voilà, 6.1. Oh, à chier. Hein. Là, par contre, là, ici, t'as un problème, ouais. Oh, quoique. En vrai, tu t'es bien rattrapé. Ah, mais le cul, à chaque fois, il tape, en fait. Oui, ouais, du coup, essaye de mettre un mini coup à droite. Ouais, faut mettre un petit. Merde. Ouais. Faut contrebalancer. Honnêtement, cette map, je t'explique. Si tu passes le poteau de la première fois, même pas besoin de grid, rien, juste passer du premier coup sans respawn rien, t'es vraiment très très bien comparé aux autres. Ouais, tu m'étonnes. Parce que je pense que. Après, nous, on est des joueurs de LAN, nous, ça va. Ah, ça va, bon, bah tu tiens la pression, quoi. Hop, t'arrives pleine balle. En parlant de LAN, je sais pas pourquoi d'un coup il y a des vidéos Zerator PXL qui ont été dans les recommandations de tout le monde. Ah, à l'ancienne, putain. Bref, ouais. J'ai fait une PXL là ? Ouais, c'est ça, ouais. Je t'avais déjà vu il y a longtemps, mais là elle est revenue dans les recommandations. Comment je fais du coup ? Je dois juste release là pour. Non, ici, non ? Ah, tu parles de la fin ? Ouais, oui, le cut. Oui. Ouais. Ah, le cut ? Pour aller direct dedans, faut que tu lâches double drift, mais c'est très compliqué. Oh. Alors, tu peux aussi le faire sans drift, mais je pense que en gros, tu dois lâcher un très gros release sur le premier turn. Ouais. Et le deuxième, tu essaies d'avoir une très bonne trash full speed. C'est tout droit. C'est quoi ? Vas-y, fais une ou deux runs. Je vais essayer moi-même de le faire pour voir si je peux te donner un truc. Parce que cette map, du coup, j'ai pas encore bossé les safe strats pour Tita. D'ailleurs, faut que je m'y mette. Commence. Ouais, je finis la map glace. Oh, je suis un chien. J'ai voulu partir en full speed. C'était pas mal, ça, les poteaux, là. Je l'ai pas vu, désolé. Oh, t'inquiète. Y a juste aucun souci, en fait. My bad. Ça va être dur. Alors, du coup, en gros, je pense que tu peux limite faire un truc comme ça. Ah, tu peux faire un truc comme ça. 49.5, hein. T'as fait 49.5 là ? C'est pas mal. On discute. Spec-moi deux secondes. Ouais, vas-y. Dis-moi quand t'es sur moi. C'est bon. Ok. Genre en mode, ici tu lâches vraiment un gros release. Là, regarde. Et là, je reprends l'accélérateur pour avoir une trage. Et regarde, ça passe. Et là, tu lâches. Hop, là, je reprends. Et hop, tu vois. Ah ouais, parce que ça fait gagner 3 secondes ça.
Ouais, regarde, là, gros release. Et là, quand je sens que j'ai une trage, je prends l'accélérateur. Et je passe. Ah ouais, ça passe clean, en fait. C'est quoi, c'est gros release, là, tu lâches. Gros release, et là, je reprends. Et là, je vais bien à gauche. Tu reprends juste avant le truc noir. En fait, je reprends ici, genre. Regarde, release, 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 et je reprends là. Genre, vraiment... Attends, release, 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 là, je reprends. Ok, donc release avant, et tu reprends après. Attends, est-ce que je peux te donner un repère, peut-être? Release. Ouais, en fait, quand j'arrive ici. Ok, d'accord. Je vais te dire, regarde, là où genre, je vais mettre mes roues arrière. Genre ici. Là, tu releases. Non, là, ici, je reprends. Justement, c'est vers là où je reprends. Ah, ok. Et je release juste avant. Ok. Donc voilà, je te le refais une dernière fois. Donc, release, reprends. Ok, d'accord. Oh là, j'avais trop de speed. Attends. Release. Ok, ça me va. Reprends. Et là, bam. Et bam, ça me va. Enfin. Vas-y, je t'explique. Je suis 483ème, quoi. On est vraiment en chasse aux places, là. Au niveau de l'ombre, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Au niveau de l'ombre, ah ouais, peut-être. Pas mal, ça. 6.6. J'ai une seconde de qualité, là. Après, j'avais fait un... J'avais fait un putain de poteau tout à l'heure. Ah, là, il y a un truc. Ah, j'ai voulu... Ouais, t'as voulu grid la sortie, j'ai En fait, j'ai voulu contrebalancer le fait que mon cul allait taper, quoi. En fait, tu dois le contrebalancer au moment où t'es... Oh, c'est parfait, ça. Ouh. Putain, mais en fait, je suis trop con. Au moment où tes roues reviennent déjà, en fait. Ouais. Si tu le fais avant, bah, ça passera pas. Pas de cut poteau. Y'a des cuts ? Tout droit là ? Au milieu, ouais, au milieu il y a un saut pour passer, mais c'est déjà un peu random et en plus c'est pas si rapide que ça, donc non. Ok. Voilà, je grade là. Ouais, la réception est trop nulle. Et même si tu réceptionnes bien sur le poteau, tu peux te taper un truc qui te retourne. Ah, une vieille dingue quoi. Okay. Ouais, une petite dingue là. Donc, ouais, une petite dingue qui te retourne, donc non, ouais, on va. Ça a mis du temps là, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, je suis un gros fils de... Oh là là. J'y suis vraiment allé trop tard. En fait, faut bien juste penser à tourner, hein. Ça paraît con, mais... Ah oui, c'est rond, ça. Ah, le 0.8, là, il fait mal. Hein. En même temps, j'ai tout tapé, là. Je t'entends plus, je t'entends plus. Ah, je me suis dit, on fait le tout pour le tout, là. PA est historiquement un tryharder ou pas? Il y a 10 ans. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux, ouais. T'inquiète, je te dis juste. Okay. Passion, merci pour le sub. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ça devait pas être très important. T'inquiète. Ah oui, juste, le poteau vraiment ça safe, tu t'en fous d'avoir... Ah ouais, d'aller vite, ou ouais. Non, parce que là, j'ai envie vraiment, de... Parce qu'en gros, toi, ce que tu veux, c'est faire un PB, là. Mais oui. quand tu seras à la LAN, à chaque fois que tu vas devoir tourner sur le poteau, donc tu vois, après l'endroit où tu peux dans le vide, t'as 3 ou 4 virages gauche, droite, etc. Release à chaque fois que tu vas tourner. Ok. Regarde, release un coup ici. Voilà, t'as pas de vitesse. Voilà, là aussi. Et là aussi. Oh, ça m'a fait pas de vitesse. Tu dois release aux 3 endroits. Oui, okay. Normal. En fait, vraiment, tu le safe à mort. D'ailleurs, tu joues en 16/9e. Enfin, la résolution de base. Ouais, je crois, ouais. Ah, oui. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je me suis mis en 4 tiers. Je trouve ça un peu mieux. Mais après, si t'as l'habitude du 16/9e. Ah, ouais, ça. Mais c'est Karl et tout. Tous les pros jouent en 4 tiers, non? Enfin, peut-être pas tous, mais. Joue en 4 tiers, un peu étiré, bizarre. Moi, honnêtement, je joue en 4 tiers parce que bah, déjà, il y a un ami qui me l'a conseillé, donc j'ai essayé, c'était cool. Et en plus, parce que de base, je joue à CS en 4 tiers, donc. Oh là là, t'es fort sur CS ? Je suis suprême, donc je suis ni fort ni nul. Ouais, c'est le. C'est le rang façon... avant global. Ouais, enfin, j'ai atteint le suprême, je l'ai atteint il y a 2 mois et j'ai arrêté de jouer. Les rangs CS, de toute façon, c'est toujours tellement chiant. Je pense pas que ça veut rien dire, mais. Oui. Release, en fait, ça veut dire relâcher. Ouais, release, c'est relâcher avec Sénateur. Ouais, t'as passé du moment où j'ai fait une pause d'un mois sur le jeu avec mon rang à expirer, j'ai plus envie de reprendre. Genre. Ça peut se comprendre. Pas mal. Ah, dommage. Karl, je sais pas si c'est 5x4, mais c'est un truc vraiment bizarre. Ouais, Karl, il a des réglages
Ah là, on est comme des chiens, là. Honnêtement, comme je te l'ai dit, hein. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, ça sera l'objectif, ça sera là, c'était juste pour... pour chasser un peu, quoi. Ah voilà, parfait, ouais. L'intégrale. T'as pas le droit de faire de pause sur CS ou... Ouais, moi, j'ai jamais CS quand j'étais plus petit, je kiffais bien, mais ensuite, je sais pas. Comme Valo et tout, c'est pas des jeux qui me hype trop à jouer, je me dis pas, putain, tiens, j'ai... Mais je cherche un peu, ça me manque un peu de jouer à des jeux multi, parce que ces derniers temps, j'en ai pas trop à lancer. Mais tu vas y rejouer ou pas un peu? De quoi? Tu vas rejouer un peu à LoL ou pas? Bah en fait j'aime bien jouer à LoL mais entre potes. Merde. Ok ouais. Ah. Et parce que du coup j'ai commencé LoL il y a une semaine. Ah ouais. C'est compliqué. Ah ouais bah le tout début surtout que c'est... Bah en fait là c'est juste de la compréhension des autres personnages. Ouais tout. Soit t'as joué genre à Dota ou genre de jeu soit sinon c'est vraiment... Ah non jamais. Un peu nouveau comme type de gameplay. Je suis ok mais c'est vraiment en termes de connaissances. Ah bah ouais, LoL c'est beaucoup ça, hein. t'as forcément une grosse part de mécanique, mais t'as quand même énormément... Ouais. Après si je te dis qui joue, tu vas rigoler, mais vas-y. Joue qui? Je joue Vel'Koz. Ah c'est vraiment je joue Vel'Koz et Nasus, donc... Putain. Un poster de Sard et un caleçon de Sard sur lui. Il est là. Il est là. Le petit prince du sel. Mais en vrai, Vel'Koz, c'est trop intéressant, regardez. Genre, regarder des games de Vel'Koz, ah, jouer, c'est cool, que ouais, envie c'est... de le jouer. Hein. À distance et tout, c'est sympa. Mais clairement. Moi, j'aime bien les mecs. Je crois que le perso est toujours... trop cool. Un peu de Cassio ou pas encore? Non, Cassio, j'ai essayé en training parce que du coup, genre, au début du jeu, il donne pas mal d'essence bleue. Hein. C'est cool. Ok. Du coup, j'ai acheté quelques personnages. Ah, c'est bien parce que ça, c'était l'enfer avant. Tu débutais le jeu, t'étais en mode... Ben... Là, j'ai dû en avoir au moins 20 000, tu vois. Ok. Ça te permet d'acheter quoi? 2 persos, 3 persos? Bah, j'en ai acheté, je crois, 6. Peut-être. Okay. Parce qu'après, il y a des persos qui coûtent 1000, des persos qui 4000, des persos. Ouais, voilà. Donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté Vel'Koz, Nasus, Cassio, Fizz et Lulu, et après un autre, je sais plus qui. Donc, voilà, j'essaye un peu des trucs différents. Voilà. Bon petit pool, quoi. Ouais. Bah, j'ai essayé de prendre des trucs différents pour un peu comprendre tout. Ouais, t'as raison. Genre Lulu pour le support, Nasus pour le top, des trucs comme ça, quoi. Nasus, je trouve ça vraiment fun à jouer. En fait, tu passes ta game juste à stack et après, pam, tu dégommes tout le monde. Vas-y, release. Ah non, là tu réaccélères un peu tard. Quoique, si tu prends très à gauche, respawn et essaie de le prendre vraiment très à gauche. Oh, j'ai hésité à faire un. Comme ça. Et là, vraiment, tu vas le plus à gauche possible. Oh, let's go. Ah ouais, ok. Ah, c'est pas si dur en fait, hein. Let's go. Ça se fait bien en fait. Enfin, faut l'entraîner un peu, mais ça se fait, quoi. Clairement. Nasus, le bon fun, sa mère, ouais, moi, j'ai joué beaucoup de mid laner, et après, t'as des... Après, comme je jouais moins, t'as des supports qui sont marrants, tu sais, genre, ou des bards, ou des conneries comme ça, ou... T'es sûr... Putain, ça te... Ah ouais, ça, par contre, quand tu switches... J'ai vu aujourd'hui, il y a Mundo, il a été buff, je crois. Ah ouais Déjà que c'était insupportable, bon. Trop mignon, la découverte de LoL. Mundo buff sur la machette Bon, rework, c'est chiant, rework, donc changer carrément. Putain, rework, il jette plus de machette. Ah, oui, c'est... ah ouais, rework carrément. Ah, je pensais que c'était juste un buff. Si, si, ok, d'accord, ouais, ça, ils ont juste changé les autres spells, quoi. Il y a toujours les mages, ok. Ah, quand même, ça. Regarde le Q. Ah, il garde son truc qui slow avec sa machette, là. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ouais, j'essaye encore 3 runs. C'est un PB, hein. Oh là là. Mais attends, mais tu es joueur professionnel. Pourquoi je tourne pas? Parce qu'en fait, je me vois pas, donc je suis en mode, je sais pas où je suis. Ouais, t'as pas confiance en toi aussi, je pense. Bah en fait, je sais pas où je suis, du coup, mais je suis trop con. Là. Ouais. Ah ouais, si tu tombes trop à droite direct, tu vas te taper le CP. Ah c'est... Oh là là, mais non, c'est très grave, la chance que t'as eu là, par contre. C'est full chat, ouais. C'est... Alors, en tout cas, c'est beau. Cette map, t'as clairement moyen de faire un PB très sympathique. Là, j'ai fait que tourner par contre là. Je devais freiner dans la descente? Non, ouais, tu devais freiner parce que t'avais vraiment une speed très élevée. Ok. Non, tu l'avais no fake, tu l'avais vraiment très 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 bien pris. Et là, encore une fois, tu le prends. Là, je pense que tu commences à le choper là. Ouais, mais je devais freiner du coup. J'arrive. Boum. Une seconde. Au PB là. Oh, le faux PB, il m'a mis dans une... Ouais.
Si t'as peur de ça, honnêtement, je pense que tu peux directement double respawn quand t'arrives dans le CP pour être bien droit sur la poutre direct. Si t'as peur de ton angle ou un truc à la con comme ça. Oh, le faux PB, il m'a envoyé dans une dimension, ouais, gros, dans les cordes. Je sais, mec, je suis désolé. En fait, faut que je me dise que je coach pas ça, hein. Faut pas que je mette la pression. Nice. Ah, dommage. Moi, ça marche bien quand je m'insulte, quoi. C'est une ambiance, hein. Ah, c'est le tennis. Ah bah, get Benoît Perret, hein. Ah, moi, on m'a dit que je ressemble à Benoît Perret, à Benoît Perret quand je rage, j'étais en mode... Quand je rage, j'étais en mode... Arrêtez, s'il vous plaît. Ah. En vrai, c'est... Ah, tu l'as vraiment chopé, hein, bien joué. 8.4. Genre pas mal, hein. Une 6, ok. Oui, c'est moi à la chatte. Oh, j'ai grade. Non, c'est pas mal, ouais. Nice. Ok, let's go, mec. Ok, let's go, les gars. Let's go, mec. Oh là. Non, c'est bon. Yeah. Gauche. Oui. Oh non. Si t'allais vraiment tous à gauche, c'était bon. Oh, je suis pas allé assez à gauche, c'était 47 ça, non? C'était 47. Même 46. Ah, c'était propre, fin, hein. Parce que ta fin, elle fait perdre vraiment longtemps. Alors vraiment, tu perds beaucoup de temps quand tu fais ta fin avec le tour et tout. Ah, tu m'étonnes. Je pense que c'était même 46. Dommage, sérieux. Oh, 6.3. Commence à parler là. Ben, on a peur là. J'ai oublié de tourner. Ouais, c'est pour ça que dans ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est pas mieux que direct tu doubles. Ouh là là, monsieur, excusez-nous. Ok, y a un truc là. Oh. Oh, c'est tellement dommage. C'est dommage, c'est parce vrai, que je partais même... loin là. Ouais, mais y a quand même un truc, y a quand même un truc. Je n'avais pas du tout la vitesse. Ouais. J'ai release trop longtemps, putain. Ah, dommage. En vrai, cette map, tu commences bien à la choper. Ouais, mais l'autre avant aussi, hein, c'était pas mal. Là. J'avoue que celle-là, j'aime bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir 3 maps où tu vas réussir à gérer. Ouais, 3 maps, c'était un peu plus compliqué. C'est ça. Bienvenue dans ma vie. C'est à 50% des maps où tu sais gérer. C'est les 3 autres qui vont tomber. Imagine. Non, c'est pas mal hein, quand même là dans l'ensemble. J'avoue qu'il y a des maps où vraiment j'ai pas progressé, mais ils réalisent pas au bon endroit. Ouais, un peu tard peut-être. Ouais. Bah, au moins là déjà, je sais faire en gros quoi. Les 3 maps sur lesquelles t'es bon, c'est pas mal. Hein. Je fasse l'entre-deux. Regarde. Ah, mais surtout que cette map là, vas-y, montre. Là, cette map là en plus, tout le monde va pas être très fort dessus, donc si t'es bon, ça peut être un gros avantage. C'est énorme. Ah, oh, j'accélère au bon moment. Oh, t'es pas mal. Oh là, quel drift. En fait, c'est toi le coach. Pas mal ça. Hein. Tellement bien. Une seconde 3. Oh là là. J'ai relâché de ouf. Oh, j'ai relâché de ouf. C'était 45. J'ai relâché de ouf, hein. Oh, dommage. Il va falloir que je vous quitte, en plus, là. Sur une série de Floki Lazy. Merci pour le Prime. Je pense que j'ai pas mal pris le truc, là. Allez, les 3 maps, t'es vraiment devenu bon. J'avoue que j'ai mis un peu de temps, mais sur quelques-unes... Juste arriver à la donne et détruire tout le monde en fait. Voilà. Tranquille. Ça j'ai. Dommage. Je me suis dit qu'il fallait accélérer un peu quoi, sinon. Ouais, c'était pas trop mal en vrai, mais bon. Bon, les 3 derniers essais. Ouais, 3 derniers.
Bon, allez, 3. Ça peut... 3 à partir de maintenant. Yeah, nice. C'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout. Ah, tu vois, j'ai trop tourné là, du coup. Parce que ouais, j'avais pas la même vitesse que d'habitude. Après, ça va vraiment juste être de l'habitude. Voilà, ça c'est pas trop mal. Façon... Oh, quoi ? Matt, c'est merci bizarre, pour ça. Le prime. Ouais, je suis passé à deux roues. C'était très bizarre. Oh non. Ça fait 3. Oh. Quand on dit 3, c'est 3 fois qu'il arrive au poteau, quoi. Oh putain, j'ai découvert une nouvelle map, là. C'est une nouvelle route. Sur quel jeu on va être bon ? GeoGuessr, ça va être notre meilleur jeu, je pense. Oh, let's go, bien joué, ça. Tu l'as eu, tu l'as. Après, après, je sais pas, on va voir. Battle Raid, je pense que ce sera pas mal. Ok, bien joué. Ah, du coup, t'es obligé de prendre à droite. Ah, merde. Et du coup, tu vois, quand ça t'arrive, ça... Ah, t'es obligé ouais, de jouer avec... j'avoue, parce que je prends toujours le même... Oui. Parce qu'en soi, je te demande le gauche, c'est mieux en termes d'angle, etc. Mais si ça t'arrive, ça, t'es obligé d'aller à droite. Parce qu'en soi, c'est juste symétrique, c'est la même route. Oh, agressif, hein. Ouais, c'est dommage. Agressif. Bon, allez, petite last. Non, mais j'avoue que j'ai bien progressé grâce à toi. Merci, parce que... C'est plutôt grâce à toi. Non, c'était bien cool. Merde. On veut un beau run. Skyler, t'es régul sur cette map-là. Non. Putain, ça met bien, ça, comme news. Ça fait... Je vais mentir, attention. Il y a des grosses infos de chat. Oh, bien joué, ça. Putain, non, c'était une info de chat. Il est pas régul, en fait. Putain. Bah, je sais pas, honnêtement. J'ai pas regardé Skyler sur cette map. Ah, c'est... Ah, jouez pas avec mon palpitant comme ça, là, bordel. Ah, surtout que les gens ils s'amusent à aller sur. Alors je sais pas s'ils font exprès ou si c'était pour rigoler, mais d'aller sur les streams des gens et dire ah bien joué ton PV, mais Skyert il a fait un peu mieux, ouais. Après, c'est le même. Ah, ça met très bien. Ah, mais je sais, mais ça met très très bien c'est les gens qui font ça. Oh là là. Ça va dans tous les sens bon, nice. Bah, en vrai, s'il est régul, let's go. Après, il est régul. Ça dépend combien, tu vois. Bien joué, ça. Oh, quoi ? Oh, c'était bizarre, ça. Ce qui vient de t'arriver. C'est trop chelou. Oh, c'est mort, là. Sauf si... Non, finis ta run, tranquille. Après, là, si tu... Même si tu réussis à la fin, c'est pas PB, mais... Ni au moins, tu auras fini. Important, c'est de finir, honnêtement. Hop. Oh non, je pense que je réussissais le cut là. Je pense que je l'avais en plus. C'est dommage, très close. Alors pour trouver les maps de Zera, faut que t'aies la version minimum à 10€ par an. Et si tu l'as, bah tu vas dans live, il y a la section live en haut de ton écran, et tu tapes Zilan dans la barre de recherche et il y a des serveurs. Pourquoi est-ce que les gens me confondent avec Bren ? J'ai pas la même voix que Bren en vrai. Non. Bren, sa voix. Que j'en dis ça. J'essaie de me réimaginer la voix de Bren, mais... Attends, j'ai plus la voix de Bren en tête. Si, un peu, ça dit. Ah ouais ? Ok. Un peu beaucoup, je trouve un peu en vrai, il y a l'intonation. Ah ouais, ok. Si vous le dites. Il stream, Bren ? Ouais, il est en stream, là. Troll. Il stream sur du Checkmania. Il doit. Ouais, il traîne la World Cup. Putain, quel boss. Après, ça doit être compliqué pour lui de traîner World Cup et Zilan en même temps là. Ouais, t'as beaucoup de. Bah, lui, il doit avoir des trucs à faire en ce mois de mai. Sauf que la World Cup, les qualifiers, c'est ce week-end, non ? Ah ouais ? Et hop, ouais, et le week-end d'après, paf, ça enchaîne avec la Zilan. Oh le grider. Ouais, putain vas-y, dernière. Je veux une bonne run là. Oui, mais quand on dit la dernière, c'est la dernière où il finit en fait. Non, techniquement là, faut que je m'en aille. Parce que là les gens ils sont en mode c'est bon, la last elle est passée. Non, c'est la last où il termine. Un PB ouais, on aimerait mais... Ah, ça serait pas mal le petit PB. Je dois m'envoler là.
Ok, c'est pas mal ça. C'est même très bien. 7.2, c'est pas ouf quand même. Non, ça reste très bien. Il y a un mec dans le chat qui a écrit Miskin, c'est Bibi ou quoi là. Aïe aïe aïe, ça met très bien. Oh, let's go. Oh, ça fait trop chier la roue. Ouais, ça fait. Ok, bon. Au moins t'es passé, c'est l'important honnêtement. Parce qu'au vu de la formale, du format de la Zilane, tu t'en fous de faire un bon temps, juste termine. Ah oui, non mais là on était sur autre chose quoi. Ça saoule. Ça saoule. Allez, au moins termine-moi ça. Termine-moi ça d'une main de maître. Oh. Oui. Non mais ça passait, c'était bien. C'était déjà ça. Ok, 6.8. Non. Pas de chat. Ah, l'enfer, le truc, c'est que j'avais vraiment des bons poteaux tout à l'heure. Ça m'embête! C'est vrai que t'avais eu apparemment des bons poteaux sur ton PB. Ah, parce que t'avais pas vu? J'avais pas vu. Ah ouais, bah j'avais. Non, c'était le moment où j'essayais de voir comment est-ce que tu peux release à la fin. Ah, je les avais fumés. Je regarderai la rediff. Ouais, c'était peut-être pas à ce point non plus, quoi, mais. Ah mais au moins pour voir ton niveau incroyable. Ok, nice, release un petit coup là. Voilà, ça passe, voilà. Ça c'est très bien. Hein. Ah oui d'accord, tu les as vraiment bien passés pour pas une seconde 2. Ah ouais, non c'était propre hein. Ouais non, même là c'était très propre hein, pour du release. Ok, tu l'as. Non, dommage t'as release ici. Là tu pouvais full spin, tu t'es pas fait confiance. Ah parce qu'en fait c'est une double release. Non non, justement faut release qu'une seule fois. Ah, putain, c'est soit le deuxième frein, soit tu double frein, soit tu. Ouais, soit tu double drift, soit tu fais que un release. Parce que là, en soi, si tu avais pas de double release, tu l'avais largement. Ok. Honnêtement, t'en as pas mal des moins de 7 ici, c'est très bien. Ouais, le début, non, mais c'est bien, honnêtement, je suis content parce qu'on a pas mal amélioré les. On a amélioré les bases, on va dire. Y'a qu'un release. Ah mais en fait c'est mon erreur depuis tout à l'heure. Ouais, mais je me rends pas compte, je joue pas avec le son du jeu en fait. Non mais en fait à chaque fois ouais c'est que j'ai pas assez confiance. Mais du coup c'est cool parce que je pourrais faire un bon temps je pense là-dessus. Bah je pense que tu peux aller chercher un 45, même voire 44. Mais... Je retrainerai un peu. Tout ce jeu sur est-ce que tu vas grid les poteaux quoi. Ouais après c'est ça quoi. Parce que si tu prends les mêmes poteaux que t'as eu sur ton PB tu peux faire 43 tu vois. Non mais t'es vraiment pas mal. Après là tu vois pour que je sois à moins 0.3 c'est juste que mon début il était cata. Oui ton début était catastrophique mais après les poteaux étaient rapides. Et ça c'est pas trop mal, bien joué. Ne précipite pas, tranquille, t'as le temps. Dommage. Vas-y va voir, t'as combien? 2-2. T'as 2-2, ouais c'est ok. Bah si je cut je l'ai non? Ouais, c'est sûr que tu l'as. Ouais, voilà, je me suis fait confiance, j'ai accéléré, tu vois. J'ai pas voulu re-release, mais. Honnêtement, t'avais pas trop mal fait, mais c'est vraiment juste une question d'angle, là, pour le coup. Bon, j'y rejouerai, je vais me refaire une session semaine pro, je pense, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, bah, tac, allez, merci beaucoup pour les conseils et tout. Bah, merci à toi aussi. Hein. Honnêtement, c'était bien cool. C'était bien cool, on n'a pas amélioré, mais t'en fais plus quand tu dis ce qu'avant. C'est ça, ouais. Release juste avant le CP, non mais faut que j'en mette un peu avant pour pouvoir réaccélérer bien. Mais ouais, trop cool, tac, merci énormément et bah bonne continuation poto. Vas-y, bah toi aussi, en espérant que tu fasses une bonne perf. Merci, c'est gentil, salut, ciao.